Cool. Moi aussi j'adore le couscous. Romano. J'ai demandé à Nelly Combe, on l'a pas donné pour venir. Marie. Non, j'ai pas de prostate, c'est que des mecs. Cédric. Ah, j'ai fait ma salope. Samy. Elle envoie niveau cul. Karim. Sa femme elle pompe, on m'a dit que voilà. C'est une pompeuse. Guigui. Ah les gars, là c'est une dinguerie. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct tous les soirs, on est là. Merci de passer votre soirée avec nous. Merci de démarrer cette semaine avec nous. On est lundi. Ouais. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de Radio Libre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez pas eu trop très chaud. Bien. Oh putain, il faisait chaud hier. Il faisait bon vivre, ouais. Ah non, trop. Ouais, les gars, putain, moi j'étais dans. Trop hier. On est jamais content. Là, j'ai vraiment pas de bol. Ah, dans 34 degrés, moi je faisais trop. Hier, j'ai bouffé le restaurant. Oui. On va bouffer avec des potes. Vous nous racontez anecdotes du week-end, n'hésitez pas. Romano commence tout de suite. Bonsoir d'ailleurs. Romano. Bonsoir. Un vieux, bon, avec la chaleur, il tombe dans les pommes. Ah oui, Cario nous a raconté. Écoutez bien cette histoire. Si vous avez des trucs qui vous sont arrivés ce week-end, on partage tout ensemble. Ça, c'est l'histoire du week-end. Non, ouais. La chaleur de ce week-end. On n'avait pas encore bouffé. Hein. On venait de s'installer. Bon, nos amis, en plus, bon, ils avaient pris le métro. Évidemment, le métro est tombé en panne pour venir. Bon, truc sympa avec la chaleur, c'est génial. Mon pote, il disait, dans d'autres pays, la clim, bon, a priori, pas sur leur ligne à eux du tout. Ah. Ouais, donc il faisait une chaleur à crever, les gens puaient, bon, un enfer. Donc on s'installe, genre deux minutes après, tu sais, il y a un vieux qui tombe dans les pommes, tu sais, sur la banquette, il tombe raide, blam. Et ouais. Donc, ah putain, c'est flippant. Donc ils appellent les pompiers et tout, tu sais, bon, dans le resto ils lui mettent de l'eau dessus, les pompiers arrivent. Bon, et le chien, bon, vieux, il avait pas non plus 90 ans, hein, je sais pas, peut-être 70, ouais, 70 ans quoi. Ouais. Et après un coup de chaud quoi. Ouais, bah non, mais c'est ça. Non, mais c'est une chaleur à crever. Ah, hier. Il le pose sur un fauteuil pour l'emmener. Ah, je te plais, il passe à côté de nous. Il avait un sac à vomi. Au moment où il passe. Ah non. Ah, bah non. Du coup, on a moins mangé, tu vois. Ça, ah, ouais. En plus, quelle belle anecdote de week-end. Ah, c'est sympa ça. Mon pote, il me dit, en arrivant, il me dit, ah putain, qu'est-ce que j'ai la dalle. Du minute après, le vieux, il passe. Ouais, d'un coup, j'ai moins faim, quoi. Voilà. Et aujourd'hui. T'es coup de chaud. Non, mais attends, aujourd'hui. Mais là, j'ai la poisse, en fait. Aujourd'hui, je retourne au resto. J'étais invité, bien sûr. Ah, évidemment, ouais. Encore une fois. Tu veux bien le préciser. Oui, non, mais j'étais invité. Pareil, je mange avec un pote. Et je lui dis, putain, c'est pas vrai. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et là, deux tables derrière, il y avait une meuf, en fait, elle meurt. Non, elle pissait le sang du nez. Oh. Tu sais, il y en avait partout. Tu portes la poisse, ou quoi? Et bah, pareil, j'ai moins mangé, du coup. En fait, c'est un plan quand je me fais inviter, en fait. Il y a une galère. Il y a des comédiens qui viennent avec des effets spéciaux pour m'empêcher de bouffer. Quoi. Pareil, j'étais parti sur entrée plat dessert, bon j'ai pris un plat et puis terminé quoi. Je dis ouais, ça m'a coupé un peu le truc quoi. Bon, vous avez des trucs sur votre week-end, n'hésitez pas à nous dire. T'as salué Isma du 30 du Gard qui il a fait 36 degrés aujourd'hui. C'était horrible sur le chantier. Ah ouais, chantier à 36 degrés, Isma. Ouais, c'est vrai que t'as dû morfler toi aujourd'hui là. Ah, tu m'étonnes. Salut Isma. Salut à tous ceux qui sont là. Ah, mais hier, on était à 36, 37, voire 34 plus, à Paris. Non, j'étais dans ma voiture, il faisait 37. Ah ouais. Ouais, bah, j'avais vu 34. En plein Cagnard, il faisait 37. Ah, Cagnard. Bon, bah, 36 du côté du Gard, du côté de Nîmes-Alès, aujourd'hui. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est l'été, hein. De toute façon, on va en profiter. On vous remercie. Oh, j'aime quand ça cogne, moi. Bon, bah, ça va cogner tout au long de la soirée jusqu'à minuit. On compte sur vous. Appelez-nous 01 53 40 30 20 avec toute l'équipe qui est là. Donc, Romano est là, la Marie aussi. Bonsoir, oui, la Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Samy. Comment ça va? Salut, bonsoir tout le monde. Bah, moi, j'étais en Angleterre ce week-end à Londres. Il faisait chaud. Il faisait putain tarpin chaud, les gars. Ah, pareil. Ah ouais, chaud de ouf. Et tout à l'heure, en entrant dans le train, bah, il y a un mec qui se branlait. Les Anglais, ils étaient quoi? Ils étaient tout rosés. Ils ont les meufs, soleil. Ouais, les meufs, des petits cochonous. Toutes roses, tu sais. Mais c'est énorme. Ils ont pas l'habitude, oui. Par contre, en rentrant, il y avait un mec qui se branlait dans le train, normal. D'accord. Ouais, mais dans le wagon? Devant un film de cul. Non, debout, entre le wagon bar et le wagon des sièges normaux. Salut Samy, tu m'as reconnu? Et on était. Non, mais gros, mais super. C'est Guigui. Un mec à Londres. Guigui était allé en Angleterre. J'étais à Londres. Un mec, il avait l'air normal. Et genre, c'est la meuf, tu sais, on va prendre à manger avec mon pote au bar. Et la meuf, elle dit, vous pouvez rester avec moi? Je dis, la meuf, c'est chou, elle disait, je veux, ouais, si vous voulez. Là, tu dis, putain, on va serrer cool. Non, elle dit, ah, parce que j'ai appelé des collègues, il y a un monsieur bizarre. Et là, on regarde, et le mec, il est en train de se branler. Il regarde un peu son téléphone. Il avait la main dans le pantalon et il se branlait comme ça. C'est quoi, c'est un français ou un anglais? Je suis pas allé lui parler parce qu'après il y a les collègues genre de la meuf qui sont venus le mettre à l'écart, genre l'interpeller en un truc. Ouais. Mais genre le mec c'était pas un mec un ouf, il paraissait normal, habillé normalement, tu sais, bien coiffé. Salut, c'est moi.
t'es le mec chelou, quoi. J'avoue, il est en plein après. Surtout comme ça, se branler. Quel âge il avait, je sais pas, 30 ans. T'es pas un ouf, hein. Normal, ouais. Un mec, c'est pas un ouf. Là, bon, j'ai quand même quelques réserves. Non, mais quand tu le vois, en fait, c'est pas un ouf. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais t'es pas un vieux ni un mec pervers. Tu te branles rarement entre les wagons comme ça, sachant que le train est plein, quoi. Oui. Non, mais surtout, il est dans les toilettes à la limite pour faire ça. Voilà, à la limite. Il y avait des toilettes à un mètre de lui. Et le mec, il était entre les deux wagons, la main dans le truc devant un film de cul normal, gros. En détente. Quand il y a des gens qui passent, bon. Ouais, ça fait plaisir. Bon, bonjour Guigui. Bonsoir tout le monde. T'es sûr que c'était pas toi, hein. Non, du coup, non, c'est bon. Je t'ai reconnu quand même. Ouais. Bonsoir Karim. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et salut Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Qui est déjà au téléphone avec salut, vous. Ouais, ouais. Profitez-en tout au long de la soirée. Vous nous appelez, vous débarquez ici. On vous souhaite donc une belle soirée. On parle de tout ce que vous voulez. Vous avez un problème à gérer, un truc à nous raconter, un petit débrief de votre week-end. On vous attend en direct. Salut Dark Mucus qui vient d'arriver. Salut Dark Mucus qui nous dit punaise, 2 mois de vacances à me faire chier. Et tous les médias que j'écoute, dont vous, seront aussi en vacances. Non, pas de vacances sur Skyrock. Non. Ah non, on a prévu un été de fou sur Skyrock. Oui. Déjà, il y aura la radio libre tout l'été. Et ouais, donc oui, ça, c'est ça, on a loupé. Et c'est Romano qui va la présenter vous tout l'été. Vous retrouverez. Ouais, exactement, ouais. En direct de mon bateau. Waouh. Vous retrouverez l'été du morning tout l'été avec Mathias dès la semaine prochaine à choper vos séjours pour le parc Astérix. On vous offre vos vacances. Le parc Astérix. C'est le parc digital ou pas? Voilà, le parc Astérix à gagner. Ce sera dès lundi prochain. Et puis vous aurez tout le gros son de l'été avec toute l'équipe à retrouver tout au long de l'été. Donc ne t'inquiète pas, Dark Mucus, tu ne seras pas seul, tu pourras rester avec nous. On a un beau message qu'on nous a envoyé de Crète, je crois que c'est Ouvi qui nous a envoyé ça, qui est en Crète. Des messages du Québec, on salue Greg du Québec qui nous dit qu'il fait 29 degrés, 36 ressentis au Québec. Un autre Québécois qui nous écoute, on est grave écouté au Québec. Flo du Québec, super week-end dans la fumée des feux de forêt du nord du Québec. Ah génial. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Obligé de rester à la maison pour éviter de respirer ça. Et j'ai une bonne nouvelle également pour vous tous qui nous écoutez. Ils arrivent. En France, ça arrive en France, les nuages. Ouais, ouais, les nuages de. Non, mais de fumée de. Ah, j'écoutais dire les feux de forêt. Peut-être, mais les nuages de fumée du Québec. Ouais, c'est exactement. Ah ouais, ça arrive jusqu'à chez nous. Ouais. Voilà, donc vous nous polluez l'atmosphère, les Québécois, ça suffit maintenant. Non, mais les feux de forêt, il n'y a pas des alertes, je crois. Je pense qu'il n'y a pas tous les étés, de toute manière, dans le sud. Non, mais là, je crois qu'ils ont déjà commencé. Hein. Ouais. Bah, on avait eu un feu de forêt dans les Vosges, j'ai pas tellement chaud. Ouais, mais là, ils ont mis des régions en alerte, je crois, avec des chaleurs. Là. Alerte. Bon, bah, en tout cas, on est content d'être avec vous. Quoi qu'il arrive, vous savez, vous pouvez nous retrouver. Trop chaud à Saint-Etienne, nous dit Sky M. Ouais, il y a plein de messages. Il a fait trop chaud ce week-end, c'est horrible. Et c'est encore pire quand tu travailles. Ouais, mais quand il fait chaud, ça va. Salut à Djibril. Attends. On aura le clash de la drague en parlant de voter Romano. Clash de la drague avec Cédric et Romano l'un contre l'autre. L'avantage, c'est que Cédric, il a tellement chaud, il est complètement amorphe. Non, t'inquiète pas, ça va. Complètement. Oh là, je suis morphe. Oh là, qu'est-ce que je suis morphe. C'est ce tête soir. De morse, ouais. Oh, je suis morphe. Mais ta gueule. Donc, le clash à retrouver, les doubles appels. Bah, profitez-en pour les doubles appels. Laissez-nous les numéros, hein. On les appelle en direct tout à l'heure. Les numéros de ceux que vous voulez, que vous aimez bien d'ailleurs, et que vous voulez retrouver dans le double appel ce soir. Si vous connaissez des familles, la vôtre d'ailleurs, ou des gens que vous connaissez, vous nous envoyez les numéros de téléphone, vous laissez les prénoms. Et nous, on vous prépare tout ça et on fait les doubles appels. On va essayer de les faire avant 10h. On aura donc le clash après. C'est vrai que t'as un physique de morse. Et puis, on va. Regardez les fonds de mer, le machin. Ah, et je me fais critiquer, regarde, maladroit qui dit il faut arrêter de se plaindre de la chaleur. C'est l'été, bordel de merde. T'as raison. Ah oui, oui. Ah non, je suis content, moi. Putain, j'espère que ça va encore monter. Hein. Ah non, 34. Mais t'es ouf. 34 degrés, t'étais pas mal hier. Non, hier, ça allait. Hein 34 degrés. Ouais, j'étais pas mal. Il faisait chaud, quoi, mais. Bon, 34 au bord de la mer, c'est super. J'aurais préféré. Déjà, il faisait plus de 34. Moi, je te dis, j'avais 36,5. Ah, dans tu vois, bah, c'est déjà moi 34, c'est trop. Alors, t'imagines 36,5, c'est trop. Non, mais alors, le truc qui arrive. Arrêtez de vous plaindre. Cet été, tout le monde va se plaindre quand il fait froid. Profitez du soleil. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je veux que ça cogne. Vous n'avez pas tort, mais bon. Ça cogne. Je veux que ça cogne. Je veux que l'eau soit hyper. Je veux que ça cogne. Allô, tout va bien, quoi. Bon, alors, on a plein de choses à faire. On va retrouver dans un instant Lydia qui sera au téléphone avec nous en direct du 78. Salut à toi, Lydia. Bienvenue sur Skyrock, t'as 30 ans et t'es. Bah, salut Lydia! Et donc sois la bienvenue, salut. Lydia! Salut! Salut! Tu vas nous parler des mecs en général, toi, ouais. Lydia. T'as peut-être des critiques à faire aux mecs, on va en reparler avec toi. D'ailleurs, les filles, vous pouvez d'ailleurs vous exprimer, même si vous avez des choses désagréables à nous dire, on est prêt. Bah, évidemment! On est prêt à tout entendre. T'as fait quoi ce week-end, toi, Lydia? J'étais à la piscine et après j'étais au foot avec mon fils. Ouais, c'est cool. La piscine c'est bien, le foot en plein soleil c'est plus difficile. Ouais. Après c'est ton fils qui joue, c'est moins pas toi. Cool, ça. Ouais. Non, mais toi tu peux te caler à l'ombre s'il y a quelques arbres autour du terrain quoi. S'il y a des arbres sur le terrain c'est étrange. Ouais, mais... c'est un peu c'est un peu compliqué en fait pour jouer. Ils ont planté un chêne en plein milieu, faut le contourner. Donc tu nous as fait un week-end de sportive toi Lydia. Ouais, bah moi j'ai pas trop fait de sport, hein. Moi j'étais plus posée. Toi t'as regardé en fait. Transat et tribune. Ouais, c'est ça, ouais. Tu t'es mise dans l'eau, tu t'es. J'espère que tu t'es bien hydratée.
Bah, il faut s'hydrater. Tu t'es bien hydratée, toi, Marie? Ouais, bien sûr, je me suis bien hydratée. Avec? Avec mon avec. Non, j'ai bu de l'eau, mais bon, j'ai un peu bu samedi soir, ouais. Ah, moi aussi. J'avais ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup bu, même. J'avais un anniversaire, et ensuite, je suis allée dans une boîte. Échangiste. Ah ouais, boîte à. Non, une boîte de lesbienne avec mon fils. Qu'est-ce de lesbienne avec ton fils. Ouais, bah ouais, parce que non, mais il y avait la marche là samedi. Ah en fait, oui, après, la marche on... des fiertés. Ouais. Après, on est sorti. J'avais une copine qui mixait dans une boîte lesbienne et on est tous allés là-bas. Et... Mais pour rentrer, ton fils s'est habillé en femme. Bien sûr, évidemment. Non, mon fils s'est habillé normal. Là, je lui ai prêté des habits. Putain, bah, c'est une copine qui mixait. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Putain, je le voyais au milieu de tout le monde là en train de danser avec son grand corps. Chaud, surtout. Ah bah attends, t'imagines des filles partout. C'est chaud, cool. Ah ouais. Bon, écoute Lydia, j'espère que t'en as bien profité en tout cas. Et pour démarrer cette semaine, qu'est-ce qui se passe, Lydia? Dis-nous tout. Bah, moi, en fait, je vous appelle parce que bah, je comprends pas trop en fait pourquoi, mais j'arrive vraiment pas à faire de rencontres. Ça fait 5 ans que je suis toute seule, en fait. Ah, c'est marrant, parce que c'est souvent plus les mecs qui nous appellent pour dire qu'ils galèrent avec les meufs, parce que vous êtes désagréables parfois, les filles. Non, on est désagréables. Bah, vous êtes pas facile parfois à serrer. Regarde, Guigui, ça va. Alors, Guigui, tiens, on t'a pas demandé, mais t'as serré ce week-end. Eh bien non. Énormément. Ça serait. Il a serré des mains. Il a serré des mains. Non mais c'est vrai, Guigui. J'ai serré des mains. Mais tu nous caches pas une histoire cachée, Guigui? Des mains, mais même pas. Non. J'ai serré que des mains, des pinces. Des c'est pinces. Tout. Voilà, c'est pas fou. J'ai rien à annoncer. T'as rien serré du tout. Non, même pas, non. T'as fait quoi? T'as avec mes parents ce week-end. Effectivement, pour serrer. Un peu compliqué, si tu veux. Ou vraiment dégueulasse. Ouais. Non mais t'as une sœur, elle a pas des copines à te présenter, ta sœur? Non mais ils sont plus âgés que moi. Ouais. Elle a 6 ans de plus et tout, donc non, c'est pas le même d'elle, quoi. Bon, alors, on va étudier pourquoi t'as du mal Moi, je sais déjà pour Lydia. Pourquoi t'as du mal à serrer avec les mecs? Pourquoi? Ouais. Bah, parce que t'as un gosse. Ah. Ouais, c'est ce que je me dis aussi des fois. Mais, en fait. Non, mais moi, je. Non, mais c'est pas. Non, là, sur le coup, c'est pas une vanne, hein. Pourquoi, c'est pas. Pourquoi pas? Bah, parce que, en fait, on en avait déjà parlé dans l'émission. Et t'as quel âge, Lydia, t'as dit? 30. Ouais, tu vois, et t'as des mecs à 30 ans, ils ont pas forcément envie de devenir daron en plus d'un gosse qui est pas à eux. Ouais, mais peut-être juste. Ken, ils essaieraient de lui parler, mais là, apparemment, elle parle vraiment à personne, donc même pour. Ouais, mais est-ce que t'en parles directement de ton enfant? Ouais, j'avoue que la première conversation, erreur. Souvent, ça sort. Ouais, le mec, il doit se dire, ouais. Moi, je me mets à la place parce du que mec. Moi, une meuf qui a un enfant, ça me gêne pas. Ouais, moi, au contraire, je me dis, ouais, je mais t'as pas le même âge que Lydia. Je suis un peu plus jeune, oui. Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. mais si, c'est vrai. Non, mais bon, c'est-à-dire que statistiquement. Non, mais tu vois, si elle m'en parle tout de suite, par contre, moi, ça peut me bloquer, ouais. Ah non, mais moi, ça me bloque. Si t'as juste comme objectif de la ken, ça va te bloquer. Bah non, mais c'est peut-être pas ce que tu cherches, Lydia. Non, mais voilà, mais c'est parce que le mec en face, il cherche aussi. Tu cherches quoi, Lydia? Toi, tu cherches un mec pour t'amuser? Tu cherches quoi? Ou tout? Non, moi, je cherche plus un mec pour me poser, quoi. Mais je te dis, moi, le mec, je me mets. T'as l'air sympa et tout, hein. Ouais, mais en plus, ouais, mais moi, je me mets à la place d'un mec. Je sais pas, je te rencontre direct, tu me parles de ton gosse, j'ai un blocage, tu vois. Ouais, je pense comme toi, faut pas en parler direct, Lydia. T'en parles tout de suite. Ouais, même, de toute façon, moi, à la limite, même t'en parles deux jours après, ça me fait chier aussi, hein. Oui, mais même un mois après, ça. Il y a bien un jour où il faut en parler. Non, mais je veux dire, non, mais moi, ça me bloquerait. Bon, je suis encore très jeune, à 21 ans. Bon, il a quel âge, son enfant? Venir, mais. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Et une semaine sur deux, il est avec son père, non? En fait, son père, il habite loin, donc il est chez lui que pendant les vacances. D'accord. Ah ouais, ok. Non, mais c'est. De toute façon. Ah, mais comment tu fais pour l'avoir tous les jours? Bah, c'est un enfant, Marie, quand tu veux un enfant. Non, mais après, il est souvent chez ma mère et tout. À ce niveau-là, pour sortir, j'ai pas de problème. C'est juste que moi, je me dis, attendre un peu pour en parler. Je me dis, peut-être, ça fait bizarre. Genre, le gars va me dire, ouais, mais tu m'as pas dit ou non, quoi. Non, mais s'il te pose la question, qu'il te demande quel est t'en es où dans la vie et t'as des enfants, bah, tu vas lui dire, ouais, j'en ai un. Mais si c'est toi qui en parle en premier, c'est-à-dire si c'est toi qui mets en avant ton enfant. Ouais, ça fait genre, je suis maman avant femme. Ça fait déjà on n'est pas en couple, on est en trouple, on est trois, quoi. Ouais. Non, mais puis c'est surtout que, je suis maman, je suis femme, c'est surtout, moi, je me mets à la place du mec, moi, ça me fait chier, j'ai pas envie de me coltiner un gosse, quoi. Non, mais attends, si elle rencontre un mec. Bon, ça, c'est ton avis, Romano. Non, non, rassure, Lydia, tous les garçons sont pas comme Romano. Non, mais les gars, c'est pas compliqué, si elle rencontre un mec qui a un enfant aussi. Ne t'énerve pas, Marie. Marie, elle est tendue. Donne-lui un, prends une bière, vas-y, prends une bière, tu. Marie, c'est la faute. Elle est en descente, là, c'est. Mais non, mais. La soirée de samedi soir là, dans la soirée. Non, ça va, où là, ça fait un moment que. Bah, bon, un coup, ça la détend alors. Oui, elle peut rencontrer un mec qui a un enfant aussi, tu vois. C'est vrai, ça dérange. Oui, mais elle a peut-être pas envie d'en avoir un deuxième. Non, mais t'es pas obligé de te le coltiner, mais s'il a un enfant de 8 ans aussi, tu vois, ils peuvent jouer ensemble, machin. Ils ça se voient, te dérangerait, toi, de tomber sur un mec avec un enfant ou pas? Non, pas du tout, non. D'accord, parce qu'il y a la folle, elle a 25 ans, elle nous dit non, c'est pas le gosse le souci. Dis-nous ce que c'est, ce que t'en penses, la folle. Ah, mais moi, je pense. Non, mais le souci, entre guillemets. Il y a Couille de Loup qui dit j'ai 33 ans et ça me dérange pas une meuf avec un enfant.
Oui, bah après il y a aussi plein de messages qui disent Romano oui. a raison. Oui, hein. je vois. Oui. Par exemple Nico qui nous dit ouais moi j'en ai trois et c'est bizarre parce que je suis célibataire. Non, mais tu vois donc. Non mais en plus on en a parlé. Il dit je next direct les meufs qui ont des gosses. Là mais on en avait parlé. D'ailleurs je crois que c'était un mec qu'on a vu, tu vois, on l'a vu dans l'autre sens. Mais je pense que ça fait à peu près 6 mois. T'avais pas entendu Lydia? Si, ça me dit un truc quand même. Ouais, en tout cas, on avait eu un mec qui était dans le même cas que toi. Il avait un enfant et il nous appelait parce que lui, il galérait à trouver une meuf. Et bon, après analyse de son cas, tout ça, on en avait déduit que c'était sans doute... Bon, alors après, non mais heureusement, tout le monde n'est pas comme moi. Voilà. Moi, j'ai une révulsion des enfants. Révulsion des enfants, ça voilà. Me révulse. Après, moi, je vois plein de personnes qui ont des gamins, des filles, elles n'ont pas de problème pour refaire leur vie, en fait. Non mais après, c'est peut-être comment t'appréhendes le truc vis-à-vis du mec. Ouais, tu vois. Comme tu l'amènes. Bon, après, on est parti là-dessus. Non mais bon, c'était mon idée. C'est peut-être pas ça. Oui. Après, on est peut-être sur autre chose, hein, je sais pas. Tu n'as pas de problème physique particulier? Non, mais c'est une analyse qu'on fait. Non, je sais pas. Bon, écoute, faut que tu nous trouves un exemple d'histoire que t'as eu avec un gars ou que t'as voulu serrer et pourquoi ça a bloqué. Faut que tu nous dises. Tu les cherches. Souvent, je parle avec des gars. Souvent, oui. C'est eux qui viennent m'aborder. C'est rarement moi qui vais vers des gens. Ouais. Mais bon, en ça, fait, c'est plutôt bon signe, ça. On parle peut-être un jour ou deux et après, il n'y a plus de nouvelles. On ne me répond plus. On next, quoi. Et là, dans les deux jours, t'as parlé du gosse. Ouais, bah oui. Ah, bah oui. Alors. Non mais tu essayes de ne pas en parler. À mon avis, ouais, je suis d'accord. Hein, c'est... En fait, je fais pas trop exprès. C'est un peu comme tu m'as dit, ouais, t'as fait quoi ce week-end? Bah direct, ouais. Je t'ai dit, ouais, bah je te fous avec mon fils. Tu vois, c'est. Mets-toi à la place du mec. Le mec, il va se dire, ouais, putain, les week-ends, je vais me coltiner les matchs de foot de merde de son gars. Ouais. Dis mon neveu. Non mais tu vois, mais non mais faut pas mentir parce qu'un jour, si t'as une histoire oui, avec non mais lui, d'accord, mais putain. Non mais quand tu présentes le truc, excuse-moi, tu sais, au début d'une relation, t'as envie de kiffer. La meuf, en l'occurrence toi, Lydia, tu, moi, je rencontre. Une meuf, elle me dit, ouais, le week-end, t'as fait quoi? Bah, je me suis occupé de mon gosse tout le week-end. Bloqué. J'ai été au foot. Je l'ai emmené. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Le mec, il fume depuis tout à l'heure. Mais t'es barbe. Cigare, gros. Qu'est-ce qu'il fout? Moi, vous voulez que je vous dise la vérité, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Cédric, il se drogue. Oui, exactement. Des bons, quoi. N'importe quoi. Il fume des puffs, mais c'est au THC, gros, et ça le rabat. Non, non, c'est au THC, ça le rabat, gros. C'est pour toi qui t'es jamais drogué, tu commences à droguer. Tu commences à droguer à 60 ans, toi. Il a 60 ans, il commence à fumer des ouinges. Non, mais tu sais que tout à l'heure, il m'a fait essayer. Ça va pas, quoi. Il m'a fait essayer, j'ai vomi. Hein. De quoi? Il a vomi. J'ai vomi dans la cuisine. Mais il y avait encore personne. Non, j'ai pas vu. Non, mais en fait, j'ai nettoyé un minimum, tu vois. Mais j'ai posé une quiche. Pourquoi t'as pas entendu Guy, il arrive pour vomir? J'avoue, pour une fois. Pour une fois que Romano me vomit son truc, j'ai tiré dessus. C'est ce connard, il a essayé dans l'ascenseur. Je dis, ouais, fais gaffe et tout, tire doucement. Il tire des grosses lattes de cow-boy. Il arrive devant la porte, il dit, oh non, mais de germer. Il s'est mis à germer, mais gros. Elle a ouvert la porte. Tu sais, du couloir, il a germé jusqu'à la cuisine. Bon, tu leur vomis pas dessus quand tu les rencontres, hein, Lydia, rassure-moi. Parce que bon, non, pas du tout, non. Bon, alors on a des réactions pour toi. Alors, vous pouvez nous appeler. Alors, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. On a un gars qui arrive dans un instant, il s'appelle Jimmy, il veut te parler. Il y en a plein qui nous disent que ça dérange pas l'enfant, mais c'est vrai que si dès le début elle te parle de ce qu'elle fait avec l'enfant, t'as l'impression de vivre déjà à trois. Alors que t'as envie de nous rencontrer à deux. Là, mais tu vois, iTalk qui nous laisse le message. Salut iTalk. Non, mais c'est ce que je disais. Par exemple, le week-end, là, ne dis pas qu'en fait, tu passes le week-end quand tu brodes un peu. Tu sais, de toute façon, au final, le mec, il a aucun moyen de vérifier. Mais dis, ouais, je suis allé manger avec des copines. Un truc plus cool que passé le week-end à m'occuper de mon gosse. C'est pour le mec, il va se dire, ouais, putain, voilà les week-ends que je vais passer en galère. Qui est axé sur son enfant. Ah ouais, c'est ça. Le week-end, je vais me taper le match de foot, la piscine. Ça peut jouer. Le trampoline park, je ne sais quoi. C'est vrai. Le week-end horrible pour le mec. Bon, après, il y a plein de mecs que ça dérange pas. Hein. Je vois Decker qui nous laisse un message sur l'appli Skyrock. Salut Decker du 83. Tiens, on a offert 1 500 € dans le 83 ce matin à Fréjus, à Marwan. Oui. Salut Marwan. Decker, lui, ça le dérange pas un enfant parce que moi j'en ai un aussi. Ah, c'est pour ça. Ouais. À la limite, ils s'amusent ensemble et nous on fait notre affaire. Évitez de parler du gosse, ça peut bloquer direct. C'est le message de Sky là sur l'appli Skyrock. Bon, et on prend Jimmy dans un instant. Tu bouges pas, Lydia, tu restes avec nous. Y a pas de souci. Et puis on y revient. Vous pouvez réagir, les filles, hein, si vous avez aussi des problèmes par rapport à des serrages. Vous avez du mal à serrer. Expliquez-nous pourquoi. Il y avait d'ailleurs, c'est qui nous laissait un message? Vanessa, qui nous disait qu'elle avait du mal à serrer des mecs parce que ils ne pensaient qu'à baiser. Et moi, je les sens trop venir. Ah mais baiser, ça fait du bien. Oui, puis ça fait. Ouais, mais s'il y a que ça, bon, si tu te sens un bout de viande, c'est pas super. Pas un bout de viande, mais on se fait plaisir. On a qu'une vie, faut savoir en profiter. Oui, hein, les filles, les gars. Lorenzo, tiens, qui va te faire plaisir. Je préfère une femme avec un enfant qu'une sans enfant.
Voilà, bon bah écoute, chacun son chacun ses goûts. Bon, on y revient, on aura donc le témoignage de, tiens, il y a Léa aussi qui appelle pour toi, Lydia, donc on aura Léa, on aura Jimmy. Et là on a Thomas au téléphone avec nous. Tiens, on va lui demander, Thomas il a 24 ans, il est à Metz. Salut Thomas. Salut, ça va? Salut, et toi? Ouais, Thomas. Comment ça va Thomas? Ça va et vous? Ça fait bizarre. Coucou. Hein, putain, ouais. Ah, c'est la première fois que tu passes. Salut, ouais. De quoi? C'est la première fois que tu passes. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. La première fois, c'est comme ça. C'est comme un des puces là. Ça fait bizarre. On s'en souvient. Première fois sur Skyrock. Bah, n'hésitez pas, si vous êtes jamais passé, appelez-nous. Hein. 01 53 40 30 20. Et donc, toi, Thomas, tiens, je vais te poser la question par rapport à Lydia. Je sais pas si t'as une meuf actuellement, Thomas. Non. Non, bon. Tu trouves une meuf, elle t'explique qu'elle a un enfant, elle te parle de son enfant très rapidement. Est-ce que ça te bloque? Est-ce que ça te dérange ou pas? Ouais, ouais, si les premières phrases, ouais, quand tu discutes. Ouais, si tu lui demandes, t'as fait quoi ce week-end, et elle te dit, bah, je suis allé avec mon enfant, tout ça, tu peux bloquer. Après, il y en a, ils peuvent très bien vivre avec, hein. C'est après. Oui, bah, de toute façon, mais toi, personnellement, on va pas le jeter, hein. Ça te. Oui, voilà, exactement, oui. Mais non, toi, ça te fait pas. Une fois qu'il est là, on va pas le mettre dans une poubelle, hein. Toi, ça peut bloquer un peu, en fait. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Bon, sinon, Thomas, t'appelais pourquoi, toi, dis-nous tout. Bah, moi, hier, j'ai croisé Cédricain. Ah bon? Cédric, tu es dans une, allé dans une boîte à putes. Non. Ah non, mais je voulais savoir parce que je sais que Cédric passe parfois des week-ends. C'était l'après-midi shopping. Ah ouais, j'étais avec une amie, ouais. Alors, elle était comment sa copine? T'es croisé aux galeries. C'est une pote, ouais. Bah, tranquille. Tu l'as acheté des trucs? Ouais. Elle était pas super. Non, si, elle était cool, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est une daronne. Mais t'as acheté des trucs à ta copine? Ah non, j'ai rien acheté, c'est le café des courses. Ah, il était pas au bon étage. Il était où? Pourquoi ça? C'était des jupes? Il était où? Ça, c'était au rayon enfant, salopio. L'étage des Louis Vuitton, tout ça, c'était au-dessus. Il allait prendre l'ascenseur, je crois. J'étais pas à Louis Vuitton, non, je te confirme. Il était chez qui? C'est quelle marque? Bah, vas-y, Chauvade. Ça sent cher, en plus, je vais le dire. Non, je sais pas, ta galère à faillite. Les vêtements moins chers, genre Lacoste, Ralph Lauren, tout ça. Ah, voilà. Non, t'étais dans. Je sais où il était, c'était dans une autre marque. Chez qui? Si, bah, je sais. Chez qui? T'étais pas chez Lanvin? Non. Espèce de mytho. Ah, genre, vis sa gueule. Vis sa gueule, t'as raison. Ce con, j'ai eu le téléphone tout à l'heure, il me le dit. Cédric, tu nous as pas dit, mais tu as fait les boutiques de luxe ce week-end. Ah, non, c'est pas moi, j'ai accompagné une patte. Non. Voilà, c'est quoi, t'es ce qu'il paye? Ouais, il portait ça. Moi, quand je l'ai croisé, en tout cas, c'était pas l'étage Louis Vuitton et tout. Non, j'étais pas. On a fait un peu le tour, c'est les Américains, tu sais, veulent faire un peu de shopping. Ils sont autour de Galerie Lafayette. Tu es escort boy? Non, rien à voir, j'ai accompagné ma pote. Non, c'est ma pote, elle était à Paris, je l'ai accompagnée. Tu es américaine? Ouais, une américaine, ouais. Tu es groom? Une trumpiste? Pas groom, rien à voir. Non. Il est habillé en groom là, comment ça se passe? C'est le chapeau au service et des gants. C'est ma pote. Et les gants blancs. Avec le chariot, tu sais, il porte des trucs. N'importe quoi. Les porte-valises là. C'est ça, c'est vrai qu'il est groom. Non, donc il est groom au Galerie Lafayette. Bah là, t'es avec des potes et tu peux faire du shopping, je sais pas, y'a rien de. C'est pas un truc de ouf. Non, mais c'est bien, non, mais c'est intéressant. Je comprends ma pote. T'aurais pu nous raconter. Non, il était habillé normalement, mais en fait, je me suis retourné. Putain, je le vois en face, j'ai failli m'évanouir. Je comprends. Je vois, on peut avoir des chocs. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? J'ai failli m'évanouir. Toi, tu viens de Metz à Paris pour un week-end. Wow. Tu tombes sur qui? Je tombe sur Cédric. Ah bah tiens, tu vois, Cédric. Wawadou, Romano, lui. C'est moi, plus aujourd'hui, j'étais mangé là-bas. Romano, lui, il était en tong rue du commerce, tu vois. Ouais, j'allais à la plage. Ah, mais bon, on n'a pas tous les mêmes trains de vie, c'est normal. Ah bah ouais, tu vois. Entre Cédric en groom, Romano en tong, écoutez, vous pas en groom, non. Vous avez passé un tout le monde dit que t'étais en groom. Mais tu fais quoi? Tu fais des heures sup aux Galeries Lafayette? Mais casse-toi, il est fou, il est avec ma pote. Non, mais on t'a parti en plus, elle est partie aujourd'hui. Mais oui, bah de toute façon, tu portais ses affaires, quoi. Non, valise, ouais. T'es un ouf, toi. Comme c'est qui? C'est Spirou, là, le groom, là. Ah, mais c'est pas de ma faute si t'as pas d'amis. Avec le chapeau tout rond. Oui, c'est ça. C'est pas ma faute si t'as pas d'amis, tu bouges jamais avec eux. Moi, ça va, je te remercie. Bah, par contre, moi, je m'habille pas en groom avec les amis. Moi non plus, t'avais un chariot, les chariots d'or. Normal, oh là, je te prends quoi, oh là? Non, rien à voir. Bon, bah écoute, très bien Thomas. Bon, bah j'espère que tu t'en as bien profité ce week-end, toi. Ça t'a pas niqué le week-end? J'espère. Mais tu lui as parlé, vous êtes parlé. Écoute, je suis reparti de Paris avec la peau rouge, là. Je suis allé au Bourget, là, pour le salon de l'aéronautique. Ah, ouais. Putain, c'est bien. En plein cagnard. Ouais. Chaud, ah, bah oui, là, forcément. Non, oui. Ça, c'est bien, ils arrivent partout. J'avais pas vu la météo, putain, 33 degrés, alors. Ah, 33 degrés au Bourget. Ouais. Puis en plus, pour regarder les avions, ça te crame les yeux, le soleil. Ouais, c'est vrai. Je suis reparti, mais je vois plus grand chose, là. J'ai un voile devant les yeux. Je crois que c'est fini. C'est fini le salon du Bourget, d'ailleurs, ça va faire du repos à tous ceux qui sont dans le 93.
ouais. et qui n'en pouvaient plus des, des avions dans tous les sens, des bouchons qui n'arrivaient plus à danser, les avions qui passent au-dessus, mais enfin bon c'est joli. Et quand t'as croisé Cédric, tu lui as parlé? Ouais, mais en fait, j'ai dit bonjour Cédric, t'as vu, on a pris une photo, je me souviens de toi. Il est parti tout de suite, et on dirait, il avait pas le temps de niaiser, je sais pas quoi. Et elle est belle la photo, comment il est? Non, on a fait une photo après, non, mais j'avais rendez-vous. Aussi. Non, mais en fait, la cliente, elle attendait. Et puis c'est des manies là. Mais c'est pas une cliente, je vois pas pourquoi tu dis une cliente. Mais quand t'es groom, pour une fois, que c'est une meuf qui te paye, c'est pas toi qui paye une meuf, c'est d'ailleurs. Non, mais c'est ma pote, incroyable. Dépêchez-vous, groom. Portez mes sacs, plus vite. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le time, no time. Bro. Bah, rien à voir. Vous normal, un speed larbin. Espèce de larbin. Allez, porte mes sacs, King. Mais je vois pas votre délire, c'est quoi autour de ça. Bon, on t'embrasse en tout cas, Thomas. Avec lui, comment? Et il était habillé normalement, quoi. Si vous voulez, je vous l'envoie. Je sais pas comment sur l'appli. Sur l'appli, sur l'appli, vous pouvez nous envoyer les photos. On voit sa tenue de groom. Ouais. Alors, en tout cas, c'est sympa. Moi, t'étais sous la clim. C'est climatisé là-bas. Ah ouais, grave. Ah, ça fait plaisir. C'est ça le luxe. Bon, bisous à toi en tout cas, Thomas. Merci du coup de fil. Commercial. Hein. Et on va t'envoyer ton. Bon, connais les. Oui, mais on n'est pas complètement. C'est ça le luxe. Non, c'est comment ça marche. Commercial. Enfin, oui, mais c'est pas action, quoi. Tu vois, c'est. C'est la même chose, tu vois. Bon, on aura donc vos réactions par rapport à Lydia là dans un instant. On aura Léa qui sera au téléphone avec nous en direct. Salut à vous. C'est vrai que ça parle mal, ouais. Ça parle mal. Tu vois, tu fous les passer week-end d'action. Bah ouais, alors c'est on n'a pas tous son très ouais, luxe. Ouais, on n'est pas dans la bourgeoisie. Non, moi c'est le mec qui dit ça. Non, il va action avec pour le week-end tranquille, hein, et il se fout de ma gueule. Bah, c'est pas cher, gros Londres. Bah Londres, ça coûte. Ah, non, je veux dire que moi, je pense que ton week-end à Londres coûte un peu plus cher que moi, mon ticket de métro que j'ai utilisé pour aller à Paris. Tu vois. Ah mais par contre, le polo que t'as acheté à Londres, il coûte un peu plus cher. J'ai rien acheté. Bon, on va laisser Cédric et Samy se démerder. C'est clair. On va attaquer notre double appel et nous occuper de Lydia. Donc il y a du mal à concrétiser avec les mecs. Pourquoi donc? Eh bien, on en reparle juste après le son de Tiakola qu'on va retrouver tout de suite. On aura Léa au téléphone avec nous. Il y aura Jimmy aussi. Oui. T'es déjà là, Jimmy? C'est bien parce que du mal à concrétiser avec des mecs et t'as déjà des mecs qui appellent pour toi, Lydia, t'as vu? Appel a été mis en attente. Très bien. Allez hop, pas longtemps. Hein. Juste le temps d'en trouver Tiakola. Tiakola et Meda maintenant sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. C'est triste à dire, mais il y a un paquet de meufs qui veulent pas se faire enculer. Hein. Ah, ça. C'est triste à dire. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. J'ai très envie de jouer au téléphone. Ah, ben voilà, je vais jouer. Cheveux en arrière. Oula. Ah, il a commencé à jouer au téléphone. Il est motivant, lui. What the fuck? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Oui, c'est vrai, il est excitant, lui, dis donc. Hein. Jouer au téléphone. Il a commencé. Bon, après, heureusement, il s'est arrêté. Ouais. Bon, avant minuit sur Skyrock, plein de choses à faire. Vous tous en direct, vous pouvez nous appeler dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous avez votre appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm, tout ça pour nous joindre. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont déjà là. Bonjour le beau gosse. Bonjour à Brian. Salut à toutes celles et tous ceux qui ont passé le brevet là et qui recommencent demain matin. Ah, ah ouais, bon courage. Heureusement que vous êtes là, j'avais mal à la tête quand je suis rentré. C'était le français ce matin en plus. Mais quoi? Ah, pourquoi? Il y a encore là demain, toi? Ouais, il y a encore demain. Ouais. Ah, putain, ça rend fou. Bah, il y a 4 épreuves, ouais. Et ouais. Et c'est 2 par jour? Ouais. Et le matin, une l'après-midi. Ah, ok. Lundi et mardi. Et voilà. Et on en a parlé ce matin aussi. Et demain, ça recommence. On a fait des révisions de brevets. Ouais, Foul nous a dit que c'était le BEPC, lui. Mais non, j'ai dit que j'ai passé le brevet. Non, mais de toute façon, l'autre fois, j'avais regardé, c'était le BEPC. Vous avez regardé n'importe quoi. D'ailleurs, je me demande si c'était pas encore le certificat d'études. d'après Wikipédia. En tout cas, de rien du tout. Bon, alors, on profite. C'est bon, alors, allez hop là, on va passer à autre chose. Non, mais bon, c'est l'équivalent. Bon, alors, le standard, il a pété, là, il y a un instant. C'est vrai, en plus. Donc, on est en train de vous rappeler parce que vous avez, je sais pas, vous avez trop appelé ou je sais pas. Tout cas pété. Le standard s'est pris un coup de donc ça a raccroché tout le monde, donc n'hésitez pas à nous rappeler 01 53 40 30 20 si vous étiez en train de nous joindre. Et puis pour ceux et celles qui étaient en attente avec nous, alors il y a Lydia qu'on aimerait rappelle Lydia. Vas-y. Guy. Ouais, elle est sur messagerie pour l'instant. Aïe, Lydia. Merci de la revoir. Sois joignable parce qu'on a du monde pour toi. Il y a Léa qui veut te filer un coup de main. Il y a Jimmy qui veut te filer un coup de main. Il y a Momo aussi. T'as eu Momo? Momo, c'est bon, on l'a récupéré. Allez, vas-y, passe-moi Momo. Ciao, Momo. Et donc dans un instant, Jimmy et Léa qui sont au téléphone avec nous. Vous êtes là, Jimmy, Léa, pour Lydia. Ouais, salut Léa. Salut à vous. Salut. Alors Léa, t'as 25 ans, toi, hein, t'es dans le 27. Ouais. Et toi, Jimmy, t'en as 30 des ans et t'es dans le 33.
C'est ça. Et Lydia, elle avait 30 ans et elle se demandait pourquoi elle n'arrivait pas à concrétiser avec les mecs. Alors ça se passe bien parce que les mecs viennent plutôt à la draguer. Ouais. Et puis il y a un moment où ça bloque, mais on a sans doute découvert quelque chose par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à son enfant. Ouais. Ce qu'elle annonce tout de suite. Elle a un gosse. Et, oui, mais elle le dit tout de suite surtout. Parce que d'avoir un gosse, c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que si c'est le premier truc dont tu parles, peut-être que ça peut bloquer un peu. Après, ouais. C'est peut-être pas ça, on va voir, on va étudier tout ça avec vous. Donc Léa et Jimmy, vous bougez pas. Il y a Momo aussi qui est avec nous. On va voir s'il est revenu, Momo. En direct du 38. Salut Momo. Salut Momo. Comment vas-tu? Salut. Ça va et vous? Écoute, ça va. Il a fait chaud aujourd'hui. T'es où? T'es à Grenoble? Ouais. Bon, on salue tout Grenoble qui nous écoute à fond puisqu'on est les premiers à Grenoble. La radio musicale la plus écoutée, c'est Skyrock. Ouais, voilà, c'est bien. Beau. On déchire tout le monde. Tout. Et ouais, il a fait chaud à Grenoble aujourd'hui. Il a fait bon, ouais. Ouais, il fait bon. Bon, bah écoute. C'est déjà ça. Hier, par exemple, il faisait pas bon pour moi. Ah oh, ouais, il faisait une chaleur hier. Ouais, horrible. Oh, les non, mais c'est horrible pour moi. Horrible. C'est un ventilo, fais pas chier quoi. Ventilo, mais même ça brasse de l'air chaud. C'est ce que j'ai fait, ouais. Pas chier. Ça brasse de l'air chaud, c'est pas super. Ah, mets la tête dans le frigo. Voilà. Oui, puis t'as pas l'air con. T'as rien dans ton frigo, tu sais. C'est limite. Tu prends un petit ventilo, tu sais, où tu y a un petit réservoir d'eau. Brumisateur, ouais. Ou alors, il faut mettre une serviette mouillée sur le ventilo. Ouais, ou une bouteille congelée devant. Ouais, tu vas me dire, toi ne le fais pas, tu vas t'électrocuter tes ventilos. Ouais, oui, vite. Mauvaise idée. Vous savez que c'est possible. Ouais, non, mais c'est clair. Ou, je sais pas, il va y avoir une merde. Le truc, la serviette, elle va s'enrouler autour des pales de l'hélice. Ça va être embarqué dans le bras, enfin bon. Bah alors Momo, tu nous appelais pour un truc qui peut arriver à tout le monde, un truc triste, parce qu'on parle de tout hein, dans la radio libre, on rigole, on fait les cons, on parle de sexe, d'amour, de rencontres avec Lydia, mais on parle aussi de trucs tristes, et toi, il t'est, avant qu'on fasse les doubles appels et qu'on reprenne le moral, toi, il t'est arrivé un truc triste il y a pas longtemps, c'est quoi qui t'est arrivé? Bah, je suis rentré du taf, en gros, j'ai retrouvé mon hamster mort. Voilà, ça c'est triste quand on ah ouais. Ça va. Mais ça fait autant de peine que notre animal, un hamster, j'imagine, parce qu'on s'attache, non? Pardon, ça a coupé, t'as dit quoi? Non, je dis hamster. Tu t'attaches à ton hamster comme un chien, quoi. Est-ce qu'on s'attache comme un chat, un chien? Ouais, je pense. Ouais, mais le problème, c'est que les hamsters, ça vit pas longtemps. Je crois, l'espérance de vie, c'est 2 ans. C'est 3 ans, je crois, non? Ouais, c'est pas long. Ouais, bah, ça fait 1 an et demi que je l'avais. Ouais, donc, ouais, mais t'es dans la moyenne basse, quoi. Mais, ouais, ça vit 3 ans, je crois. Parce que Karine, elle voulait en prendre un à un moment donné. Je me suis dit, laisse tomber, elle va me faire une dépression. Claquer en deux. Bah, déjà qu'elle a eu un lapin qui avait fait. J'ai eu un hamster qui avait fait le saut de l'ange aussi. Ah oui, celui qui a sauté. Ah oui, là. C'est vrai. T'avais acheté un hamster, c'est vrai, toi? J'en ai même deux. Bon, il y en a un, il est mort rapidement parce que l'autre lui avait bouffé le nez. Oh. Il était mort de, je sais pas, d'une plus ou moins une infection nasale. Hein, j'ai bouffé le nez. J'espère que ça va pas m'arriver, ça. Il avait plus de nez. C'était horrible, quoi. Parce que Cariole, elle me dit, mais il a un truc sur le nez. Et là, je lui dis. C'est l'autre qui l'avait niaqué. Je lui dis non, il n'a pas un truc sur le nez, il n'a plus de nez. Ah oh, putain, mais c'est horrible. Et après, bah, le deuxième, j'avais oublié de fermer, j'avais des espèces d'aération vers la fenêtre. Et ça s'est glissé et puis bah il a sauté. Ouais, quand tu l'as retrouvé. Bah, je l'avais trouvé en bas. Moi, il était éclaté. Beau, mort. Ouais, mais tu nous avais dit, il était beau. Non, il était mort, mais non, mais je pensais parce que attends, moi à l'époque j'habitais au 15e étage, s'il te plaît. Mais ouais, je me souviens. Je me suis dit, je vais le retrouver en bas, laisse tomber, le machin avait éclaté. Non, alors que tu sais, je l'avais trouvé en bas, c'était du gazon et en fait c'est comme s'il dormait, tu vois. Skin. Moi, je l'avais laissé hein, pour les pigeons. T'as pleuré? Pour les pigeons. Carrière, elle a pleuré. Ouais, elle a pleuré puis elle m'en a voulu. Ouais, elle a dû t'insulter. Tu l'avais laissé, ouais. Non, par contre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'avais perdu mes mettes. Ah ouais, c'est pour ça que je voulais plus de chien, en fait. Bon, bah moi aussi, j'ai pleuré quand j'avais. Ah, c'est horrible. Un animal qui s'en va, c'est comme un membre de la famille. Ah ouais, c'est clair. C'est dur. Que ce soit un hamster, un lapin. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Il y a pas de, règle. J'ai pas eu de hamster, je me rends pas compte, mais c'est vrai que tu t'attaches, Guigui, t'as eu un hamster. Moi, j'ai eu deux cochons d'Inde. Deux cochons d'Inde, c'est un peu le même style. Ouais, c'est un peu la même chose. Ça vient un peu plus longtemps. Ils avaient vécu 5 ou 6 ans. Et t'étais triste quand ils étaient morts. Ah ouais, c'était horrible. En plus, le pire, c'est que moi, c'était deux frères. Et quand il y en a un qui est parti avant l'autre, c'était horrible pour l'autre, quoi, tu vois. Il était triste? Bah, il s'aimait pas trop, en fait. Ah, il s'aimait pas? Au début, il s'aimait bien. Super. Et en fait, il y a un élément déclencheur qui a fait partir en couille la relation. C'est la bouffe. Non, même pas la bouffe. C'est un jour, on est parti en vacances avec mes parents et tout, la famille. Et on a laissé les cochons d'Inde chez un pote qui avait aussi un cochon d'Inde. Ouais, il est bagarre. Et c'était une femelle. Et moi, mes deux cochons d'Inde, c'était des mâles. Ah, ils voulaient la baiser. Ils voulaient les deux, ils voulaient la kienne, en fait. Ah, tu vois. Et donc, du coup, depuis, ils se sont fait la guerre et ils sont jamais pardonnés. Mais jamais, tu jamais. Et ils s'appelaient comment? C'était quoi leur nom? Ah, je suis sûr que c'est des noms à la con. C'était l'année des F. Ouais. Alors, c'était l'année des F. C'est pas mon choix. Foutre. Non, c'est pas Fifi. Ah, putain, magnifique. Filou.
C'était Froufrou et Fanfare. Oh, ah, c'est un blaté, ouais. Ah ouais. Ouais, ça c'est pété. Mais t'avais quel âge? J'étais petit. 18. Ouais, ça, 18, 19. Oh, c'était il y a un an. Et donc, ouais, quand ils sont partis, ouais, c'était triste. Surtout, je me disais, putain, il en reste plus qu'un, il a perdu son ref et tout, même s'il s'aimait pas. Non, mais en plus, tu peux un peu les. Tu sais, je sais pas comment tu faisais. Je le faisais. Bon, après, c'est pas un chien ni un chat, mais. Non, mais ça, tu peux quand même. Tu sais, ça peut venir vers toi. Ça peut te donner un peu d'affection. Bon, ça peut aussi te chiquer parce que ça a des putains de dents. C'était quoi le rapport? Il venait te voir quand tu rentres à la maison, toi, Momo? D'abord, c'était un hamster homme ou un Amsterdam? T'as dit quoi? Je demandais si c'était un hamster homme ou un Amsterdam. Pas mal. Merci à Titus pour la petite blague. C'est un mâle ou une femelle? Je suis avoir compris la blague. Je sais même pas. Ah, tu sais pas si c'était un mâle ou une femelle? Je n'ai jamais su si c'était un mâle ou une femelle. Aucune idée. Il avait des couilles, c'est un hamster que j'ai trouvé dehors. Non, mais ça se voit pas. C'est un truc. Ah, c'est minuscule. Il faut arriver à le prendre. Mais non, mais moi, une fois, ça le prit. Il m'avait chiqué, moi. Ça a des dents, laisse tomber. Ça avait... En plus, je sais pas si ça c'était pareil, moi. Il avait, mais genre des dents de fumeur. Elle avait ouais, une toute jeune, elle avait qui des dépasse, dents là. Ouais. C'est dégueulasse. C'est pas faux. Non, mais dégueulasse, c'est deux petits trucs. Mais quand ça te chope, genre, ça te pince le doigt, mais ça te nique ta race. Hein. Mais du coup, tu l'avais appelé comment? Parce que je sais pas si c'est une fille ou un mec. Oui, c'était quoi son nom? Ouais. Junior. Et il donnait de l'affection, Junior? Quand tu rentrais? Franchement, c'est marrant. Franchement, j'ai un lapin qui donne la même chose en termes d'affection et l'hamster aussi. C'est hallucinant de savoir que des petites bêtes comme ça peuvent te. Ouais, c'est mignon. Non, mais c'est marrant, un animal de voir comment ça communique. Ça communique avec toi. Alors, c'est peut-être différent, un chat, un chien, c'est peut-être plus. C'est plus domestique, on va dire, comme animal. C'est ça, ouais. Mais c'est marrant, ça communique avec toi, ça te calcule, ça regarde. Mais même les tortues. Ça calcule, ça, dès que je mangeais, dès que voilà, ça venait me calculer. Bref, ça va laisser un grand vide. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'était une bonne idée de remplacer tout de suite ou pas du tout? Je sais pas. Ça, c'est vachement personnel. En fait, des gens, ils remplacent direct et il y en a, ils attendent. Il y en a qui en prennent jamais. Moi, je pense que c'est compliqué à remplacer tout de suite. Il y en a, moi, une période de deuil déjà. Moi, je connais des gens vers chez moi, genre, ils ont perdu leur chien, une semaine après, ils en avaient un autre. Parce qu'en fait, ils se sont dit, ouais, bah, vas-y, en fait, ils aiment trop les animaux et, bon, de toute façon, bon, quand tu. Après, je pense que tu remplaces pas un animal parce qu'un animal, il a un caractère. Alors, je sais pas si un hamster. C'est autre chose. Si un hamster, c'est un caractère, mais tu vois un chien, le chien, ils sont tous différents. Tous les chiens, ils sont pas pareils. Ouais, évidemment. C'est ça, donc, je sais pas. Non, mais tu remplaces pas, en fait, c'est une nouvelle adoption, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est ça, une nouvelle adoption. Ouais, il aura pas forcément exactement le même comportement, tout ça, mais. Il y avait des choux qui comprend et qui nous dit, putain, dès que moi serré mort, j'étais trop triste, pauvre auditeur. Il y a plein de messages comme ça là. Les hamsters, ça prend la maladie très rapidement. Mais le pire, c'est que je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé ce truc-là, ce petit bout de poil. Tu l'as sauvé en fait. C'est ça le pire, c'est que j'en voulais même pas moi à la base et. Ça a pris une putain de place et c'est hallucinant que je me mette dans des états comme ça. Alors qu'en vrai, je m'en bats les couilles de tout dans la vie. On t'aurait dit avant que t'aies le hamster, tu vas t'attacher à hamster, tu nous aurais dit, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais c'est comme un bébé parce que tu t'en occupes et tout ça. Du coup, tu t'attaches vachement. Oui, quoi, je pense quand même, Marie, t'as plus de peine pour un bébé que. Non, mais évidemment. Non, mais je dis ça, c'est. Non, mais en fait, de toute façon, seuls les gens qui ont des animaux peuvent comprendre parce que tu vas dire à quelqu'un qui a pas d'animal, il va te dire, ouais, c'est complètement con d'être triste pour un chien ou un chat pour ton rat là tu t'es attaché, t'es H24 avec quasiment avant d'appeler parce que je me dis que tout le monde peut pas comprendre, tu vois, on n'a pas le même curseur de niveau sensibilité, il y en a qui vont te prendre pour un fou, du coup j'en ai parlé à personne, je me suis dit allez vas-y je vais appeler la radio. Non mais t'as plein de messages, il y a plein de gens qui te comprennent. Bon, oui, ceux qui ont eu des animaux ils te comprennent. Ah bien sûr. Bah ouais, après remplacer, je pense que tu le remplaces pas, après c'est vraiment comme disait Romano, c'est personnel. Je connais les deux cas, tu vois. Moi, par exemple, Mehmet, on a mis combien de temps Des années. 5-6 ans, hein, facile. Ouais. Je sais même plus l'année où. Bon, c'est pas le meilleur souvenir non plus. Non. Mais je me souviens que c'était en septembre, c'était après l'été, parce que c'est une bonne rentrée, tiens. Ça fait plaisir. Ouais, bon, non, mais ce que c'était dit, c'est qu'il avait passé un bel été, tu vois. L'été, ça allait bien, et quand on est rentré, bon, il avait déjà eu des problèmes avant, et quand on est rentré, en fait, c'est pas plus mal. Moi, ça s'est dégradé super rapidement, tu vois, en moins d'une semaine, il est décédé, quoi. Et je préfère, parce que je connais des gens qui ont galéré, le chien, il était malade. Pendant 6 mois.
vois. Ah bah moi mon chat ouais c'était ça. Bon, ils arrivaient pas à aller le faire piquer, tu vois, et nous on n'a pas eu à le faire quoi. Donc bon, si on l'a fait piquer, mais il était déjà plus chez nous, donc c'était bon, c'était très ouais, dur. C'était autre chose, ouais. Mais après moi je connais des gens, ouais, ils ont perdu leur chien. Je te dis, une semaine après j'en ai pris un autre. Ouais, pareil, je connais. Ils ont été à l'SPA, ils ont dit ouais tiens vas-y, il y a tellement de chiens malheureux, j'en prends un. Mais il y en a, ils veulent passer à autre chose, c'est genre. Ouais ouais. Mais bon, après je te dis, ça c'est vachement. C'est très personnel. Moi je connais des gens qui n'ont repris tout de suite, des gens qui n'ont pas repris. Moi j'ai des amis qui ont perdu leur chien l'été dernier, enfin après l'été, il était malade, ils l'ont fait piquer, ils se sont dit on va reprendre, en fait celui-là on est en quoi, on est en juin, ils ont toujours pas repris. Pas, ouais. Ils ont toujours pas repris parce que ouais, ils y arrivent pas. Et puis ils ont ouais, pas ils ont pas envie que ça recommence, c'est un membre de la famille, un animal. Mais ouais, mais on est c'est ça. Il y a plein de messages. T'as jamais voulu avoir d'autres chats depuis? Ah, j'ai déjà une grosse chatte. Elle a une grosse chatte, Marie. Oui, mais bien sûr, non mais à part ça. Non, compliqué sûr. Parce que moi j'ai eu 15 ans avec mon chat, j'étais hyper fusionné avec mon chat, donc non là, pour le moment. Comment fusionnel, tu parlais avec lui tout? Ah mais non mais grave, j'étais hyper fusionné avec mon chat. Non mais tu rigoles, mais moi je parle à mon lapin aussi, tu rigoles. Mais oui. Non mais quand tu parles à... Moi je parle à mon chat mais... Alors je sais pas si un lapin ça comprend, mais un chien il comprend des trucs. Mais ah ouais, tu mais rigoles, moi, je te jure que ça comprend. Et Marie aussi, je lui avais amené un chaton qui l'a perdu. Mais je l'ai pas perdu, elle s'est tirée. Et parti du toit, il est sans ascenseur. Mais non. Du 8ème étage. Non, je rigole, mais tu sais qu'avec Cariole, comment on s'en est voulu de te l'avoir donné. Bah, non, mais attends, elle s'est tirée par la fenêtre, j'y peux rien, elle moi. Elle s'est tirée par la fenêtre, tu te doutes bien. C'était un bébé, tu sais, le truc. Non, mais je pense qu'elle est morte. Non, vraiment. En tout cas, elle était pas éclatée en bas de mon immeuble, donc. Bah, peut-être les services de la ville l'ont ramassé, oui. Oui, ils ont nettoyé. Non, je m'étais renseigné. Bon, moi j'ai grandi avec mon chien pendant 12 ans. Après sa mort, j'ai fait une style de dépression. Toto du 67 qui a 19 ans aujourd'hui. Et ah, c'est bizarre. Hein, Après, on dit que c'est bien pour un enfant d'avoir de vivre avec des animaux, ouais, parce qu'il apprend la vie. Ouais, exactement. Ça lui donne des responsabilités. Puis même quand il décède, ça lui fait beaucoup de peine, mais il se rend compte que la vie Vie aussi. Ouais. Bah, ça peut s'arrêter aussi. Non, donc 14 ans et demi avec ma staff, elle était plus que ma famille, Derek. Mais les staffs, c'est super comme animal. D'ailleurs, Cariole en a parlé ce matin. T'as entendu, Romano? Non, ce matin, parce que j'ai passé un week-end difficile niveau alcoolémie. Ah, donc. J'étais en décuvation intense. Ah, ouais. J'étais en cure de désintoxication. C'est quoi? Elle a raconté quoi? Bah, elle disait que les staffs, c'était super comme animal. Non mais t'as comme chien quoi. Mais non, parce que hier on a vu une témoignage. Non mais parce que hier témoignage parce que Romano n'arrête pas de non mais j'ai non mais c'est même pas dénigrer Médéline. Non mais déjà c'est pour te faire chier parce qu'au final ça m'importe peu. Elle est gentille Médéline. Non mais elle est pas méchante mais non mais c'est moche. Comme je dis, elle est pas moche. C'est toi qui dis ça, c'est bien moi, j'aime bien moi. Non mais c'est Médéline ou un autre staff. En fait moi déjà je suis pas fan de cette race, mais comme je t'avais dit, mais je te dirais la même chose, t'aurais eu un chihuahua, je t'aurais dit j'aime pas ces chiens quoi. Tu sais chihuahua, je trouve ça monstrueux. Il y a un autre chien aussi que j'aime pas. Je sais pas comment il s'appelle la race. C'est une tête un peu de gremlin, ça, l'ancienne. Lesquels? Tu sais, qu'il y a lui dans du vent. Ah ouais, dégueu. Ça a la gueule toute écrasée, tu regardes quelque chose. Mais oui, mais ils peuvent être gentils, même il y en a une sale gueule. Non, oui. Il y en a, c'est comme les humains, il y en a qui sont pas beaux, mais ils sont super cool. Le chien le plus moche du monde, c'est pas cette race-là, là? Non, le chien le plus moche du monde. Avec une houppette là, tu sais. Non, ça, c'est les chiens, je crois que c'est les chiens mexicains, ça. Mais voilà. C'est ceux qui ont pas de poils. Tu sais, on dirait une couille, le chien. Ouais, mais il avait des poils sur la tête. Et boivent de la tequila. Ah, mais ouais, mais c'est, en fait, c'est comme les chats, les sphinx, là, qu'on mange des poils. Ah ouais, ça, c'est moche. Tu sais, en fait, le chien, on dirait une peau de couille. Ah ouais, grave. Tu sais, c'est tout plissé. Même, j'en avais tout chien, mais on dirait de la couille, quoi. Je vais en acheter un. Tu sais, Marie va en prendre un direct. Non, mais les chiens sans poils là, mais c'est justement là hier j'en parlais parce que notre copine là, elle est vétérinaire et mais ça coûte une blinde. Il hein. Y a des ceux-là, ouais. Ça peut être 4-5 000 euros. Hein. Ça a été une galère aussi parce que. Ah ben bah, mais déjà c'est très très moche. Au moins ça perd pas ses poils. Ah, c'est là, c'est très tu te réveilles, t'as foutu de la gueule. Ah non, mais ouais, tu flippes. Ah, et le chien le plus moche du monde, c'est des chiens, ils ont beaucoup de problèmes de chicots. Et le chien le plus moche du monde, en fait, il a les chicots en vrac. Il est monstrueux le bordel. Il est monstrueux. Ouais, les sphinx, ça coûte jusqu'à 2000. Non, ça coûte 2500 euros mini. Ouais, ça, c'est les chats sans poils. Bon, qu'est-ce que vous feriez à la place de Mo? Vous reprendriez un hamster ou pas? S'il te manque, s'il y a une présence qui te manque à la maison. Oui. Ouais. Moi, je sais que perso, voilà. J'attends. Bon, ouais, attends un peu, pour l'avoir vécu, j'attendrai. Ah, moi, il arrive un truc à Medellin, je prends rien derrière, moi. Bah ouais, non mais voilà, tu sais que tu veux rien prendre derrière. Surtout ce que tu me proposes. Laisse-toi aller, je vais te faire du bien, ça va te consoler. Karim, il arrive un truc à Medellin, tu fais quoi? Ouais, je crois j'en prends un autre, gros. Direct, ah ouais? Ouais, pour zapper, gros. Ah ouais? Ah ouais?
Bon, après, tu vois, c'est personnel, comme disait Romano. Ah, c'est ça. Moi, je préfère en prendre un direct. Ah, mais moi, ouais, ça, moi, c'est pour moi. Ouais, non, c'est vraiment personnel. Ouais, tu vois, c'est vraiment le ressenti que chacun fait comme il veut, en fait. Et toi, Guigui, s'il arrive un truc à sa foutre. Ah, non, je reprends pas de bête. En plus, à la base, moi, ça fout, c'est un chat abandonné. Donc, on en voulait, enfin, on en voulait pas, on l'a accueilli avec plaisir. Oui. Mais à la base, c'était pas prévu. Et non, je reprendrai pas un chat ou autre pour le remplacer. Non, mais après, c'est bon, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que après avoir un animal, c'est une contrainte aussi. Ouais, donc c'est ça, ce que j'allais dire, c'est des responsabilités. Mmh. Ça coûte de l'argent. Bah là, il y a le moment des vacances qui arrive, donc j'ai le temps de dire que les SPA, là, bah, bizarrement, les pauvres, il y a un paquet de bien sûr, bah, comme tous les ans. Ouais. Je sais pas pourquoi ils font. Je comprends. Non, mais ils ont qu'à faire comme en Belgique, tu sais, c'est pas trop con. En Belgique, tu sais, il y a un permis d'avoir un chien. Ouais. Et ils ont parlé de ça. Hein. Et en fait, bah, si un jour t'abandonnes un chien, t'as plus le droit d'en prendre. Bah, moi, je trouve ça normal, tu vois. À partir du moment où tu l'as abandonné un jour, c'est que t'es un peu une merde. Non, mais... non, ou alors t'as un accident d'un. Non, mais. Un accident oui, de vie. Oui, non, mais d'accord. Non, mais après. Non, mais si. Tu as un accident de vie, tu trouves quelqu'un pour le récupérer, tout ça. Il n'y a rien qui justifie d'abandon. Tu abandonnes pas un animal. Non, mais là, non, mais je vois ce que tu veux dire, Marie. Aussi, des fois, il y a des chats, ils disent à la SPA, par exemple, la personne, elle décède et il n'y a personne pour le reprendre. Ouais, non, mais c'est des cas. Oui, non, mais ça, c'est un accident de vie. C'est même un accident de mort puisque tu décèdes. Ouais. Non, mais sinon, les gens qui. Oui, mais les gens qui le laissent parce que. Ah, merde, on a pris un chien. On ah ouais pas, non mais là on c'est sait pas où le foutre cet finalement été. On a changé d'avis ouais tu vois c'est pas ouais ou qui prennent des chiots et qui disent ouais ils bouffent tout chez moi ben oui mais c'est normal gars ah oui, bah en ça je te confirme moi je suis en plein dedans avant, quoi. Non mais Momo tel que je te sens toi tu devrais en prendre un autre toi ouais j'ai l'impression que t'es motivé ouais tel que t'es en plus ça coûte pas cher ça. Non, c'est quoi que ça coûte pas cher. Je crois que ça doit coûter quoi 10 balles, hein, tu vois. Ouais, 10-15 euros. Ouais, puis en plus, t'as déjà tout, t'as la cage, t'as tout là. Après, faut te dire que tu vas reprendre un hamster, mais dans un an et demi, deux ans, rebelote. Hein, mais pourquoi tu prends pas autre chose justement? Donc tu fais le deuil de ton hamster et comme ça, tu t'occupes d'un autre animal, un petit chien. Rongeur. Ou... Quand t'as un chien, ça dure plus longtemps, non? Parce qu'un rongeur, c'est. Non, mais je crois que les rongeurs, la durée de vie, elle est assez courte. Bah oui, dans un an, c'est pareil. Il y a peut-être des saloperies de rats. Voilà, les saloperies de rats, c'est plus long. Après, sinon, tu prends une tortue. Franchement, moi, j'ai ma tortue depuis que je suis né, mais depuis que je suis tout bébé, tu vois. Vivante. Elle est toujours vivante, elle est à Marseille chez mes parents. Elle est, elle est énorme maintenant, non? Bah non, ça, à un moment donné, ça, la taille d'une tortue, ça s'adapte à son espace de vie en fait. Ah, donc ça, si elle est dans un aquarium, c'est une connerie, genre de 1 mètre, et ben elle sera pas plus grosse que la taille d'un petit bol, tu vois par exemple. Ah ouais? Alors moi je l'ai mis dans un tiroir, elle est minuscule. Voilà, comme ça elle reste, elle fait 1 cm. Bon ben Momo, en tout cas, ben, merci d'avoir partagé cette petite story. Ben, on comprend que ça te rende pas bien. Et puis, ben, comme tu le sens, Momo, tu vas faire quoi alors? Bah franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Bon, écoute, réfléchis, puis tu verras. Réfléchis, attends un peu. Non mais toi, je pense que vu comment t'es, tu vas aller faire un tour dans une animalerie. Tu vas repartir avec, Où va la SPA? Ouais, il y en a les SPA. Bah ouais, il y en a. Cool. Non mais SPA, je sais pas si tu peux trouver des. Si il y a des NAC et tout. Non, des NAC. Des NAC. C'est quoi NAC? Pourquoi j'ai dit NAC? Parce que tu ne comprends pas les mots. Des NAC. Assez nouveaux animaux de compagnie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Bien vu la Marie. Bon, on peut le mille. C'est pas loin. Merci Momo et puis c'est le flop. Et puis tiens-nous au courant, dis-nous. À toi de décider. On te conseille plutôt d'en reprendre un autre. Hein. Et on te conseille même de prendre plutôt un chien ou un chat. Ça dure plus longtemps. Non, je peux pas un chien et chat. J'ai déjà un lapin et il faut avoir du temps. Et puis avoir un animal pour pas s'en occuper, ça c'est horrible. T'as raison. Bon bah écoute, comme tu le sens, tiens-nous au courant en tout cas, Momo. Merci du coup de fil. Hein. Avec plaisir, soirée bonne tout le monde. Et la même. Salut. Salut Grenoblois, ouais. Salut Momo. Bon, on a retrouvé Lydia, donc on va prendre Lydia, on fait le double appel juste derrière. Et il y en a qui prennent en affection des oiseaux, des serpents également. T'étais triste quand le serpent est mort, Karim. Putain, j'étais il est mort. Ouais, il est mort. Ah, mais je savais même pas. Il y a pas longtemps, il est mort. Ah oui, bah, s'il le dit pas, j'ai pas. Ah oui, on peut deviner. Ah, bah non. Vas-y, de quoi? Mais il est mort. Je sais pas, je donnais à manger, il voulait pas manger, je l'ai retrouvé séché, gros. Pourtant, je mettais de l'eau, je donnais, tu sais, des rats. T'en as fait une ceinture? Ah, mais il était peut-être pas loin. Des maladies, t'as pas senti? Ouais, je sais pas, gros, j'étais dégoûté quand il était mort, Georges Meskin. Georges, je l'appelais Georges, Jérôme, Georges, Stéphane. Il avait plusieurs blases. Plusieurs blases, très bien. Ouais. Tiens, on nous envoie une photo de. Oh, bah, Cédric Anlès. Oh. J'ai adopté une petite chienne. C'est message de Colonel Charlie.
Regarde. Ah bah c'est mignon. Regarde, Charlie, t'es vraiment pas le roi de Photoshop, quoi. Ah, grave. Ah, c'est professionnel, mais c'est malade. Tu galères un peu dans la vie. Ah ouais, là, plus ça, les montages, s'il te plaît. C'est des qu'en laisse. Ça ressemble à rien. C'est un con qui fait des montages. Magnifique en laisse, bon, alors, on va reprendre Lydia. On a retrouvé Lydia. Re-salut Lydia. Il y a des réactions pour toi. Alors, est-ce que ça vous bloque une femme qui a déjà un enfant? C'est ce qu'on vous a demandé. Parce que bon, a priori, c'est à ce moment-là que ça bloque dans tes relations avec les mecs que tu rencontres. Il y a des mecs qui te draguent. Et puis, tu leur dis rapidement, hein, toi, dès le début, t'as envie d'être clean et honnête. Dès le début que t'as un enfant. Mais t'en parles très, très vite, toi. Ouais, vraiment très rapidement, en fait. Ah, ouais. Non, mais là, tu nous avais donné trop rapidement. Tu nous avais donné un exemple. Là, par exemple, t'avais rencontré un mec et le mec te dit, t'as fait quoi ce week-end? Et là, t'as expliqué au mec, en gros, que, ouais, j'ai passé le week-end avec mon fils, je l'ai emmené à son match de foot et tous les trucs que t'avais fait avec le fils. Donc, moi, comme je te disais tout à l'heure, bon, le mec, tiens, ouais, il dit, j'ai pas de place dans sa vie, quoi. Non, mais ouais, et puis. Non, on va se mettre en couple à trois, il dit. Ouais, ou il se dit, ouais, putain, ça promet les week-ends. Alors, on a Jimmy et Léa qui nous appellent. Donc, la vie d'un garçon, la vie d'une fille, c'est bien pour toi. Okay. Et puis, plein de messages qu'on nous avait envoyés, là, depuis tout à l'heure. Donc, Jimmy, t'as 30 ans, t'es dans le 33. Et Léa, toi, t'as 25 ans et t'es dans le 27. C'est ça, Léa? C'est ça. Bon, salut à tous les deux. Salut, Jimmy. Salut, Léa. Coucou. Alors, Léa, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Léa? Bah moi je pense pas que ce soit les enfants en soi le problème. Que moi j'ai 25 ans et j'en ai 3. Ah, et ça t'empêche pas de trouver des mecs? Ah ouais, t'en as 3? Absolument pas. Absolument pas. Mais tu cherches quoi? Tu cherches des petits coups comme ça ou alors des relations sérieuses, toi? Ah non, même pas, sur du sérieux, mais d'accord, parce que Lydia c'est du sérieux aussi. Ça les croit pas, clairement pas. Mais tu leur parles de ton enfant tout de suite, toi, Léa? De tes enfants, là, on a 3. De tes enfants, on a 3, c'est vrai. Bah, genre, au début, je parle un peu, tu vois, et dès qu'on envisage de se voir, là, je le dis. Après, sur les sites, c'est expliqué, tu vois. Tu sais, quand tu fais les. Ah, c'est marqué, genre, dans ton profil. Mais j'en ai déjà, voilà. Ah, ouais, ok, d'accord. D'accord, et ça t'empêche donc pas. Donc après. Ouais, en fait, voilà. Y a pas de mauvaise surprise. Le mec, quand il vient de draguer, il sait que t'as des gosses, quoi. Il sait. Est-ce que tu laisses... Après c'est pas la première phrase que je dis non plus, mais par exemple, ouais, mais quand tu rencontres des mecs en vrai, tu sais, sans passer par les applis, ouais, comme Lydia et ça, ouais. Ouais. Par exemple, je sais pas, tu vas dans un bar, il y a un mec qui vient de brancher. Est-ce que là tu lui parles de tes gosses? Non. Non, ouais, tu as 25 ans. Non, parce que là, tu vois, sur l'appli, quelque part, le mec, il vient, mais il sait. C'est écrit, comme on dit, noir sur blanc, tu vois. Pour la rencontre comme Lydia, quand un mec vient vers toi et qu'il sait pas. Ouais, je pense que là, si t'amènes le truc direct. C'est ça. Ouais, en vrai non, je vais pas le dire d'entrée. Ah bah oui. En plus, ils sont tout petits tes enfants, j'imagine, parce que t'as 25 ans, bon. Ouais, le plus jeune, il a 8 ans aussi. D'accord, ouais, comme toi, ah Lydia, ouais, tu vois. Toujours, et le même papa, les 3 enfants. Bon, c'est rassurant pour Lydia, en tout cas. Non. Ah, ça peut faire flipper aussi, le gars, non? Ouais, mais bon, ouais, t'es pas obligé. Non, mais bon, ouais, t'es pas obligé de raconter dès le départ. Ouais, les enfants, ils sont pas tous du même ouais, père, on est d'accord. Si tu rentres dans les détails, c'est un bordel. Bon, et toi, Jimmy, t'en penses quoi? Tu voulais dire quoi par rapport à Lydia? Mais moi, je rejoindrais plutôt Romano et Marie. Moi, une femme qui a un enfant, c'est juste pas possible. Mais en oui, fait. Mais oui. Ah, toi, ça te bloque, toi. Quand t'arrives à la trentaine, bon, je sais que t'as des chances de trouver une femme qui a des enfants. Bah oui. Mais après, quand c'est pas le tien, t'as trouvé sa place. T'entends mal, Jimmy, mets-toi dans le droit, t'entends bien. Allô? Oui. Je dis, mets-toi, non. Mais. non. Approche-toi de la fenêtre, ou je sais pas, ou. Ça y est, là, je suis dehors. Bon, c'est bien. Ça va mieux. Ouais, tu disais. Ouais, je disais, ouais, en fait, le truc, c'est de trouver une place, en fait, dans. Enfin, la place du mec, quoi. Parce qu'en plus, si la meuf a passé week-end avec ton fils, ben, le mec, il est un peu laissé de côté, et je peux comprendre aussi, tu vois. Ben après, elle dit, ouais, au bout d'un ou deux jours, il n'y a plus de discussion. C'est peut-être aussi que la meuf n'a pas de discussion non plus. Non, mais c'est en fait. Bah, ça, tu apprends tout ça. Prends-toi ça, voilà, là, la gosse, en plus, elle n'a rien à dire. Vas-y, je dis. Non mais je pense qu'il a un peu raison aussi. C'est vrai que je suis pas non plus genre je sais pas, tu vois. J'ai l'impression aussi des fois que j'ai pas beaucoup de discussions, quoi. Non mais ça c'est une impression à mon avis. Bon, peut-être c'est peut-être un peu le cas aussi. Bon, ça, après avec quelqu'un que tu connais pas, on n'a pas plus la discussion super facile, hein. Non mais le truc qu'il y a, c'est que si ta discussion tourne seulement autour de la vie de ton gosse et là ça c'est le mec, et que t'en as pas et que le mec en face il en a pas. Tu sais, c'est moi je me mets à la place du mec
Ah, à titre perso, hein. Moi je sais que ça me gave, tu vois. Bon, à la limite, bon, évidemment, tu vois, la meuf, elle a un gosse, au bout d'un moment, elle t'en parle, c'est normal. Mais si dès le départ, tu parles que de ça, tu vois, le mec, au bout d'un moment, il va se serrer, il va se dire, ouais, mais vas-y, elle me fait chier avec son gosse. Ouais, c'est vrai qu'on m'a déjà dit que je parlais beaucoup de mon fils. Bah, ouais, mais voilà, mais c'est sûr que c'est ça. En tout cas, sur les premiers rendez-vous, essaye de te retenir, tu vois. Intéresse-toi au mec, parle un peu. Parle de soi avec des copines. De ton taf, de plein de trucs, quoi. Non, mais ta vie ne tourne pas autour de ton enfant, je veux dire, t'as quand même eu un appel. Quand t'es maman, et si t'es célibataire, franchement, ouais, oui, comme mais... ça fait longtemps que je suis toute seule avec lui, du coup. Ouais, mais t'as quand même des amis, non, à côté. Oui, bien sûr, j'ai des copines et tout, mais. Parle peut-être plus de ça, tu vois. De temps en temps, je sais pas, tu dois bien prendre des verres avec tes copines, faire. Bon, je sais qu'avec un enfant, c'est pas évident, il faut le faire garder, machin, mais bon. Après, ouais, bah, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, parce que j'ai ma mère qui habite à côté, ma soeur qui habite à côté, donc je le laisse souvent pour sortir. Ah oui, c'est plus ça que tu le ramènes quand tu vas avoir des rendez-vous Tinder. Ah non. Alors, je suis pas venu tout seul, il y a mon gosse qui est là. Ouais, c'est mais je pense que les mecs ils ont peur de ça. Tu m'étonnes que les mecs ils se barrent. Ah, l'angoisse. Non mais c'est vrai, si tu parles beaucoup de ton enfant, le mec va se dire OK, il y a pas de place pour moi. Non mais de toute façon, globalement quand tu parles avec quelqu'un et que la personne est monomaniaque, au bout d'un moment ça te gave. C'est comme si tu rencontres, je sais pas, Samy, si tu parlais si je te parle que de l'OM. Ouais, tu vois. Ah l'OM. Tu vois, ou alors tu as un fan de voiture qui va parler que de bagnole. Ouais, ouais, bien sûr. Il faut s'ouvrir un peu aux autres, tu vois, parler un peu de tout. On va parler de l'OM et après on parlera de Jules. Non, ouais, c'est clair. Jules, parce que Jules il a mis les maillots de l'OM. Quand la fille joue, on parle de l'OM. Et ouais, voilà. C'est ça, tu vois. T'as pas vu le clip avec Jules en train de. Il y a le stade de vélodrome dedans. C'est vrai, bon, avec mes potes j'en parle un peu, mais je parle pas que de ça. Et ouais. Mais par contre, Guigui il me parle que de Jésus à chaque fois que je le vois. Voilà, c'est ça. T'as vu la nouvelle église? C'est ça. Oh là là, comme elle est belle. C'est ma passion, respect. Non mais je pense que ce qui serait bien, c'est que tu rencontres un mec qui a un enfant aussi à peu près le même âge que le tien. Non mais ça serait l'idéal à la limite. Ah, faut trop aussi. Non mais et puis c'est pareil, le mec il a une autre vie. Il a peut-être sa vie tourne peut-être pas non plus autour de son gosse. Oui, non. Bon alors des messages qui vont te rassurer, Lydia. Il y a Frédéric qui nous dit: moi je suis tombé dingue amoureux de celle qui est devenue ma femme. Elle avait un garçon. Elle avait un garçon avec elle. On a construit une belle famille recomposée. Tout se passe bien. Moi, un enfant, ça me bloque. C'est moi qui le ferais. À elle, je serais jaloux si elle en avait déjà un. Ah bah ça, c'est Isma qui nous envoie un message. Issouf, il dit le problème, c'est pas l'enfant, mais qu'elle n'arrête pas de parler avec moi de lui. Ah oui. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Tout dépend de la situation avec le papa. Si le papa fait chier, bon après c'est pas donc faut peut-être pas en parler tout de suite et pas parler que de ça en tout cas, Lydia, tu vois. Je pense qu'on a trouvé on a trouvé pourquoi ça bloque, parce que les mecs ils viennent vers toi, donc t'es mignonne, enfin en tout cas tu leur plais. Ouais, y a pas de souci. Après bon tu discutes avec eux. Tu sais, t'as forcément de la discussion, tu vois, tu parles avec nous depuis tout à l'heure. Bon ah bah oui, c'est t'es bien. T'es pas une meuf, t'as pas l'air d'être une meuf chiante, quoi. Bah oui, et c'est rare, tu sais. Arrête. Tu es rare, Lydia. Donc si vous êtes dans le 78 et que vous avez craqué sur Lydia, laissez-nous vos numéros, on peut transmettre aussi, hein. Il y a plein de lecteurs de Skyrock qui sont cool, Lydia. Non, puis même pour ton équilibre, il faut lâcher un peu. Moi hier là, mes potes qui sont venus avec qui on a mangé, qui sont venus à la maison, ils ont trois gosses, bah, je peux te dire, ils étaient bien contents de pas les avoir. C'est clair. D'ailleurs ils étaient chez les grands-parents aussi. Sinon on les recevait pas. Non mais au resto avec trois gosses, c'est vrai. Non mais tu sais que ils étaient chez nous, ils étaient bien. Lui il a appelé, il a dit: attends, j'appelle mes parents, vous pouvez les garder jusqu'à demain? Bon, on viendra les chercher demain matin, hein. Ça c'est génial. Bon, bah en tout cas, on te fait des bisous, Lydia. Tiens-nous au courant, et puis on va te. Il y a plein de gars qui voudraient rentrer en contact avec toi. Regarde, il y a Adris, il y a Vanessa qui dit: moi aussi j'ai un enfant, et c'est vrai que j'étais un peu comme elle. Quand je rencontrais quelqu'un, je parlais de mon amour de ma vie, et ça bloquait les mecs. Donc après, c'est normal que bon. Tu vois, Vanessa, c'était pareil. Al, c'est quand même important dans ta vie. Ouais. Al qui est à Poissy, qui veut te rencontrer. Non, mais il y a du monde. Bah écoute, tu vois bien, Lydia. Et puis on fait un gros bisou à merci Léa du témoignage. Léa, t'embrasse tes trois enfants. Merci. Pourquoi tu n'es pas sur des applis en fait? Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'elle fait, non? Non, elle c'est plus simple. C'est vraiment un truc, j'hésite un peu avec ça. Tu vas me dire, moi, les applis, je suis pas fan non plus. Hein. Si j'ai rencontré quelqu'un, je préfère dans la vie réelle, moi. Mais enfin, moi, je sais que moi, je trouve personne, je me fous partout. Partout. Ah ouais, grave. Ah, demain, je suis célibataire, je me. Moi, je suis sur sexe modèle. Pas aucune réponse. C'est bizarre. Faut juste payer, en fait, du tout. Non, mais essaye, Lydia, si ça marche pour Léa, tu vois, tu peux essayer. Parce que c'est des gens comme ça, de boîte ou autre, c'est forcément des mecs qui vont juste vouloir niquer, en fait. Pas forcément.
On peut avoir envie de niquer puis faire une histoire d'avoir une histoire d'amour. Moi aussi. Non mais bon, c'est vrai que non mais t'as pas tort non plus. C'est vrai que ça, c'est vrai que t'as vraiment envie de baiser aussi. T'as quand même grave envie de baiser. T'as pas tort. T'as pas tort, Léa. Oui, c'est vrai aussi. Tu vas en boîte, si oui, c'est vrai. En général, ouais. En boîte pour niquer, pas pour trouver l'amour en fait. Non mais. Tu peux faire, de toute façon, les applis, tu peux tester, tu vois bien. Tiens, t'essayes une ou deux rencontres. Ouais, tiens, au pire des cas, le mec, tu vois qu'il a juste envie de te baiser, c'est pas ton truc, tu dis non, et puis ouais, terminé. Voilà. Hein. Puis salut. Hein. Voilà, ouais, et tu passes au suivant. Voilà, next. En plus, t'as déjà un nom d'appli, toi, donc vas-y. Bon, non, mais il y a plein de messages. Tiens, moi, je suis célibataire, je te conseille les applis, j'ai jamais autant niqué de ma vie qu'avec les applis. Message de malfaiteur, là, tu vois, qui nous envoie un message. Bon. Non, mais c'est ça, c'est ce que je me disais, pour moi, les applis, c'est vraiment pour chercher un plan cul, quoi. Ah ouais, pour niquer, ouais. Ouais, mais laisse un peu la place, tu sais pas. Mais ouais, déjà, tu vois, ça peut être sympa d'aller se faire un dîner, de séduire un petit peu, tu vois. Je cherche pas tout de suite le truc posé, quoi. Tu tombes. Oui, c'est vrai, tu peux aller. Ouais, mais si c'est les applis, déjà, tu fais un petit tri. Mais laisse la chance. Ouais, oui, non, mais bon, ça se tente. T'as plein d'occasions. Merci, Jimmy, aussi, du coup de fil. On t'embrasse, Jimmy. Le clash arrive, d'ailleurs. On va faire le clash de la drague. Il y a les doubles appels qu'on fait dans un instant aussi. Préparez-vous. Ouais, tu voulais dire, Jimmy? Non, juste Tim Romano, voilà. D'accord. Bah, ça fait plaisir, merci du soutien. Bon, on aura les méthodes du clash, la démonstration tout à l'heure, les doubles appels dans un instant. Laissez les derniers numéros pour les doubles appels, on attaque tout de suite. Et on vous envoie Lydia, Léa et Jimmy, votre t-shirt Skyrock à la maison. En vous en plein de gros bisous. Gros bisous. Et donne-nous vite des nouvelles, Lydia. Super, merci. Il n'y a pas de soucis, merci beaucoup. Éclatez-vous bien. Et nous, on récupère les numéros des auditeurs de Sky pour toi, là. Il n'y a pas de souci, merci. Vous laissez bien les numéros, les gars, parce qu'il y en a qui nous disent moi, je suis OK, message de Telef sur l'appli Skyrock. T'as oublié ton numéro, Telef. Merci, laisse-nous tout ça. Et donc, les doubles appels dans un instant. Et puis, pour nous parler de tout ce que vous voulez, appelez-nous 01 53 40 30 20. Tifoul. Très, très beau trou du cul, vous avez vu. Romano. J'aimerais te faire ronger le fion. Marie. Payez-moi double, déjà. Cédric. Il y a de la meuf. Samy. Ah oui, oui. Karim. Mais moi, ce que j'ai dit à la keuf, c'est que le mec, il m'avait volé. Guigui. Ah, c'est bon. Mais si, m'a rendu fou là. Mais si, je l'ai trop sucé. Et Medellin. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct sur Skyrock, 21h minuit. C'est la plus grande radio libre de France. Vous pouvez nous appeler en direct au 01 53 40 30 20. Yes. Profitez-en si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. On parlait des applis il y a un instant. Il y a où le message qui m'a fait rigoler? Message de Prissy sur l'appli Skyrock. Salut à toi, Prissy, 25 ans. Salut, Prissy, qui a date ce week-end, qui a rencontré un mec. Et le mec voulait que je m'assoie sur sa tête. Il m'a dégoûté. Ah, genre, tu l'étouffes avec son ton ouais. cul, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste un siège, quoi. Du queening. Ah, non, c'est pas du face-sitting. Face-sitting, ou appelé autrement queening. Queening, ça s'appelle. Ouais, genre, ça fait trop. Bah, ton visage sert de trône un peu, tu vois. C'est pas ton chien qui s'appelle Queening, Elisabeth? Non, elle s'appelle Queen Elizabeth. Ah, c'est pas non, Queen c'est pas bien, mais okay, on garde un chien. Ouais. En fait, t'as deux chiens à la maison, toi. C'est ça, ouais. Il garde un chien, ouais. Ouais. Et Queen donc, Elizabeth et Queenie Elizabeth. Et non, mais on l'appelle le plus Babou. C'est Babou. C'est Babou. Non, parce que Queen Elizabeth dans la rue, si tu veux, bon. Ça craint. Mais pas si pour un tarif. Queen Elizabeth, pas Charles. C'est pour ça que Jean-Louis de Dubaï nous appelle les Bibou. Ah, c'est ça, les Bibounets, ouais. Ah ouais. Ok. Jean-Louis de Dubaï qu'on retrouvera cette semaine dans le morning. Ah, hein, ah bah ouais. Ne loupez pas les mornings toute la semaine. Donc tout le monde en parle, hein, de Jean-Louis de Dubaï. Donc, c'est l'influenceur numéro 1. Il y a des potes à moi, ils parlent de lui. Ils ont parlé de Jean-Louis de Dubaï. Ouais, je te jure, quoi. Ah, il a pas des plans, Jean-Louis, pour aller à Dubaï. Ah ouais, c'est dans les conseils pas chers. On trouvera d'ailleurs les conseils pas chers demain matin. Hein. Soyez là entre 6h et 9h15. Tous les matins dans le morning pour vous réveiller avec Skyrock. Bon, attention aux applis, donc, pour Prissy. Donc, le mec, ça l'a dégoûté. Un mec, il te propose ça lors de la première rencontre, Marie, ça te bloque. Il dit assieds-toi sur mon visage. Ah ouais. Ah ouais, tu bloques? Ah bah ouais, c'est même bizarre. Si, même si c'est pour te faire un beau cunier, contre, un bel anulingus. Ouais, non. Non. Ça se fait naturellement en fait. Et tu l'as déjà fait sur un mec? Je l'ai déjà fait. Ouais, mais il est mort. Ah ouais, il est encore dessus. Ah ouais, putain, c'est triste. Est-ce que je lui ai lâché du mucus? C'est noyé. J'ai déjà fait, mais c'était pendant un 69. Et moi, je suis pas fan des 69. Donc. Moi non plus, je suis pas fan des 69. C'est pas un truc qui m'amuse, quoi. Mais comment t'as pendant un 69, t'as pu t'asseoir sur lui? Le mec, il est. Enfin, toi, t'avais plus accès à son sexe, quoi. Bah, si. Comme un siège. Si, elle se met dessus. Bah oui. Lui, il est allongé, elle se met dessus. Ah ouais, non, mais vraiment, tu t'es appuyé sur lui. Non, mais ça, c'est pas s'asseoir dessus, à mon avis, d'après ce que dit Prissy. Ouais, c'est sur lui. Ah ouais, c'est elle qui s'assied. C'est sur ça. Lui. Ouais, c'est un ciel. Ah ouais, non, ça j'ai jamais fait, non. Non, t'as pas. Non, personne s'est assis sur ma gueule. T'aimes bien Karim? Non, c'est pas mon délire, moi, ça. Elle s'assoit sur ton visage. Non, elle m'étouffe et toi, tout. T'assois sur une meuf. Non. Et Guigui, toi, ça t'exciterait? Putain, mais c'est que pas de ouf. Ah ouais, c'est que ça. Ouais, non, je sais pas, ouais, ça m'attire pas de ouf, non.
Bah c'est un 69 avec un écrasement facial. Ouais, quoi. Ça, ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu hard. Puis la meuf est un peu maladroite, elle te pète le nez. Ou elle te pète à la gueule. Oui, bah ça c'est une truie. Je vois pas l'intérêt. Tu t'es déjà assis sur le visage d'une une femme? Non. Bah il t'a bien fait. Ouais. Bah non, non, je suis pas mon délire en plus. Et t'aimerais qu'elle s'assoie sur ton visage comme ça? Non, non. Ah non, c'est pas mon délire ça non plus. Non plus. Ah, bon, après, si on comprend, bon, si c'est pas ton truc, on comprend que ça t'est bloqué. Hein. Si vous êtes tombé sur un mec qui vous a demandé des trucs chelous, les filles, lors d'un premier date, lors d'une première rencontre, vous pouvez nous raconter. Et dans le sens inverse aussi, hein, les gars, si vous êtes tombé sur une meuf qui vous a demandé un truc chelou, bah, vous n'hésitez pas, vous avez la parole, on parle de tout ce que vous voulez, allez-y. 01 53 40 30 20. On salue Maxwell du 69. On salue le gros cultivé qui vient d'arriver. Il y a Anna qui est là. Bonjour à toi, Anna, la fidèle Anna. On salue Hector. Salut Hector, le guépard volant qui nous salue également. Bonjour Adamso. Bonjour à Rome Kiwi Banane qui est là. Et à tous les autres. Vous pouvez donc débarquer ici. Bonjour El Porto. Bonjour Sator. Bonjour Ibra. Bonjour Driss, bonjour Joss et tous les autres. Et Wallace qui laisse son numéro pour Lydia d'ailleurs. Et plein de numéros pour Lydia, ouais merci hein, d'ailleurs pour Lydia. Comme quoi les enfants ça vous bloque pas. Bah écoutez, tant mieux pour Lydia et pour celles qui ont des enfants et qui cherchent des mecs. Bon, il y a Baptiste qui est en ligne avec nous et qu'on va retrouver dans un instant direct de Nice. T'es là Baptiste? Salut Baptiste. Patati, bonjour. Eh bien bonjour Baptiste. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Et bon. Vous hésite. Bah écoute, ça va bien, t'as de la chance, t'es déjà à Nice, t'es déjà en vacances. Enfin, t'es pas en vacances, mais t'es déjà... Ouais, t'as la mer. La mer. Ouais, enfin, vu mon métier, non, pas trop. Oui, tu fais quoi dans la vie, toi, Baptiste? Je suis chef barman. Oula, mais tu vas te faire une amie dans l'équipe. Ouais, c'est bon, ouais. Surtout, elle va te vider le bar, ouais. Ça, y a des chances. Bonsoir. Bah oui, celui-là, c'est Maryse. Non, mais il faudra un mec qui soit barman, ton mari, ça sera le rêve. J'ai déjà eu. Ah bah, ça m'étonne pas, tiens. C'est forcément. T'as déjà eu un mec dealer? Ouais. J'ai eu des mecs, tu sais, de partout. Ils font tout. Ouais. Bah oui, elle a eu des mecs qui font tous les métiers du monde. Ah, c'est clair. Hein. Truc de ouf. T'as déjà sorti avec un escort boy? Non, ah non, ça, j'ai pas fait ça. T'as jamais fait d'escorte? Non, ou alors j'étais pas au courant. Ou genre un acteur porno ou un truc comme ça? Non. Pas acteur porno, non. T'es déjà sorti avec un acteur tout court? Non, son ex-ex, il travaille dans le porno. Tu t'as connu. Oui. Non, t'avais un mec qui travaillait dans le porno, celui que j'avais rencontré là. Oui, à l'époque. Il choisissait les films, les trucs, ouais. Ouais, mais avant que je le connaisse. Avant que je le connaisse. Mais j'avais trouvé sur un tournage. Non, il bossait pour. J'étais actrice. Mais non, il bossait pour un truc, je sais pas si c'était. Jackie Michel. Ah, vous sortiez avec Jackie. Non, il mettait en ligne, ouais, des films en de fait, cul. En fait, il bossait pour une plateforme, genre, je crois que c'était okay, ou un autre truc. Mais tu sais, un truc accessible à tout le monde, et lui, il s'occupait de la partie porno de ce truc-là, accessible à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'était marrant comment il racontait, ouais. Mec, c'est lui qui devait choisir les films, et il devait les renommer, il m'avait expliqué. Exactement. Comme c'était des films, beaucoup de films étrangers qui étaient le nom en anglais, ouais, pas renommé. Lui, il devait regarder le film et choisir un nom en français. C'est un boulot pour toi, ça, Guigui. Ça, c'était trop marrant. J'avoue, pas mal, ça. T'es payé à longueur de journée pour mater des films de cul. Putain, j'avoue, ouais, pas mal. Ouais, c'est bien. Ah, lourd. Ah ouais, lourd. Bon, Baptiste, toi, tu nous appelais parce que bon, t'as une envie dans ta vie et tu voudrais en parler aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, c'est quoi? D'ici l'année prochaine, en fin 2024, ouais, j'ai prévu de faire un petit road trip aux US. Ah ouais, donc t'as le temps quand même. Donc, oui, voilà. D'ici un an et demi, road trip aux États-Unis. Road trip, voyage sur la route, tu pars comme ça à l'aventure. C'est ça. Bah écoute, c'est bien. C'est lourd ça, ouais. Bah, moi je détesterais, moi. Partir à l'aventure, moi si j'ai rien à foutre, je ferais peut-être. Ta gueule de l'aventurier. Non, mais c'est Radio Libre, mais quand même, on en entend des conneries. Non, mais tu serais un aventurier. Bah, je prendrais ma voiture sans destination précise et puis je roule comme ça et je me laisse aller. Voilà, tirer sur la route de Memphis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tirer sur la route de tes fesses, Cédric. Sur la route directement. Il va aller, vas-y, t'inquiète. Aux États-Unis, ouais, du con. Non, mais là, on parle pour la France. Non, mais lui, c'est aux États-Unis. Il dit foule ta voiture. On parle. C'est vrai qu'il va au States. C'est voilà, je cherche au teint. Do you know, teint? Je vais à Clermont-Ferrand après. Le mec, il est à New York. I want to go to teint. Voilà, au thune, comment on dit, au thune. Non, mais t'es complètement con, en soi. Ah, c'est vous êtes con. Non, mais si. Mais tu prends sa voiture, il est en France, réfléchis. Non, mais on est aux États-Unis. Baptiste, il fait un road trip aux États-Unis. Je dis que je ferais bien un road trip, moi. Aux États-Unis, pourquoi pas. Bah, grave. On se retrouve en guerre. En Asie, ouais. Moi, en Asie, ouais. En Asie, je referais bien, ouais. Ah ouais, cool, ouais. Bah, pourquoi les États-Unis, pourquoi les États-Unis, Baptiste? Bah, ça m'a toujours fait rêver. Vraiment. Le rêve américain. Le rêve, ouais. American Dream. Et c'est surtout parce que moi, je suis un immense fan de cinéma et je vais surtout aller vers Los Angeles, Hollywood, tout ça. Ah, d'accord. Et puis, vu que je regarde beaucoup de films. Tu veux faire acteur?
Bon, bah écoute, ouais. Ah, bah t'aimes bien, t'as envie d'aller visiter genre les studios, ouais, tout les studios, ça, quoi. Tout, c'est cool, ça. Ouais, voilà, Universal Studio, tout le bordel, et puis. Non, mais ça doit être apprécié, hein. Tu vois, moi, bon, les. Après, il faut de la thune, je pense, pour faire ouais, ça. Ouais, super cher, gros, putain. Ah, les entrées, ouais, ça va. Les entrées, la voiture, les hôtels. Il y a un peu d'économie déjà, donc. Non, mais si ça va, des délires que tu peux te payer, vas-y, mais tu bouffes des burgers. Là, c'est tellement cher, les steaks. Ah, ouais, c'est cher. Putain, gros, c'est incroyable comment c'est. Mais par exemple, McDo, c'est plus cher qu'en France. Non, ça, c'est à peu près, ça se vaut. Mais ça dépend des périodes. Tu vas dans une ville où Pampi a un gros salon. Ah, non, mais même, c'est un salon, tu vois. Même hors saison, gros. Là, avec, là, avec un canapé. Ouais, c'est exactement ça, ouais. T'as trouvé des sofas. Non, mais toutes les grandes villes, là, tu t'as dit quoi qu'à l'état? Salon à la con, tu vois. Là, les prix des hôtels, ils augmentent de ouf, tu vois. Mais ouais, mais même sans ça, depuis le Covid, tu sais, il y a une inflation là-bas, c'est incroyable, gros. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue, tu sais, des gens qui sont vraiment en galère aux États-Unis parce que les prix, mais. Mais genre un hôtel, bon, un truc basique, quoi, dire, allez, deux, trois. Non, mais un road trip, tu devrais prendre un. Ouais, tu peux dormir dans ta caisse, ouais. Ouais, enfin, du coup, j'aurais peur de me faire agresser. Non, mais un van, un truc, machin. Ouais. Après, t'as vu, il y a plein de villes, hein, c'est pas. Un camping-car. Il ouais, y a des villes avec des gens qui s'appellent les zombies, hein, de plus en plus. Je sais pas si vous avez suivi un peu les. C'est quoi, les mecs Ah ouais, dans le quartier d'LA. Dans le quartier d'LA, ouais. Bah, pas que là-bas, dans plein de grandes villes maintenant, même à New York, à Seattle, Washington, Philadelphie. En fait, c'est des mecs, ils sont tellement en galère, il y a de plus en plus de clochards en fin de compte, ouais. Et ils prennent une nouvelle drogue, genre un genre de dérivé du crack. Ah oui, ouais, c'est ça. Et les mecs, on dirait Walking Dead. C'est, ah, c'est la drogue du zombie, j'ai vu. C'est ouais. Et en fait, il y a des hordes de cheval. Ouais, des hordes de camés dans la rue. Et il y a carrément des quartiers, tu peux plus y aller parce que c'est devenu trop dangereux. Il y a des mecs dans la rue, genre des zombies. À mon avis, dans l'état dans lequel ils sont, ils te font pas grand mal. Hein. Non, ils te font rien, mais c'est quand même. Moi, j'ai vu les mecs, ils sont là, des zombies en fait. Mais c'est devenu vraiment crédible. Parce que très crédible. À Paris, là, tu sais, il y a. Là, moi, j'ai vu une. Je connais quelqu'un qui habitait vers Stalingrad, la zone où il y avait tous les crackers là, ouais, et les mecs foncent des faire gaffe parce que plus d'une fois il y a des embrouilles ça. En fait ouais, ouais là, non mais puis déjà ils s'embrouillent entre eux ouais, et des fois ils agressent des gens parce que tu sais en fait ils ont besoin d'argent pour, ouais, pour acheter leur truc quoi. À la base c'est un vrai fléau, c'est un truc. Non mais la drogue du zombie, j'ai vu les mecs ils te font pas de mal a priori, hein. Non ouais, apparemment ils font pas ouais, de mal quoi, mais c'est pas super agréable de se promener, c'est, ouais c'est plus ça, c'est qu'il y a des quartiers qui avant étaient touristiques et tu sais bon délire avec des bars, des restos, et tu peux même plus y aller parce qu'en fait on dit il y a ça, tu vois. Il y a Slash qui nous demande, ça fait quoi la drogue? Bah, il paraît que ça t'isole de tout. En fait, tu ne comprends plus rien. Enfin, t'es complètement dans ta tête isolé. Tu te rends plus compte de ce que c'est. C'est Fentanyl, c'est ça, non? Je sais pas le nom de la drogue. Je sais pas. Moi, j'ai vu ça, la drogue du zombie aussi. Mais bah, Fentanyl, il y avait plein de rappeurs qui en prenaient. Des rappeurs américains. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un truc schlagué, tu vois. C'est un mélange de, ouais, je sais plus. Ils ont trouvé un premier overdose en Angleterre, donc ça arrive en Europe. D'accord. Ah bah, tu vois. J'ai vu ça. Ouais, quoi, c'est terrible. Quoi, ça doit déjà être là, tu vois. Là, c'est, surtout à Philadelphie et Seattle, j'avais vu des trucs sur YouTube, là, mais c'est incroyable. On dirait Walking Dead, on dirait des morts vivants dans la rue. Tu sais. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. C'est comme dans les films, en fait. C'est exactement ça. Bon, écoute, tu vas t'éclater aux États-Unis. Voilà, allez, bonnes vacances. Non, mais c'est vrai, prends un van. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky? Ouais, c'est le Fentanyl. Non, c'est Xalin. Fentanyl qu'on nous dit là. Non, Fentanyl. Xalazine. Fentanyl. Non, mais je crois que ça c'est autre chose. Ouais. Je me demande si c'est pas le truc que prenait Lil Wayne ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et Eminem ou. Ouais, ils mettent ça dans des sirops, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est le truc. Là, cette drogue-là, il appelle ou le Trank ou le Xalazine. Ah, je crois que c'est ça. Hmm, ah, peut-être c'est ça le nom. Je crois que c'est ça la drogue du zombie, ouais, là. Xalazine, il me semble. Ok. Ça, ouais, ça me semble. Ça arrive en Europe, apparemment. Ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser à un insecticide quand j'avais vu le nom. Ouais, ça va. Je vais prendre un peu d'insecticide. Et apparemment, c'est déjà arrivé en Belgique, donc ça devrait pas. Non, mais de toute façon, non, mais. Ah, ça arrive partout. Non, mais c'est déjà arrivé en France. Ouais, t'as pas remarqué, les autorités, ils découvrent les trucs 3 ans après, tu sais. Mm-hmm. C'est comme là, ils se mettent sur les puffs, ça fait 5 ans que ça en vente. Oui, puis bon, je suis en train d'en fumer une, c'est pas méchant. Non, mais tu vois, il y a quand même un sacré décalage entre. Bon, je sais pas pourquoi ils font chier sur les puffs d'ailleurs, si j'ai envie de fumer une puff. Bah là, ils en parlent plus. Là. Non, mais c'est pas parce que, étant donné qu'il y a des parfums, ils pensent que ça va inciter les jeunes à fumer. Ils ont pas besoin de ça pour. Oui, non, mais bon, après, moi, je te dis que. Non mais c'est vrai. C'est bizarre, ouais, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Baptiste? Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky, toi? Déjà s'il y aurait 2-3 tips pour les US, mais surtout il y a un détail en tu fait. Tu donne des sous. Des conseils. Non, des conseils. Là où tu veux des tips, c'est pour boire. Comme ça, parce que les tips, c'est pour ça. D'accord. Je m'y vois déjà pour ça. Ouais. Mais en fait, il y a surtout un détail, c'est que j'ai un chien avec moi, un petit chien. Il n'y a pas une quarantaine pour ah, là, tu pourras pas l'amener là. Ah ouais, si, ah, c'est sûr, c'est non, mais il y a une quarantaine. Impossible. Ah ouais. Si, tu peux l'amener. Ouf, ouais, c'est une galère. Mais il y a une quarantaine. Faut prendre une quarantaine de chats pour y aller. Non, mais en fait, mais moi, j'ai la sœur de Cariole, en fait, sa meilleure amie, elle vit aux États-Unis et en fait, elle est partie vivre là-bas et elle est partie avec son chien. Et le chien, en fait, il le garde en quarantaine. Ouais, c'est ça. Alors, bon, ils disent quarantaine, c'est pas forcément 40 jours, mais en fait, il le garde. Là, c'est 2 semaines, je crois. Ça dépend des pays, les quarantaines, ouais. En fait. Il le garde dans un chenil et en fait, il n'a pas le droit de. Et tu vas le récupérer au bout de 15 jours, 3 semaines ou un mois. Tu sors d'Europe, il y a des quarantaines.
41. Ouais, ouais, et mais je crois que même maintenant, je me demande s'ils ont permis d'ailleurs pour l'Angleterre, là, depuis qu'ils sont sortis de. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas toujours. Tu peux pas y aller, je pense, avec ton chien. Même si les vaccins sont à jour? Ah non, non, mais même si les vaccins, parce que je crois que là-bas, quand. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais je crois que quand le chien arrive là-bas, de toute façon, ils lui font des examens, et dans tous les cas, ils le gardent, je sais plus combien de temps c'est entre 15 jours et un mois, ils le gardent dans un chenil. C'est horrible pour le chien. Et tu vas le chercher après. Ouais, c'est comme ça, c'est. À la limite, vaut mieux que tu le laisses en France, le chien, quoi. Ouais, mais Tu quittes ton chien, c'est vrai. Non, mais tu le fais garder le temps que tu fasses ton road trip. De toute façon, tu n'as pas de visa, tu vas pas partir 2 ans. Hein. Bah oui, non, c'est sûr, mais bon, je l'ai adopté, c'est pas pour le refourguer quelqu'un. Ah bah oui, bah ça, c'est normal. Bah, faire un road trip en Europe, ça changera un peu. Je peux faire ça. Non, mais sinon, tu t'en restes. Renseigne-toi, ça va être gérable, mais c'est une galère. Non, mais bon, si vous avez fait. Ah, mais je crois qu'il dérange pas, parce que tu sais, même si, pour apporter, par exemple, si je crois que si tu es aux États-Unis, je crois que j'ai vu ça, je sais plus où. Apparemment, aux États-Unis, il n'y a pas de quarantaine. Ah ouais? Je pense que chien comme ça, je pense. Ouais, ça dépend des États, mais apparemment, la majorité, il n'y en a pas. Bon, bah oui, c'est vrai que c'est pas de quarantaine pour les chiens. C'est état par état. Bon, renseigne-toi quand même là-dessus. Puis si vous avez fait des petits voyages comme ça, si vous avez des conseils à donner sur un voyage sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, San Diego, San Francisco, tout ça, San Bernardino, vous nous laissez vos messages et puis vous nous en parlez. Vous avez fait un voyage de ouf, vous pouvez nous en parler aussi. Bah, les vacances arrivent. On en reparle avec vous et on te connecte avec ceux qui sont déjà allés, Baptiste. Et a priori, bonne nouvelle, il n'y a pas de quarantaine. Ouais, d'habitude. Ah, merci pour les messages que vous nous laissez. Sauf si tu vas à Hawaï. Ah ouais. Ouais, bah tu commences ton retour. En voiture, tu vas avoir du mal, toi. Ouais, en voiture, ça va être compliqué. Pour un road trip, du coup, c'est un peu moins. Oui, c'est vrai. Bon. Après, il faut trouver un avion qui prenne les chiens, quoi. Pas EasyJet déjà. Non, mais EasyJet pour aller au State, tu vas avoir du mal aussi. Oui. Il n'y en a pas d'EasyJet au State. Ah non, mais non. C'est quoi comme chien que t'as? C'est un croisé, mais il est tout petit. Il est aussi petit qu'un cabichon. Donc il prend pas de place. Un petit bichon. Ouais, donc tu peux l'avoir en cabine. Bah, si tu prends une compagnie Air France, c'est 125 balles le billet maintenant. Ouais. 250 balles aller-retour. Ok. Et voilà, la drogue, ils ont augmenté les tarifs. Ils sont passés de 45 ou 50 balles à 125 en l'espace de un mois. C'est faute. Ah, bah, c'est faute 3. Ouais, non, bah, ça va. Tranquille, Où que tu ailles. Bah, où que tu ailles, ouais. Moi, j'étais parti avec Queen Elizabeth, là, qu'on est allé à Rome. Parce que on l'avait déjà pris. Bon, heureusement, la propriétaire me paye les billets parce que je vais pas non plus. Oui, c'est vrai, tu nous as raconté. C'est sympa, mais. Et en fait, quand j'ai appelé Air France pour avoir les billets, parce que tu ne peux pas les acheter en plus sur Internet. C'est très très bien foutu leur truc. Donc t'es obligé d'appeler. En général, t'attends bien 20 minutes, une demi-heure pour avoir quelqu'un, parce que je pense qu'il y a très peu de personnel maintenant qui répond au téléphone. Et là, la meuf, elle me dit, c'est 125 euros, monsieur. Je lui dis, mais l'aller-retour. Non. Elle me dit, juste aller. Vous le laissez là-bas. Je lui dis, mais il est en cabine, c'est pas en soute. Elle me dit, en soute, c'est 400 euros. Oh bah voilà. Tu vois, déjà, on va faire des économies, Baptiste. Tu le gardes en cabine, le petit bichon, là. Ouais, 125 balles. Le chien, en plus, il a pas de place. Hein, il est par terre. Il est par terre à tes pieds. Hein. Et ça a changé, je crois, le 1er avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Poisson d'avril, mais. Ça n'était pas. Bon, appelez-nous pour Baptiste et dites-nous si vous aimeriez, vous aussi, aller visiter comme ça, à l'arrache, un pays, une région du monde. Vous nous laissez. Et si vous l'avez déjà fait aussi, vous Moi, je l'avais fait quelques jours en Italie, c'était un enfer. Ah, j'adore, moi. Ah, de changer tous les jours, je déteste. Non, peut-être pas tous les jours. Pour moi, c'est 2-3 jours. J'ai trouvé ça horrible. Non, mais tous les jours, c'est creux. Ah ouais, ça m'a cassé les couilles. En plus, c'est l'année où j'étais rentré, j'avais défoncé la bagnole d'un mec en reculant. un enfer, le truc. C'est tous les jours, c'était une tannée. avec Carlo, on s'est dit plus jamais. C'était pas la bonne idée. En fait, moi, je vais à un endroit, je pose mon cul, je quitte l'endroit, je rentre chez moi. Ah ouais, c'est clair. Ah, les galères de partir. Ouais, parce que là, nous, c'était vraiment tous les jours, tu vois. Tous les jours, on prenait la voiture pour aller dans une autre ville et on avait. Non, mais là, dans ce cas-là, t'as pas de grasse mat, c'est chiant. Ah non, mais c'était une merde, sans nom. Bon, Baptiste, raccroche pas, reste avec nous, on va y revenir, appelez-nous. Puis pour ça et pour tout le reste, 01 53 40 30 20. On vous attend en direct, allez-y, moi j'irai bien en Colombie, à Medellín. Putain, je pensais aller là-bas aussi, ouais. Medellín, Colombie. Mais pas que c'est pas la bonne période pour y aller. Ouais, Amérique du Sud, ça me fait flipper. Ah non, c'est vrai, faut pas trop faire le jeu. Non, c'est dangereux. Il a kiffé. Non, mais c'est dangereux. Bah, elle m'a dit, ça dépend si tu respectes ce qu'il te. Oui, c'est là. Bah, moi, j'y suis allé, gros, j'ai kiffé. Je peux. Difou, il a raison. Il y a des endroits, ça fait peur quand même, gros. Karim y allait, il s'est retrouvé en face d'un gun, donc. Ouais, mais gros, tu sais, les gens qui viennent en France aussi, hein, c'est dangereux, hein, gros. Tu sais, ils vont se balader dans des cités, frérot. Tu sais, au final, c'est pareil partout. Ouais, voilà, faut éviter certains endroits. Tu sais, les gens, quand ils regardent sur leur site, tu sais, à eux de leur pays pour aller en France, il y a des trucs, faites gaffe, il y a des pickpockets, il y a tout. C'est connu pour ça aussi, Paris. Ouais, enfin, il y a moins de morts par arme à feu en France qu'au Brésil. Oui, bah, ça, évidemment. Au Mexique. Non, mais Karim, il a pas tort. Ouais, mais gros,
La France, c'est considéré comme, c'est quoi à dire, mais c'est considéré comme un pays moins. Vous avez vu, on est dans un pays thug. Non, mais c'est vrai, on est un peu des. En Colombie. Non, mais regarde les histoires qu'il y a eu, Tiens, regarde, il y a Pavel qui nous dit, Pavel Medved. Qui nous dit tu vas à Mexico pour acheter des cigarettes, t'es obligé d'avoir une arme sur trois. Incroyable cet endroit, il nous dit, tu vois. Ouais, ça fait peur. Pas que Mexico, ouais, c'est chaud. Mexico. Ok. Toi, t'arrives en France, tu sors devant l'aéroport. Je sais pas, tu peux prendre ton téléphone, t'es assez à l'aise. Je te dis pas en t'éloignant, mais devant l'aéroport. Je suis sorti de l'aéroport en Colombie, j'attendais un taxi. Gros, j'étais pas serein, mon iPhone, je l'ai rangé. Ah ouais, gros, j'attendais. Je me dis vite, faut que t'arrives le taxi, mon pote. T'es pas tranquille. Non, mais il y a des gars, ils sont bizarres, gros. Ils sont bah, là, en ils France, il y a des attaques comme à l'ancienne de diligence. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais il y a eu une attaque à un mec à Uber. C'était des touristes. Les mecs, je crois que c'était pour aller à Roissy. Les mecs, ils sont. S'en fait le truc genre guet-apens. Ils se sont fait dépouiller. Il y a eu des attaques de bus et tout. Donc je peux te dire que non, bien sûr. Non mais bon oui, c'est pas après ouais, c'est, j'imagine que je sais pas, j'ai jamais été. Il y a un gros bijoutier qui s'est fait arracher ce week-end à Paris pareil. C'était un guet-apens en fait. Le chauffeur était complice apparemment avec les voleurs, et en fait quand il l'a pris dans son van donc dans l'aéroport, le mec il avait des bijoux sur lui, mais genre pour 3 millions d'euros, et le mec il l'emmenait dans un guet-apens dans une cité, ils l'ont dépouillé, non, le mec le ouais. Le mec est déjà assez con pour se balader avec 3 millions d'euros. Oui, mais c'est son boulot le mec. Mais son boulot le mec. Ouais. Ouais, mais c'est curieux quoi. Tu prends pas Uber, tu prends un truc blindé. Ouais, c'est. Ah mais j'imagine que le mec il avait pris un chauffeur privé, j'imagine que le mec c'était privé oui. Ouais, c'est en fait si le mec il savait que c'était un gros client, des fois il y a des mecs, c'est comme le mec là, comment il s'appelait là ce qu'avait fait Kim Kardashian. Mais ouais, pareil, c'était ou l'autre là, le mec qui convoyait là la Brinks ou je sais plus quoi là, Tony Musulin là. Le mec s'était barré avec le Camtar, il y avait je sais plus combien, il y avait 7 millions. Allez, salut. D'ailleurs le mec il était libéré il y a quelques millions, ils l'ont jamais retrouvé hein. Mais il y a eu une enquête apparemment, les quelques millions, c'est un truc, c'est un reportage hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est apparemment c'est un keuf, tu sais, il y a eu un keuf ripou. Il y avait un keuf ripou de Lyon, je crois, ou je sais plus si c'était de Paname ou de Lyon. Et apparemment c'est lui qui est arrivé le premier sur les lieux, et c'était un bête de ripou, c'est lui qui a pris le million ou le deux. Ouais, parce que l'autre, il avait loué un box, il avait reconstruit un deuxième mur derrière pour cacher le pognon derrière, il était venu péter pour partir avec. Bon, après, il s'était fait péter, là, Tony Musulin, là. Ouais. Musulin, je crois. C'est ça. Ouais. Mais, mais une sacrée histoire. Bon, un peu de délinquance dans la radio libre, on peut en parler, on parle de tout, de toute façon. Profitez, appelez-nous 01 53 40 30 20. Et on pourra revenir aussi à, Priscilla, qui nous a laissé un message tout à l'heure avec un mec qui lui a proposé de s'asseoir sur le visage du mec, c'était son fantasme, lors du premier date. Vous avez eu des dates un peu spéciaux, vous pouvez nous raconter. Ou alors des mecs qui avaient des fantasmes, ou des meufs d'ailleurs, qui avaient des fantasmes un peu spéciaux aussi. Vous nous dites. Bon, on fait le double appel, on y va vite. Double appel sur Skyrock, c'est parti. Ça sert à quoi d'appeler en masqué? Et moi, je t'encule. Voilà. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Arrête de regarder Rocco de Siffredi. Ça part. Le double appel de Difool sur Skyrock. Et oui, le choc des cultures, le choc des générations parfois dans le double appel. Le choc des familles, c'est parti. Avec et des rencontres. Les numéros que vous nous avez envoyé depuis tout à l'heure, depuis 21h, on a testé les numéros, on a gardé ceux qui répondaient et on va tenter de les mettre en contact maintenant. C'est parti, ça sonne. Patrick peut venir nous aider bien sûr à n'importe quel moment. Allô? Voilà. Oui. Ouais. Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? C'est 3. Allô? Oui, c'est pourquoi? Bah, je sais pas, vous, on vient de m'appeler. Bah non, moi je vous ai pas appelé du tout. Ah bah moi j'ai eu un numéro là indisponible, donc là je sais pas, le téléphone il a bugué, ça a dû rappeler, mais moi j'ai pas rappelé. Non mais moi non plus, hein. Le téléphone alors vient de sonner deux fois. Là. Ah bah oui, bah moi aussi. Ta bonne femme elle est là ou pas? Oui, non mais... Bon, appelle protégée, sa mère. Comment? Elle est pas là, sa mère. Appelle protégée. Appelle protégée. Non bah moi indisponible alors. Comment? Appelle protégée. Moi ça me marque indisponible, j'ai pas le numéro. Je peux pas appeler alors. Bon bah je sais pas. Bon. Je sais pas, il y a un souci quelque part. Allô? Ouais, ouais, bah, je suis là, toujours là. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Bah rien, mais c'est toi qui appelle, c'est Pomi? Ah non, pas du tout. Ça fait deux fois que je me lève pour répondre à ce téléphone. Ah, c'est Pomi? Ah bon? Allô? Pomi, en tout cas. Allô? Ouais. Ah ouais, je suis à poil, là. Voilà. T'es en train de te branler? Allô? Oh bah, appelle chez Flick, justement, ils sont devant la porte. Appelle chez Flick. Appelle chez gendarme, ils sont devant la porte, là. Va vite, vite, dépêche-toi. Hein? Allô. Attends, tu vas répondre, chez les gendarmes, ils vont répondre. Hein? Il arrive, non, là. Allez. Ouais, mais attends, il arrive. Ah, je peux m'y aller. Viens là, messieurs, venez là. Hein? Allô. Oui. Monsieur le gendarme, venez. Venez, gardez, il y en a qui font des conneries. Venez.
C'est nous le gendarme. Oui, allô, tu dis oui, allô. Allô, je vous passe à la gendarmerie. Oui, comment vas-tu? Oui, allô. Oui. Allô. Oui. Allô, oui. Bonjour. C'est quoi, oui, bonjour. Allô. Oui, la gendarmerie. Oui. Ah non, c'est... non, je ne suis pas la gendarmerie. Ah, parce qu'on était avec quelqu'un qui était gendarme au téléphone. Ah non, ben, vous faites erreur. Vous êtes qui, vous, madame? Je suis qui êtes-vous, vous? Ce n'est pas une réponse, madame. Qui êtes-vous, vous? Ben, je ne vais pas vous me dévoiler puisque je ne suis pas gendarme. Ça, je peux vous le garantir. Ah non, mais on ne vous demande pas de vous déshabiller. On voudrait juste savoir qui vous êtes. Hein. 75. Oh, il y a quelqu'un derrière en plus. Je suis en train de me masturber là. Ah, c'est votre mari, madame, derrière? Qui est en train de se masturber? Non, pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est votre mari qui se masturbe? C'est dégueulasse, madame. Il est parti. Voilà, j'ai le droit de me masturber aussi. Non, Cédric, c'est pour le double appel uniquement. Bon, on y retourne. Allez. On a le numéro. Allons-y. Bon, pour l'instant, opération réussie. Hein. Et l'autre est exceptionnel quand même. Ah, le comédien. Oui, alors, tu fais le gendarme. Tu dis. Tu dis oui, allô. Oui, allô. Tu dis oui, allô. Allô. Bonjour. Bonjour. C'est mieux. Ça va mieux, Guigui. Tu parles en répondeur maintenant. Oui, allô. Allô. Oui. Oui, comment vas-tu? Non mais, qu'est-ce qu'il met au téléphone là? Tu veux te faire sodomiser là? Pardon? Oui? Tu veux te faire sodomiser là? Oui, si tu veux, mais toi, commence pas à te faire sodomiser, espèce de grand con, hein. Allez, salut! Je suis en train de m'assurer. Ah oui, non mais t'inquiète, c'est la radio. Veuillez patienter. C'est la radio. Allô? Ouais, t'inquiète, Patrick. Comment ça va, Patrick? Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, bah ouais, je sais bien. Je suis en train de m'assurer, là. Ouais, t'as une bonne bite aussi, ouais. Oui, tu le connais bien, dis donc. Bah oui. Ah bah, tu connais bien, Patrick. Comment ça va, Romano? Ouais, absolument, ouais. M'assurer un petit peu, non? Romano, il t'a reconnu, c'est toi qui offre le cadeau. Ah non, il a reconnu Patrick. Non, il a reconnu toi. Ah, Patrick. Et Patrick, on a plus ton numéro. Oui, bah moi non plus, j'ai plus de numéro. Voilà. Bah si, t'as ton numéro. Bah, tu n'as pas besoin de numéro, t'es là. Bon, est-ce que tu veux que Romano t'offre un cadeau? Ah, ouais. Eh ben écoutez comme vous voulez. Bah on veut. Bah tu me laisses le choix, je dis non. Bon, on va t'offrir on a quoi? On a un pack tiens, le pack été sport qu'on offre le matin là. Ouais, OK, pas de problème. Il y a le sac de sport Skyrock, il y a quoi? Il y a la grande serviette de bain Skyrock, la gourde. Il y a la gourde. La gourde Skyrock. Super. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ballon de foot Skyrock aussi, qu'on va t'envoyer à la maison. Bon, ben, c'est comment ton prénom? C'est Alexis. Eh ben, Alexis, il y a quelqu'un qui nous a laissé ton numéro dans les numéros du double appel, donc. Ouais. Cherche autour de toi, mais en tout cas, t'étais dans le double appel ce soir. On te fait des bisous, Alexis. Allez, merci. Salut, Alexis. Et votre Romano. Oui, il y a le clash qui arrive. On finit le double appel et après clash. On vous attend en direct aussi pour tout le reste. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous n'hésitez pas. Et nous on appelle maintenant, attention, les derniers numéros du double appel. Allô. 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 Tu veux pas rappeler l'autre d'avant là, ça, allô. 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 Oui. Je vous écoute. Là je suis à poil là. Alors arrêtez. Hein. Allô. Ah, il fait chaud, oui, en même temps. Hein. Allô. Là je suis à poil là. Et allô. Peur. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allô. Je suis en train de m'assurer là. Fini. Tu la branles bien comme il faut là. Oui, c'est bon, Patrick. Merci. C'est fini. Tu la branles bien là. C'est bien, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Voilà, terminé pour le double appel. Merci en tout cas pour les numéros que vous nous avez envoyés. Voilà, on a éclusé tous les numéros que vous avez envoyés depuis tout à l'heure. On a connecté du monde. Bravo les familles. Et une fois de plus, on n'est jamais déçus. Les familles, alors on n'est jamais déçus. Bah oui, on est là tous les soirs pour parler de plein de choses. Dans un instant, on parlera d'amour et de drague. On peut parler, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens qui vous ont proposé des trucs sexuels bizarres qui vous ont choqué. On y revient dans un instant. Et puis on a parlé de voyage. Le road trip de Baptiste. Ouais. Voilà, si vous avez fait des trucs de ouf comme ça, vous êtes parti à l'aventure, vous nous racontez. Il y a Franck là qui nous laisse un message et qui, quand il était petit, c'était son père et sa mère qui faisaient un road trip en Afrique. Ils sont partis pendant un an. C'est génial. Ils sont éclatés. Je m'en souviens pas trop. J'ai juste les photos que je vois.
Ah ouais, t'étais trop petit. Ah, t'étais trop petit, ouais. Ah oui, c'est tout petit. Eh bien, moi j'avais fait ça en Europe avec avec ma daronne. T'as fait quoi? La route des vins. Non, on avait fait l'Europe et puis on avait fini. On était monté jusqu'en Suède, la Laponie et tout ça, et on avait fini en Norvège. Mais c'était super. On a fait plein de trucs. Bah ouais, c'est toujours bien de voyager. Ah ouais, c'est génial. Non, sinon, il y a un truc que j'aimerais bien. T'es bien, Baptiste, l'aventurier. Tu vois, t'as plein de. Un truc que j'aimerais bien. Tu fais rêver plein de monde. Mais pareil, bon, il faut avoir un peu de sous quand même. C'est, là, j'avais vu un reportage. Là, c'était une famille. Ils sont partis en bateau, tu vois, et ils font. Genre, ils ont été aux États-Unis. Ils ont fait. En fait, en gros, toutes les mers et tous les océans du monde. Ouais, ils sont ouais, jeunes, quoi. Ouais, ils sont arrêtés. Avec des gamins et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais déjà vu ça. Putain, dans l'école aux enfants et tout. Donc là, c'est en famille. Toi, tu veux partir tout seul, Baptiste? Tout seul. Avec ton chien. Avec ton chien, Non, je serai pas tout seul. T'amènes quoi? T'amènes des potes? Non, je serai avec ma chérie. Avec ta chérie. Ah, stylé, deux, c'est cool. Non, mais c'est bien, ouais. Partir avec des potes ou avec sa chérie. Tu sais, faut faire attention parce qu'il y a un truc qui est connu. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un genre de dépression du retour. Moi, j'avais rencontré un mec et lui, il avait envie de repartir derrière. Non, en fait, il avait fait un road trip en Australie. Donc, il avait fait tout le tour de l'Australie. Alors, lui, ce qu'il avait fait pour financer le voyage, vous étiez parti avec un peu d'oseille. Et de temps en temps, il s'arrêtait, eux, ils avaient fait ça un an. Ouais. Ils s'arrêtaient genre 3 semaines. Il travaillait des cagoules. Non, tu travailles dans les fermes et tout ça, mais là-bas, tu peux le faire. Ouais, et il travaillait, tu vois, à gauche, à droite, il aidait à ramasser des légumes. Tu peux le faire, ça. À faire des trucs, de temps en temps, il travaillait dans un bar, il prenait un peu d'oseille, tu vois. Ouais, pour continuer. Pour financer le voyage. Et en fait, quand ils sont revenus, le couple, il a tenu genre 3 mois et ils se sont séparés parce qu'en fait, ils supportaient plus le fait d'être, à nouveau sédentaire, de plus bouger, quoi. Non, mais. Et en fait, ils ont. Mais c'est connu, hein, ce truc, hein. C'est ça arrive la pression du retour. Ouais, c'est un genre de il y a un nom. Non mais puis en plus moi ça m'arrivait quand j'étais au bahut et que je rentrais en septembre tous les ans. J'avais la même dépression. Non mais après tu peux aussi te foutre sur la gueule au bout d'un moment avec ta chérie parce que si t'es avec elle tu sais 24/24 comme ça, je sais pas, tu veux partir combien de temps? Là en France aussi. Bah oui. Là après c'est les vacances, c'est détente, tu viens avec ta meuf, ouais. On a survécu au Covid, franchement c'est pas les vacances qui vont. Ouais, d'accord, oui, c'est clair. Non mais là en plus c'est passé le plus dur, ouais. Non mais en plus Samy a raison là, c'est plutôt mon délire, tu vois. Vous allez pas partir 2 ans non plus, tu vois. Ouais, tu pars, tu vas voir plein d'endroits différents, il y aura pas la routine que tu peux avoir quand t'es Bah j'espère. Oui, non, mais Marie, Marie, elle est super positive. Non, c'est clair. Pour tout vous dire, hier, j'ai regardé des trucs, tu sais, sur les crimes. J'adore regarder des trucs sur les crimes et tout. Et je regarde un gars qui relate quelques histoires. Et je suis retombé sur l'histoire du couple qui partait en road trip comme ça. Et où la nana, en fait, il est rentré tout seul. Et en fait, il avait tué sa chérie. Voilà. Voilà ce qui t'attend. Je me souviens un peu du nom du bordel là, mais ils expliquaient justement qu'en fait ils étaient l'un sur l'autre pendant trop longtemps et que il avait pété un câble. Bon, vous êtes survécu au Covid, vous survivrez à ça. Bon, tu bouges pas, Baptiste, reste avec nous. Et et puis on vous attend en direct 01 53 40 30 20. On aura aussi Antoine qui arrive de Cergy dans un instant. T'es là, Antoine? Bonsoir. Salut Antoine. Antoine, 23 Comment ans ça à Cergy, ça va bien. Et ça toi? Ça va bien et vous? Écoute, ça va bien. C'est toi qui veux nous parler de ton ex? Ouais, voilà, en fait, grosse histoire. Alors. Eh bien, on va en parler tout de suite. Grosse histoire. Je connais des grosses histoires avec des ex dans l'équipe. On pourra en reparler également dans un instant, d'ailleurs. Ça rappellera des souvenirs. Bons souvenirs. Oui. Les meilleurs. À certains membres de l'équipe. Bon, allez-y, profitez. C'est Gazo, là, tout de suite. Qui, d'ailleurs, l'invité de lettre, toute la semaine, 20h, 21h, juste avant la Radio Libre. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, là, avec vous en direct jusqu'à minuit. Voilà, je dis pas. Vous pouvez nous appeler, vous aussi, de toute la France. Vous pouvez faire de la radio avec nous, 01 53 40 32. Ouais. Vous avez envie de parler d'un truc, vous nous faites signe, vous nous racontez. Et on va revenir au truc bizarre. Cédric, t'as envie de parler d'un truc? Tu veux parler des trucs bizarres sexuels? Tu veux parler d'un truc, ouais. Un truc bizarre, des trucs sexuels bizarres que t'as envie de faire, Cédric. Non, mais parle-nous de tes road trips de cul là, dans tes boîtes à cul du monde là. Ça, non mais vas-y, raconte. Non mais quand tu faisais avant, quand tu y allais à l'ancienne. Mais non mais j'ai un pote qui allait, moi j'y allais. Ouais, raconte l'histoire de ton pote. Raconte l'histoire de ton pote. Un pote, il a fait le tour de, bon, il a fait plein de pays. Hein. Il a fait quoi? Pour baiser. Il a fait quoi? Il a fait le sexe tarifé dans le monde entier. Il a fait la Belgique à l'ancienne. Ouais. Voilà, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne. Non, la Suisse, non. Il n'est pas allé en Suisse, mais il a pas été niqué, non. Et les pays sud-américains, tout, il est allé? Non, il a jamais fait. Angleterre. Angleterre, ouais, mais il a paniqué. T'avais un pote aussi qui t'avait raconté l'histoire d'un autre pote au Maroc, là, qui te racontait un peu. Ah ouais, gros, une histoire. Qu'est-ce qu'il t'avait raconté? C'est un pote à moi. Écoute bien, Cédric. Son oncle, c'est ce qui lui est arrivé. Son oncle, c'est un mec, tu sais, là. Non, c'est pas ça l'histoire. Si, c'est le mec qui a dormi et qui s'est réveillé. Non, ça c'est une autre histoire. Laquelle? Le pote qui t'avait parlé d'un pote qu'on connaît tous. L'année dernière au Maroc.
et qui t'avait dit sexe tarifé et tout ça. Merde. Ah ouais, putain, sur Cédric. Ah, ah ouais, putain. Non, sur un pote à toi. Ah oui, sur un fameux, notre fameux pote à nous. Voilà. Oui, 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 oui. On dira pas son nom. Ah oui, oui, qui n'arrêtait pas d'aller aux tympes, mais c'était incroyable, gros. C'est-à-dire, il allait en Allemagne pour les tympes. Il avait tous les pays où il allait, c'était que pour les tympes, gros. Et à chaque fois, il appelait. Mais apparemment, il y allait lui aussi. Non, mais apparemment, tu l'as emmené une fois, il a flippé, non, gros. Apparemment, le pote, là, que tu racontes l'histoire. Écoute là, bien, ouais. Cédric. Il l'a emmené une fois, gros, il a flippé, gros. Il a dit, c'est un ouf, il n'est que des tympes, il est trop sur les tympes, ouais, c'est un fin. C'est un fou, lui. Non, putain, j'ai cru dit fou, tu me parlais d'une autre histoire, gros. L'histoire du mec qui s'est réveillé avec la culotte, là, que je t'ai dit. Ah, alors, une autre histoire. En fait, avec une culotte. C'est un oncle. Autre histoire de temple. Un oncle incroyable. Un oncle, un pote à moi au bled. Tu sais, c'est un mec, il est assez costaud, tu vois, physiquement. Mm-hmm. Et il a niqué une tympe. Tu vois, donc le mec est marié, il a des gosses, il a niqué une tympe. Et il était tellement bourré que quand il est rentré chez lui, en fait, ses enfants, ils se sont rendu compte qu'il avait mis la culotte de la tympe. Oh, quand il s'est rhabillé. Elle est partie, il est un peu cramé là, par contre. Il est trompé. La question qu'on se pose, c'est. Parce que lui, il est assez balèze, donc pour rentrer dans la culotte de la teinte, c'est que la teinte, ça lui est un sacré morceau aussi. Et donc ça lui a foutu la honte au quartier parce que ses enfants, ils ont vu ça, donc ils ont cru que leur daron, soit il se travestit, soit bon, bah il a niqué une teinte. C'est genre une culotte rousse. Ouais, c'était un truc en dentelle, je pense, ou un truc classe. Ils l'ont affiché au quartier. Et sa femme, elle est pas tombée dessus parce que. Non, c'était les enfants. C'est mieux. Ah putain, ouais. Enfin, les enfants, c'est mieux. C'est mieux, je sais pas. En même space. C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, pour les enfants, c'est bizarre. Bon, on reparlera de ces histoires de road trip parce qu'on a plein de témoignages. Vous avez voyagé, vous avez fait des trucs. Et puis, si sexuellement, on vous a proposé des trucs bizarres, ben, vous n'hésitez pas à vous témoigner. Tiens, on a Antoine de Cergy. On va lui demander, Antoine. Antoine nous appelle pour autre chose. Tu vas nous expliquer ton histoire avec ton ex, Antoine. Mais avant ça, une petite question. Est-ce que t'as déjà fait des rencontres avec des meufs qui t'ont proposé des trucs bizarres? Pour l'instant, non. Pas vraiment des trucs bizarres. Et est-ce que toi, t'as déjà proposé des trucs jugés, entre guillemets, bizarres à des meufs comme ça? Non, je suis pas trop de ce délire, j'avoue. Vous avez déjà proposé des trucs bizarres à des meufs, Cédric, en payant? Tu t'as déjà proposé des trucs chelous? Non, jamais. Genre, ouais, des trucs classique. Vraiment dégueux, quoi. Non, trucs classiques. Non, pas trucs dégueux, non. C'est pas dans mes délires, ça. Quand t'avais fait caca dans le lit, t'étais seul? Pas de meuf, j'étais tout seul. Ah, t'étais tout seul. J'ai pas chier dans le lit, hein. Pas chier dans le lit. Non, c'était en dessous du lit et c'est sûr. J'ai chié dans les toilettes et je me suis torché, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. Mais tu dois avoir un paquet de merde parce que tu es également torché dans les rideaux, donc tu vois, entre les... Vite fait, torche les fesses, quoi. Voilà, j'en vite fait, torche les fesses. En plus, t'as longue grève, frère. Ah ouais, la, il a la, la vraie histoire, c'est que t'avais chié dans les draps du lit, que tu t'étais torché dans les rideaux. Quand tu nous as raconté l'histoire la première fois, c'était ça. Mais si, c'était. Ce que j'ai fait encore. Mais oui, la preuve. Si, mais tu sais que je crois même que j'étais auditeur à ce moment-là, gros. Tu vois, il s'en rappelle. Mais non, t'étais là. Non, je crois que j'étais pas là, gros. Mais t'étais là, gros. Ah ouais? Si, si, si. Bon, moi, j'ai fait un 69 une fois, elle m'a pissé dessus. Le message du gros cultivé. Vous voyez des trucs chelous, il y en a, hein. Bon, mais Azemis, tu te demandes, dégueulasse Cédric, et après, t'as dormi dans le lit? Bah non, c'est quand je partais. Ah, non, mais c'est au début du séjour. Ça me rassure. Ouais, je me roule. Avec toi, tout est possible. Ouais, je me roule dans ma merde. comme un gros cochon. Ah, mais c'est ignoble. Marie, pour les trucs, genre, un peu dégueu. Moi, je voulais te demander, t'as Jacken avec un genre, un mec plus jeune que toi? Ouais. Est-ce qu'il y a genre il y en a déjà un qui t'a appelé maman ou genre tu sais un truc ouais, ça a pas ou quoi, mais j'ai pas vu. Comment tu réagirais, Marie? Il l'a appelé mamie. Ouais, mamie. Il se bloque, mais laisse tomber. Il t'appelle maman, tu dis quoi? Non, mais horrible, mais je bloque. Vas-y, maman, tape bien la vérité. Je te tape bien dedans. Allez, fiston, allez, vas-y, fiston. Mais j'ai un pote qui appelle sa femme maman. Ouais, mais c'est parce qu'elle est. Pour rigoler, pour traquer. Parce qu'elle est maman, elle a fait des gosses, non, c'est ça? Enfin bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est pas très sexy. C'est vrai. Il y a Tigrou qui dit, moi j'en ai marre, je me fais draguer que par des mecs, même des propositions de sus alors que je suis hétéro. Bah écoute, un jour peut-être ça te rendra service, on sait jamais, tu sais. Salut, comme ça. Salut à toi Tigrou. Bon, alors Antoine, tu nous appelais pour rapport à une histoire avec une ex, juste avant qu'on fasse notre trip, juste avant qu'on fasse notre double appel. Non, le double appel c'est fait, le clash de la drague. Ouais. Et ouais, faire le clash. Romano, ouais. Cédric, préparez une nouvelle méthode, on va attaquer parce qu'il est déjà à 11h-10. Cédric, ouais, il va faire la méthode du groom, il m'a dit. Ah, non, je... groom. Parce que t'as fait groom, c'était ce week-end, donc tu nous as dit. Mais j'étais pas à groom ce week-end. Les grooms aux Galeries Lafayette, vous allez là-bas, ils vous suivent avec un chariot habillé en groom. Ouais, voilà. Et vous là, mettez vos affaires, je vous les emmène dans votre voiture. Voiture. Alors, Antoine, explique-nous par rapport à Alex. Eh ben, en fait, si tu veux, j'étais donc avec une meuf depuis un an et demi. Et en fait, on a eu des embrouilles avant, etc. Mais bon, normal. Et en mode, en janvier, si tu veux, comme elle est étudiante à l'étranger, donc c'est une Française qui étudie à l'étranger, ouais. Elle était venue chez moi pour les vacances, etc. Moi, j'étais en télétravail tranquille, posé à la maison. Ouais. Et en fait, elle a découvert qu'il y avait un ticket de caisse d'une cartouche que j'avais acheté en rentrant d'être venue la voir. En fait, elle a croyé que j'avais arrêté de fumer. Je lui avais toujours dit que j'avais arrêté de fumer parce que sinon, ça créait des problèmes.
Pourquoi? Parce qu'elle voulait continuer. Elle voulait pas que tu fumes. Non. Ah non, elle est anti-tabac. Ouais, bah bon, tu vois, moi ça m'énerve. Quelqu'un qui veut régenter ma vie, ça m'énerve. Après, c'est ça rend fou. Ça part pas d'un mauvais sentiment. Exactement, ça part d'un bon sentiment, mais ça m'énerve quand même. Donc elle te surveillait comme ta mère en fait. Ah, et quand t'as 10 ans. Ah, mais pire. Ah, pire. Putain. Mais vous avez quel âge? C'était il y a pas longtemps. T'as 23 là, c'était il y a combien de temps? Ouais, bah c'était en janvier. Ah, ok, ouais. Il y a 5 mois. Ok. Et elle, elle a ton âge ou elle est plus vieille? Elle a mon âge aussi. D'accord. Ça se joue à 2 mois d'écart. Mais quand tu fumais en scred, elle te grillait pas au niveau de l'odeur? Bah en fait, comme j'ai dit, en fait, comme elle est étudiante à l'étranger, ouais, les 3 mois du temps, elle était en France, donc j'étais posé, tu vois. Oui, quand elle venait, t'as arrêté de fumer, quoi. Ouais, je continuais quand même, mais après, je disais, ouais, bah, tu vois, je descends avec des potes, je descends du taf avec des potes, eux, ils fument, moi, je suis à côté, donc forcément, ça sent. Mmh. Et tu vois, elle avait ce doute, quand même, tu vois. Elle me le disait pas trop, mais elle l'avait quand même. Et en mode, quand elle a vu la carte, ça l'a traumatisé à ce point-là, quoi. Je sais pas pourquoi il est traumatisé. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je sais pas, j'ai bouffé un bout de pain de Marie, le truc. Quoi? Mais il était rassis comme tout. J'ai des bouts coincés dans la gorge, je suis en train de m'étouffer. C'est du pain poilane. Écoute, Médeline en mange, elle va très bien. Hein. Arrête de vous donner des trucs comme ça aux chiens. Non, mais je vais donner un petit bout de pain poilane. Tu sais que c'est pas bon le pain pour les chiens. Non, c'est pas bon pour les chiens, le pain. Ah ouais? Bah écoute, elle a eu un petit bout. Bah voilà, bah écoutez. Elle a crevé. Bah c'est tout. Mais non, pas crevé. Non, mais fais attention, il est fragile du ventre, ce chien. Elle me regarde avec plein d'amour, là. Bah oui, elle veut bouffer. Oui, je sais. Pas donner des trucs comme ça aux chiens. Je donne plus bébé. Non, c'est fini. T'as vu, regarde, Romano, ça m'a rendu malade. Ton chat, il a un problème. Mais non, non. Non, mais c'est pas du pain poilade, c'est du pain au poil. Mais là. C'est du pain poilu. Elle s'est trompée. Ah, j'ai pris du pain poilu. C'est du pain poilu. Tiens, le truc, il reste coincé depuis tout à l'heure. Non, mais. Bah, ça te passe, hein. Bon, alors. Non, mais la meuf, donc, elle t'a pété un câble parce qu'elle a découvert que tu fumais encore. Ouais, voilà. Mais... Et bah, elle a tellement pété un câble qu'elle a dit, si t'es capable de mentir pour la club, t'es capable de mentir pour aller voir d'autres meufs, etc. Oh, donc, elle a mis fin à la relation. Non, mais c'est pas une meuf, c'est une relou. Non, mais c'est, oui, bah, donc, une meuf. Non, mais. Ah, oui, t'as raison, c'est pas vraiment une meuf. Mais t'es con. Quelques minutes du clash. Non, mais c'est une relou. Ouais, c'est relou, je suis complètement d'accord. J'ai 23 ans, t'étais chez tes parents il y a pas très 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 longtemps. T'avais plein de règles et là tu sors avec une meuf, elle te met encore plus de règles que. Mais de toute façon, que tes parents. Quand vous êtes connus, tu fumais? Non, j'avais un peu arrêté, si tu veux, parce que c'était une période où je m'étais dit aux F, faut que je me calme, etc. Ouais. Et après, bah du coup, j'ai eu des soucis après au niveau du taf, au niveau de la famille, où il y a eu des trucs qui n'allaient pas forcément bien. En fait, c'est ce qui a engendré que j'ai repris en fait le tabac. Mais j'ai repris sévère parce que je tournais quasiment un paquet de 30 par jour, tu vois. Oui, c'est beaucoup. Ah ouais. Après, bon, dans l'absolu, elle a raison. Oui, mais de là, bon, après, de dire, je te fais pas confiance et non, mais faut le dire. Tu sais, la cigarette, c'est une drogue, tu me casses les couilles avec la clope et tu mélanges tout après. Ça, il se vénère. Il s'est bien à ta place. Tu peux plus lui dire grand chose si c'est terminé, donc bon. Oui. Alors, oui, c'est terminé. T'as calmé sur le même plan le fait de fumer que le fait de faire cocu, ça. Rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, faut lui dire. Ah ouais, faut pas abuser, ouais. Voilà, c'est ça. Et après, je l'ai eu au téléphone, donc on s'appelle très très rarement, parce qu'en fait, si on se parle régulièrement, elle, ça lui donne de l'espoir, etc. Et elle dit, ouais, non, en fait, c'est pas possible. Elle est un peu bipolaire sur ce niveau-là. Ouais. Et moi, je l'ai appelée il y a une semaine. T'es tombé sur une sacrée chiante, dis donc. Elle est où, là, actuellement? Mais c'est drôle, ouais. Putain, elle est en Espagne. Bah, veut pas t'imagines, elle veut pas y rester. Elle arrive à lui casser les couilles de l'Espagne. Ah, qu'elle y reste. Elle a pas un plan taf plus loin. Ah ouais, ouais. Non, mais en fait, elle t'en veut peut-être parce que tu lui as menti. Non, mais la meuf, ouais, c'est bon. T'aurais dû lui dire, je continue de fumer, fais pas chier, quoi. En fait, c'est vrai. Je pense que c'est ça, en fait. Non, mais à la limite, qu'elle te prenne un peu la tête, ok, de là à rompre parce que tu fumes. Alors que bon, de base, t'étais fumeur. Bon, t'avais arrêté une période. Ouais, c'est une excuse de merde. Ouais, tu vois, c'est. Y a Anna qui même dit... à distance, elle te mange. À moins que tu lui aies menti sur autre chose. Elle te mange la tête à distance. Bon, elle a pas supporté tes mentir. C'est le message du J là sur l'appli Skyrock. Y a Anna qui nous laisse un message qui nous dit, moi, mon ex toxique avec qui je suis resté 4 ans. Et ben, j'avais plein d'interdictions avec elle. C'était l'enfer. Tu vois, Anna, elle sortait avec une meuf qui était comme ça, avec plein d'interdictions, et c'est vrai que c'était l'enfer. Ah bah ouais, c'est évident. Ouais, c'est insupportable. Non, puis de mettre sur le même plan le fait de faire cocu que le fait de... Ouais, mais après... Il y a eu des embrouilles avant. En plus, tu vois. Mais l'histoire à distance aussi, peut-être que tu te prends plus la tête, tu vois. Non. Non, mais c'est possible. À distance, tu te prends pas la tête. Non, mais t'es avec une super relou, quoi. Ah ouais, mais t'as vraiment envie de retourner avec, toi, Antoine, est-ce que tu... Bah en fait, tu vois... Je me dis, il y a des phases où je me dis, putain, elle me casse les couilles. Voilà. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, elle me casse les couilles.
Mais quand tu te lèves le matin, tu te dis putain, bah j'espère qu'elle va passer une bonne journée ou j'espère qu'elle a bien dormi, etc. Et le soir, tu te reposes les mêmes questions. Tu vois, c'est qu'il y a un problème quand non, même. Non, mais ça, c'est une question d'habitude, ça. Non, ou alors. Non, mais sinon, ouais, t'es sans doute encore amoureux. D'après ce que ouais, tu dis. Quand t'en, ouais, quand t'es comme ça le matin, t'es un peu tout con en se disant, ah, mais c'est une bonne journée. Non, mais c'est l'amour, ouais. Oui, là, mais ça, c'était ouais. Juste amoureux, là, mais. T'imagines, elle t'a cassé les couilles à plus de 1000 km. Imagine à un mètre de toi. Message El Porto. C'est pas faux. Et attends, il y a Taz du 87 qui comprend comment elle a réagi, ta meuf. Il dit, moi, si j'apprends que ma femme, elle fume, c'est pareil, je divorce direct. Vous êtes grave. Pour une cigarette. Vous divorcez. Ben, divorce, c'est pour ça. Bah oui, comme mais en vrai, quand elle était juste à côté de moi, ça se passait mieux. C'est quoi cette voix que t'as, gros? Bah ouais, mais. Mais c'est normal que ça se passe mieux parce que. T'as mangé du pain poilu, ce mari? Oh, divorcé, bonsoir. Non, mais là, comme elle est loin, forcément, elle chipote surtout parce qu'elle se pose des questions et tout ça. Elle se dit, ouais, ah, mais vas-y, mais qu'elle casse pas les couilles au bout d'un moment. S'il ment sur la cigarette, il va me mentir sur autre chose. Mais tiens, bon, à la limite, ça sera à lui dire, mais tiens, même si t'es sur place. T'es tellement chiante que je suis obligé de te mentir, tu me manges la tête, je peux pas m'arrêter de fumer, voilà. Non, mais puis ça, c'est un non-argument, c'est sûr, c'est comment. C'est ça, un non-argument. Ouais, bon, c'est bien un truc de meuf, ça, mais bon. Allez. On n'est pas foutu pareil. Non, mais tu vois, c'est un non-argument, le truc, c'est, même, moi, je pars du principe, même si tu vis avec la meuf, si t'as envie de la faire cocu, tu la feras cocu, donc qu'elle soit à 1000 km, à 10 000, ou je ne sais où, Non, mais c'est sûr, mais. Il faudrait que t'arrives à lui faire comprendre que bon, et puis, oui, alors, ok, moi, je dirais, bon, écoute, oui, j'ai compris, je sais, fumer, c'est pas bien, mais, pour le moment, voilà. Toi, du coup, t'en es où avec le tabac, là? Le tabac, je réduis progressivement et je passe sur de la clope électronique à 0 mg de nicotine. Oui, mais bon, elle te fera chier parce qu'elle te dira encore, oui, mais c'est vrai, t'as une cigarette. Oui, oui. Oui, bon, après, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour elle. Ah, bah oui, clairement. Non, mais là, t'arrêtes pour toi, ouais, tu le fais. Quoi, ah, bon. J'arrête pour moi parce que ça commence à coûter trop cher. Ouais, et puis bon, et puis la santé. Non, mais oui, il vaut mieux arrêter. Ça n'a pas de prix. Exactement. Les anti-tabac, allez vous faire enculer. Voilà ce que j'ai à dire. Message de Boucha, 18 ans. Salut à toi, Boucha. Boucha est vénère. Ah, GG, je vais lire son message parce que il me met un peu au défi. C'est pas pour une cigarette, Romano, c'est sur le mensonge. Ben oui, la vérité, c'est pas ton truc. Tu le diras pas à l'antenne, on sait. Bah ben, tu vois, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Là, je l'ai lu ton message. J'attends. Ah voilà, maintenant, Tiens, deux messages. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Message de Venom, message de Jacquerie également. Je sais pas, moi je... Moi, je sais que tu me demanderais personnellement, tu te sentirais avec une meuf comme ça, moi je te dirais, oh là, c'est mon ex, et ben elle va le rester. Parce que. Ah, mais tu vois, il y avait que sur ça qu'elle me cassait les couilles. Non, mais le reste, en fait, il y avait pas dit, de problème. Tu nous as dit juste avant, il y avait eu des prises de tête avant aussi, etc. Oui, bon, ouais, mais les prises de tête, c'était moi le fautif, en vrai. Attends, à côté de ça, 5 mois que vous êtes ensemble, vous vous êtes vus combien de fois, là, en 5 mois? En 5 mois, bah, du coup, on s'est pas vus parce que depuis la séparation? En plus. Ah oui, ah, bon, ça fait 5 mois, mais vous êtes restés combien de temps ensemble? Ça faisait un an et demi. D'accord, ok. Ouais, donc t'as le temps de t'attacher. Ouais, après, ce qu'elle te demande, c'est comme si tu demandais, je sais pas, Marie, tu sors avec un mec, et le mec, il te dit, il te prend la tête parce que tu fais des apéros et tu bois de la bière. Bon, le mec, c'est fini direct. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr direct. Ah, mais c'est sûr qu'on me prenne pas la tête. Mais s'il dit pour ta santé, Marie, parce qu'il a raison. J'en ai rien à foutre, bien sûr qu'il a raison, mais on me prend pas la tête. Mais je vais me galber la gueule, moi, je m'en bats. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est casse-couille. Je vais boire des canons et manger du calendos dans ma ZAD. Ouais, mais Marie, et manger du pain poilu. Mais Marie, c'est bon, mon calendos. Mais s'il dit genre, ouais, non, mais tu peux boire de temps en temps, y a pas de souci, je comprends. Mais tous les jours, t'es galbé, il te dit, c'est trop, tu vois. Mais je suis pas tous les jours galbé. Ah, déjà bah, un peu, là. Ah, putain, la meuf qui a. Balté. De toute façon, je le vois pas tous les jours. On va pas te. Non, mais ouais, c'est pareil. Donc, tu vois, il y a un mec qui sort avec toi, Marie, s'il commence à te casser les couilles comme ça, toi, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Donc, toi, t'es comme moi, par rapport à. Ah oui, non, mais de toute façon, si on me dit de pas faire un truc, je vais faire l'inverse. Qu'est-ce que tu veux faire, Antoine, toi, par rapport à ta meuf, là? Eh ben, justement, en fait, je suis un peu perdu dans le sens où, quand je l'ai appelé la semaine dernière, même elle, de son côté, elle me dit, en fait, j'arrive pas à t'oublier, j'étais en tête H24. Bah, dis-lui, ouais, à ce moment-là. Non, mais tu vois, à ce moment-là, comme elle est dans un moment de faiblesse, où elle démontre une petite faiblesse, genre, elle est amoureuse de toi, tu lui dis, ouais, mais t'imagines quand même que tu m'as cassé les couilles pour, on s'est séparés pour des cigarettes. Ouais, si tu m'aimes, c'est juste ça qui nous sépare, quoi. T'imagines, on s'est pris la tête pour des cigarettes. Et là, elle va dire, rien, mais si tu m'as menti pour ça, mais tu. Bah, tu vas dire, justement, parce là, que tu m'as pris la tête. Voilà, c'est ça, Marie, bien. Bah, je lui ai dit que si j'avais menti, c'était justement pour éviter qu'on se prenne la tête en permanence, en fait. Mais ouais, moi, d'après comme tu l'as décrit, avec tout le respect que je lui dois et que je te dois, toi également, je pense que c'est une emmerdeuse de première. Voilà, ça, moi aussi. Et, non, mais, là, elle t'a pris la
tête pour le tabac. Et demain, si t'arrêtes de fumer, elle te trouvera un autre truc pour te casser les couilles. En fait, elle est née pour te casser les burnes. Non, mais là, mais tu sais, il y a des meufs comme ça. Non, mais il y a des meufs, tu sais, en fait. Ou des mecs, hein, parce que tout à l'heure, c'était un mec qui divorçait. Non, mais il y en a, tu sais, c'est tout le temps trouver un truc pour casser les couilles à l'autre. C'est. Tu sais, on en a déjà eu à l'antenne. Aujourd'hui, c'est le tabac. Demain, j'en sais rien. Ça sera autre chose. Ouais, tu vas en faire plus, elle est loin de toi. Tu vas faire de la voiture. Je sais pas, elle va dire, tu roules trop vite. Elle va te prendre la tête pour ça. T'auras pas rangé une chaussette. Elle va te péter les couilles. En fait, il y a des gens, ils sont nés pour faire chier les autres. Et pas de bol, t'es tombé dessus. Il est abonné. Non, mais pas de bol, t'es tombé amoureuse d'elle. Surtout. Ouais, ouais, non, mais tu vois, c'est. Mais moi, je pense que, voilà. Bon, c'est que mon avis, hein. Bon, vous êtes comme tu l'as décrit, tu sais, en fait, à chaque fois, elle prend la tête sur un truc. Bon, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était chiant ou chiante. Allez-y, témoignez, dites-nous, hein, quelqu'un qui vous interdisait des trucs. Vous pouvez nous raconter pour nous expliquer comment ça s'est passé, comment vous avez géré l'histoire. Et il y en a plein qui sont d'accord avec toi. Guépard Volant qui dit exactement d'accord avec Romano. Message de Mikama Sutra. Oui, non, là, y a tous les j'adore l'analyse de Romano. Lucus Danus, 22 ans. Romano a raison. Il y a des meufs qui sont comme ça. Elles ont besoin de gueuler. Etc. Il y a plein de messages comme ça. Je sais pas, tu bois par exemple un peu? Oula. Ouais, de temps en temps. Ouais. Bah ça, je te dis. C'est la prochaine étape. Ouais, ça. Non, tu vas arrêter de fumer, va te faire chier. Tu vas faire une soirée. Bah tu bois trop. Peut-être qu'elle boit. Chier. Non, mais elle estorpille plus que moi, donc. Ah bon, pas... bah, fais la chier. Ça. Ou alors elle va. Ouais, bah, dis-lui, tiens. Tu vois, tu lui dis. C'est pas con. Bon, toi, tu me fais chier avec la cigarette, mais toi, t'es une vraie soularde, donc arrête de boire. Vas-y, on fait un pack. C'est pour les boîtes de nuit, parce que tu vois, en Espagne, les gars en boîte de nuit, ils sont pas là pour enfiler des perles. Oui, bah en France non plus. Hein, partout, ouais, bah nulle part. Hein, tu disais tout à l'heure que tu vas en boîte, c'est des perles partout, hein, gars. T'enfiles pas des perles, t'enfiles des meufs quand tu peux. Enfin, tu cherches à en enfiler en tout cas. Ouais. Mais, non, oui. mais dis-lui. Après, t'as l'air d'être assez soumis hein, quand même par rapport à elle. Hein. Ah, bah là, 5 mois, t'es toujours attaché. Ouais, c'est en fait c'est ça le truc, c'est que en vrai hors histoire du tabac, elle me cassait les couilles pour rien d'autre. Tu vois, c'est ça qui était bien. Mais depuis 5 mois, là, t'as rebaisé une nana ou pas, ou t'as rien fait? Ah non, moi je suis là. Franchement, je me concentre avec mes rassemblements de voitures le vendredi soir, avec mon taf la semaine et mon taf la nuit de semaine. Voilà. Ouais, donc t'es assez pris, toi. Ouais, t'as des trucs. Non, mais tu vas mais voir. C'est pour ça aussi. C'est pour ça, parce que t'as un vide. Ouais. Non, mais tu vas vivre avec elle. Tes rendez-vous de bagnole, bah, je peux te dire, tu peux leur dire adieu. Parce qu'elle te fera chier, elle te dira, regarde, le vendredi soir, le seul jour où on peut être ensemble. Mais ouais. Ah bah, t'es pas là, t'es avec tes bagnoles de merde. Connard. En train de fumer des clopes. Il y a Crazy Rabbit qui nous dit, tu as raison, Romano, avec mon ex, ça a commencé par la clope. Après, c'était me couper les cheveux. Ça finit pour s'embrouiller à propos des courses. Etc, etc, etc. Non, mais par contre, l'idée d'Ifoul, elle est pas mal, moi, je trouve. Vu qu'elle se torpille un peu la tronche à la tisse, tu lui dis, ouais, vas-y, moi, je te casse pas les couilles quand tu vas en boîte là-bas, on essaie de te la coller. Ouais, que tu te la colles et qu'il y a des mecs qui viennent te faire. Espèce de poivrotte, ouais. Espèce de mari, tiens. C'est quoi, c'est une nouvelle insulte? C'est quoi ce bordel? Je préfère quand vous parlez de mon mucus. Ah bah, ok, non, bon bah alors. Okay. Absolument pas. Il y a le man du 34, moi mon gars fume le shit tous les jours, il ne fait pas d'effort pour diminuer. Et lui, il me prend la tête parce que je prends l'apéro le samedi. Voilà, bah, tu prends ton apéro et puis voilà. Toi, t'es tombé sur un relou. Ça va être sympa chez vous. Le man du 34, là. Bon, mais faites plutôt les deux ensemble. Non, mais essayez. Fumez du shit et buvez. Essaye. C'est la teuf. Les conseils de Marie. Genre. Deviens drogué et lui qu'il devienne alcoolique. Avec tes conseils de merde. Quel beau couple. Non, mais fais peut-être une mise au point avec elle, Antoine. Toi, tu discutes et tu lui expliques que vous êtes quand même séparés pour une histoire de clope parce qu'elle t'a cassé les couilles. Donc, ah, elle est censée revenir du coup pour ces vacances-là. Si tu la vois. Elle est censée revenir d'ici un mois. Enfin, mais faites-la en face à face, justement, c'est bien, tu vois, plutôt que de le faire au téléphone ou, et prends le ou dessus. À distance. Ah, ouais. En plus, c'est chelou, vous appelez quasiment plus et tout. C'est... Non, mais voilà, dans un mois, ouais, tu vois. C'est pareil. Tu vois, en face à face, c'est mieux que de le faire à distance. Essaye de voir comme ça, et puis si vous avez des conseils pour Antoine, vous êtes tombé sur un super relou, une super relou, on attend vos témoignages. On en reparle avant minuit. Bouge pas, Antoine, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock et tu nous fais signe. Merci beaucoup. Pour JL, tiens, JL qui dit le clash est passé, maintenant le clash c'est maintenant, c'est parti. Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric, quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Eh ouais, ils sont là et on va découvrir les méthodes du clash de soir. Le clash en direct à, oula, 11h06 déjà. Un clash en nocturne.
avec Cédric. Ouais. Et ta méthode, Cédric? Ben moi, je prépare le 14 juillet, là, en avance. Je viens faire les. Ah ouais, t'es bien en avance, ouais. Ah ouais, c'est clair. Comme, bah ouais, prépare Noël, ton petit. Est. Bah non, c'est dans deux semaines. Non, par contre, après-demain, je ferai le 15 août. Ouais, non, c'est dans trois semaines quasiment, là. Ouais. Ça va, c'est à côté, c'est bientôt. C'est à côté. Oui, c'est à côté, quoi. Oui, bon, admettons. Alors, admettons. Je prépare le 14 juillet, là, le feu d'artifice. Ah, il n'y en a pas. Cette année, ils ne vont pas en faire. Si, si, bon. Non, non, il y a 80% des villes qui ne font pas de feu d'artifice à cause des feux et tout ça. Bah, écoutez, à Paris. D'ailleurs, on en parlait. Non, non, ils vont pas y faire. Et les barbecues aussi, il va y avoir. Non, non, mais alors, on nous disait là tout à l'heure, justement, on en parlait en début d'émission, les feux, les alertes. En Gironde, a priori, les barbecues sont déjà interdits. Ouais, c'est interdit. Moi, je vais faire le feu d'artifice. Non, mais il n'y a pas de feu d'artifice. Si, si, je vais faire le feu d'artifice. Il faut pas le faire cette année. Non, mais c'est fini, maintenant, c'est les drones qui font. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Feu d'artifice. Ouais, voilà. Oui, ok, Marie. Bah, putain, Marie qui arrive. Oui, viens de le dire. Viens de le dire, Marie. T'as pas entendu? Ah non, je pas entendu. Ah non, je ne l'écoute pas. J'écoute une autre radio, moi. Actuellement, je suis au France Culture. Ah ouais, bah ça te fait pas de mal, tiens. Hey. Alors, oui. Jules du 02 adore ta méthode, Cédric. Merci. Merci, Jules. Regarde son petit message qu'il a envoyé là. Cédric, vraiment de pire en pire tes méthodes, sac à main. Romano, à toi. Je t'embrasse, Jules. Bah, je pense pas que lui te retourne le bisou. Alors, moi là, je fais un concours de pêche là demain. Ouais. Et j'aimerais m'entraîner parce que j'ai entendu dire qu'il y avait du thon et de la morue à pêcher dans la famille. Mm-hmm. Et donc j'aimerais venir tester un peu mes nouvelles cannes à pêche pour partir à la pêche demain, quoi. Eh bien, c'est parti, c'est l'heure du clash. On appelle des numéros prêts au hasard dans tous les annuaires de France. Ça doit plaire à Samy. Samy il pêche. Ah, j'adore la pêche. Ah, oh, Marseille, on pêche des. Mais des nous, il y a pas trop de morue à Marseille. Comme des baleines. Ah ouais. Des gros thons on pêche. Ouais. Allô, Guillaume. Allô, Guillaume. Oui, allô, bonjour, Guigui. Oui, c'est Guigui. Arrête. Allô, c'est Guillaume. Oui, je suis occupé. Allô, Guillaume, prends le téléphone. Mais tu fous l'arrête. Il est occupé. Bah ouais, il est occupé, putain. Ah, s'il te plaît, Guillaume, parle à notre pote, il prépare le nouvel an. Connard. Oh là. T'es vraiment une salope, comme ça tu fais les trucs en avance. Tu non, dirais, mais gros, je les fais en avance d'une semaine. Non, deux s'il semaines. S'il te plaît, mais c'est trois semaines, gros. Le... Alors, c'est pas grave. On est encore au mois de juin. Tiens, Christophe. Allô. Oui. Ouais, bonsoir, Christophe, il est là. Non, mais qui fait cette blague là? C'est quoi cette histoire? C'est de la part de Michel. Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure c'était Daniel pour me parler, maintenant c'est Christophe. Ah, moi je connais pas Daniel et je connais pas Christophe, là c'est Michel. Oui, c'est ça. Okay. Mais je peux lui parler ou pas? Non, c'est pas possible. Vous pouvez parler. Non, parce que je voulais préparer le feu d'artifice là pour le 14 juillet. Écoutez, on travaille, on est fatigué. Bah, moi aussi je travaille. Merci, au revoir. Non, mais je peux venir à la maison? T'as l'air en dépression, ma belle. En te parlant, ouais. Mais c'est quoi ton métier? Artificier. C'est bien. Artificier, dit. Ouais, mais pour le jeu de mots, oui, je veux dire artificier. Ah, c'est bien. Bon, c'est. Merci. Ah ouais, pas con, merci. Premier tour. Ouais, bah, Christophe, je sais pas. Bah, oui. Gilles. Allô, allô, Gilles? Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? Oui, je connais pas qui c'est, monsieur. Bah, si, c'est Jean-Louis à l'appareil, là, j'habite dans le quartier. Et demain, là, je sais pas si t'as vu, il y a un concours de pêche, là, je vais faire le concours de pêche. La pêche, tu vois ce que c'est, la canne à pêche, tout ça? Oui, mais là, je... Là, non, mais je vois très bien. Ta femme est là? Allô? Gilles? Ah, t'es parano, le mec. Pourquoi il était parano, tu un dis? Peu, le mec. Vous connaissez pas, vous connaissez pas. Bon, vous avez fait un premier tour de chauffe. Alors, on va dire comme allez. Ça, un tour de chauffe. Alors, maintenant, on y va, mais alors, sérieux, Cédric, attention, deuxième tour. Ah, t'inquiète, on voit. Deuxième tour, deuxième famille. Allez. Effectivement, c'est Nilevi 78, échec, ECHEC pour les deux. Allô? Julie. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Julie? Oui. Comment ça va, ma belle Julie? Attends. Ouais, j'attends, vas-y. Attends. Merde. J'attends quoi? Allô? Allô? Ouais, tu m'entends mieux? Oui, c'est qui? Bah, c'est Michel, le voisin, l'artificier. Je connais pas de Michel, moi. Bah, c'est moi, je suis un de tes voisins. Bah, je t'appelais parce que là, je voulais préparer le 14 juillet, là. Je voulais préparer le feu d'artifice. Ouais. Et je voulais m'occuper de tes fesses, justement. C'est un peu vulgaire, hein. Ah, c'est vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, c'est pas entre voisins. Un peu d'intimité, quoi, un peu de proximité. Ah bah non, je sais pas, en plus je te connais pas, toi Michel, alors... Bah justement, on va faire connaissance, ma belle. Mmh. Moi, je vais venir là tout de suite à la maison, je fais connaissance avec toi, et si le courant passe bien, on fait péter le feu d'artifice, quoi. Non, mais je vois pas quitter, par contre, c'est ça qui m'intrigue. Bah, 1m80, beau gosse, les yeux bleus, musclé, sportif. Bah, du coup, t'as pas besoin d'appeler des voisines pour Ken, quoi. Ah non, mais je vais venir te voir, toi.
Ouais. Ah, c'est toi, moi, qui m'intéresse. Je te vois passer de temps en temps, ma belle. Je peux te dire que t'es sacrément charmante. T'as autre chose à me proposer, sinon ? Bah, on peut boire un verre chez toi en même temps, hein. Avant de faire ça. Bon, d'accord. Bon, ben non, ça, personnellement, ça m'intéresse pas. Bah, j'arrive tout de suite, de toute façon. Je t'en prie, viens, tu seras bien, bien reçu. Allez, merci, à tout de suite. Bisous, j'arrive tout de suite. Y'a ton mec que j'arrive. Il est là, ton mec ? À tout de suite. Ton mec, il est là ? Mais tu verras bien quand tu viendras. Bah, dis-lui que je vais lui faire l'amour, à lui aussi. Pas de problème. Prépare tes fesses derrière. Ouais, pas de souci. C'est bon, il a entendu ? Mais y'a pas de problème, viens. Ah, j'arrive tout de suite, mon cœur, à tout de suite, bisous. Ouais. Bisous. Ah, pas mal, Cédric. Et voilà. C'est une invitation presque sérage. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, sérage. Ouais, non, ouais, c'est sérage. Pas trop, là. Non, mais si, c'est pas mal. Je lui c'est pas. Oui, non, mais tu l'as dit, mais elle a pas non plus validé. Elle a pas dit non. Oui, mais elle a pas dit oui non plus. Elle a pas dit non. Elle a dit pas de problème, ça ressemble à ça. Pas de problème, c'est. Pas de problème, ça, il y a peu con, soit l'arbitre. L'arbitre est objectif comme à chaque clash de la drague. Il y a peu con, soit l'arbitre. Mais il est génial. Alors, bien joué, Cédric. Merci, très bon arbitre. On y est arrivé. Et on passe à toi, Romano, pour ton deuxième tour. Pourquoi tu ris ? Non, parce que c'est un bâtard, Colonel Charlie. Pourquoi ? Vous êtes sur la messagerie du 02. Là, il dit, c'est pour Cédric, hein. Tu rends mal à l'aise avec ta blague artifice. J'ai des frissons. Je suis à deux doigts de couper la radio tellement je suis mal. Ah, il va coupe pas. Ça me fera des vacances, tiens. Allô ? Patrick. Allô, Patrick ? Ouais, c'est qui ? C'est Jean-Louis, là, pareil. Jean-Louis qui ? Jean-Louis, Jean-Louis Sgeg, du village. Dis-moi, là, je sais pas si t'as vu les affiches, il y a un concours de pêche, là, dans les jours qui arrivent. Ah, ah putain, mais... Il aime pas la pêche. Putain, mais... Non, mais il aime pas la pêche, il aime pas la pêche. Ah, pas mal, pêche, P-E-C-H. Oh là là là. Ouais, bon, échec, E-C-H. C'est mieux. Je dirais même, je suis nul, N-U-L. Ouais, je t'ai foncé. Mais c'est pas fini. Ah non, bah, ouais, bah là, si l'appel il est fini. Ah, il a raccroché, oui. Non, mais t'auras un troisième. Allô tour. Allô Cédric, à toi. Oui. Ouais, Olivier ? Oui. Comment ça va, Olive ? Mais c'est qui ? Bah, c'est Michel, le voisin. L'artificier, tu connais ? Le comment, là ? L'artificier. Je prépare le feu d'artifice, là, pour le 14 juillet, t'es au courant ? Non, non. Bah, justement, je voulais venir voir tes petites fesses ce soir, pour préparer ça pour le 14 juillet. Non, mais je crois que vous faites erreur, là. Bah, c'est bien Olive. Oui, je vous passe Fanny. Allô ? Ouais, allô Fanny ? Oui ? Comment ça va ? Mais je veux savoir qui est à l'appareil. C'est Michel, le voisin, je t'entraîne voir avec Olivier là, parce que je voulais venir voir préparer le feu d'artifice là pour le 14 juillet. Et je voulais venir voir tes fesses justement. Ouais, super, merci beaucoup. Mais hein. Je peux venir bonne à la soirée. Maison. Par contre, ça serait bien que vous arrêtiez d'appeler parce qu'on a des enfants nous à la maison, merci beaucoup. Non mais laisse les gosses dormir, j'arrive hein. Allô. Oh l'artifice. Ouais j'aime bien mon c'est jeu vrai de mots. Que je crois que moi j'ai peut-être coupé aussi. Moi j'aime bien le petit jeu de mots. J'ai baissé mon casque un peu. C'est l'artificier. Oui, ouais. Ça va Marie, on a compris. Alors vive Romano. Bon, Cédric dit malaise. M-A-L-A-I-S-E. Non ça va. Salut Tim Romano. Alors troisième tour Romano. Déjà le troisième tour. Essaye de faire quelque chose déjà. Bah j'essaye. Moi j'ai un serrage. Hein. Non, t'as eu tout au plus une invitation. Non, un serrage. Ouais, des protestations de la team Romano. Hein. Je vois le mucus de la Marie, team Romano. L'arbitre a des problèmes d'audition. Allô, allô, Bruno ? Bruno. C'est quoi les familles que tu me passes, toi aussi ? Je vais te niquer ta race. Tu as niqué personne. Bruno ! Il est fou, ce mec. Allô, Bruno ? Je peux finir de lire le message du mucus oui, bah, de la Marie. Façon, a priori, l'arbitre a des problèmes d'audition, ce soir. Où il a entendu le serrage de Cédric ? Il y a invitation, tout au plus. Ah non, mais tour. Ça, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi, le mucus. De toute façon, l'arbitre, pour la prochaine saison, je suis en train d'en recruter. Hein. Ah ouais, tu recrutes ? Je viendrai avec ma propre équipe d'arbitrage. Carrément. Alors, Romanois, toi, toujours. Alain. Allô, Alain ? Allô Alain ? Mais c'est quoi ces familles ? Fais quelque chose. Allô ? Ah, allô ? Hervé. Allô, c'est la femme d'Hervé ? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Vous êtes qui ? Un copain d'Hervé, tu peux me le passer s'il te plaît ? c'est pour le concours de pêche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Sur l'autre fois, j'ai eu Hervé, il m'a dit qu'il y avait une bonne morue à la maison, ce serait pas toi des fois ? Allez, j'y vais. Attends. Allô ? Allô, ouais, je me suis dit ouais, mais là, t'as Hervé. La merde. Allô Hervé.
Ah, il est parti. Ah, non. Non, mais j'ai tenté tout pour le tout, je la sentais très moyenne dès le départ. Mouru, Il est parti. Ah, oui, il est parti. Putain, merdique, ça, t'as bien raison, malfaiteur. M-E-R-D-I-Q-E. Putain, les appels, mais c'est Guigui là aussi, parce que des vieilles familles. Je suis pour rien, frérot. Est-ce qu'on peut... fait le casting? Je suis pour rien, moi. C'est pas toi, Guillaume Manu? Oh. Ça, c'est moi, tu m'as reconnu. C'est Guillaume Manu. Tu m'as reconnu, c'est Guillaume Manu. Moi, je suis Marie Mécu. Non, non, foutez-vous la... foutez-moi la chacun paix. Son boulot, chacun foutez-vous son boulot. La paix. Ah, il a plus à parler, il finit plus les phrases. Ah, ouais, c'est clair. Foutez. Ah, ouais. Moi, la est-ce paix. Que vous pouvez fouter. Elle terminera à minuit en disant fou. Je ferai que le début de la phrase. Bah, non, mais c'est ça. Bon, est-ce qu'on peut faire le. Pas me fou. Le tour de la mort. Ouais, vas-y. Allez, le tour de la mort. Moi, je suis déjà en plaquage de la mort, moi. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Le tour de la mort peut tout changer. Cédric, à toi. Allez, vas-y, on voit. C'est le tour de la mort. Ça veut dire que ça répond pas. Faut qu'il le foire, ça répond pas. Allez, Cédric. Hein. C'est toi, là, Cédric. Ouais, je sais, mais pour le prochain, faut qu'il le foire. Hein. Allez, la famille, répondez. Non, mais les gars, votre casting, moi, je vous dis. Hein. Allô, Marc. Allô, oui. Ouais, bonsoir, Marc. Non, Marc n'est toujours pas rentré. Je pense qu'il rentrera vraiment très tard. Je peux prendre un message? C'est Michel, le voisin, l'artificier, là. J'ai appelé pour le 14 juillet. Putain, lui, avec ses blagues, c'est... j'en peux plus. Allô? Oui. Ouais. Oui. Le 14 juillet, vous en avez parlé avec lui parce que je suis au courant de rien. Bah ouais, j'en ai parlé avec lui, justement. Vous voulez faire la fête à tes fesses et il m'avait dit, passe à la maison ce soir, quoi. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est une bonne blague, ça. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Est-ce j'adore. Que tu veux que je vienne tout de suite ou que j'attende que Marc rentre? Vous pouvez rappeler vers minuit et demi, ça va être super en plus. Ouais, hein, c'est un peu tard, minuit et demi. Bon, allez. Allô. Elle a adoré ta blague, Cédric. Elle a bien aimé. Cédric, je viens d'avoir un appel et chanson te veut. Oh, ah. Merde. Allez, c'est le mercato. C'est la période des transferts. Ils traînent plus là, ça. Ils veulent la blague de l'art. Parce qu'au niveau des blagues, tous les jours, ils la veulent, tout le temps. Ça y est. Gros salaire. Allez, sois pas jaloux parce que c'est pas ta Skyrock est sauvé. Bon, Romano, le tour de la mort. Bon, tour. Allez, ouais, allez, ouais. C'est là que tout joue. Hein. Là, il faut serrer, Romano. Ouais, mais il faut serrer. T'as vu aussi ce qu'on me donne? Bah, des familles. Donnez-moi du caviar. Des familles. Allez, c'est parti. Donc, ça répond. Et puis, si ça répond pas, ça répond pas. Et après, vous pourrez voter. Si c'est dans la lignée de mon clash, ça va pas répondre comme ça. Je sais jamais, il peut y avoir des rebondissements. C'est le tour de la mort. C'est ching comme ça. Ouais, ouais. Hey. Non, mais je te dis, c'est pas mon jour. Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Pour l'instant, ça répond pas. T'as la loose. Ah oui, il est complet là. Loose, L-O-O-S-E. Allô? Bonjour. Voilà. Vous êtes bien sur le répondeur. Eh bien, écoute. Je ne suis pas disponible actuellement. Mais laissez-moi un message. Je vous rappellerai. En plus, je suis sacrément déçu de ne pas lui avoir parlé à lui. Non, ce que tu fais. Tu veux lui laisser un message peut-être? Philippe, j'ai éventuellement des médicaments. Voilà. Ça sera pour les conseils pas chers de demain matin. Bah, tu vois, pourquoi pas, je peux rendre service. Je suis le docteur Romano. N'hésitez pas à me contacter. Allez, rendez-vous avec moi sur Doctolib. Allô? Allô? Oui. Ah, bonjour madame. Bonjour. Excusez-nous, on était sur votre répondeur. Ça a fini par répondre. Voilà. Comment allez-vous? Qui est à l'appareil? C'est un pêcheur à l'appareil. Et on m'a dit que il y avait du petit thon à venir pêcher et de la petite morue. Ce serait pas toi, coquine? Oh. Si ça vous amuse, appelez un autre numéro et passez la soirée avec vos conneries. Écoutez, madame, je peux passer vous voir directement. On pourra peut-être faire l'amour tous les deux. Oh là là, quel programme! Ah bah voilà, tu vois. Donc je passe dans 10 minutes, j'amène une petite bouteille, on se détend, tout ça, et on finit au lit tous les deux, comme des foufous. Vous avez beaucoup d'argent? Pourquoi vous êtes... Moi, je le connais, il en a beaucoup. Ah, il est plâtré. Vous êtes escort girl? Bon, j'ai un petit peu d'argent. Allez, J'arrive. Je vous souhaite bonne nuit. À tout de suite, madame. Ça, c'était une escort girl. Ouais, et ouais, ça c'est con que ce soit pas trop. Oh là là, je suis déçu. Oh effectivement, un gros problème de casting. Ah, ouais. C'est à moi qu'il fallait l'envoyer, l'escort. Non, c'est raté. Bon, voilà, bah, écoute, mille E. Il va falloir que je trouve un truc à dire. Alors, qu'on commence par Cédric.
T'as une déclaration, Cédric. Ah, mais c'est à Romano de faire sa déclaration en premier. Si tu veux. Bon, bah écoutez, mes amours, ce soir, comme vous avez pu le constater, les familles, un casting qui laissait un petit peu à désirer, je mets ça sur le compte de la chaleur, parce que Guigui Anu et son collègue Cédric ont été pas très très bons. Moi, j'ai besoin de caviar pour exercer mon art du clash de la drague. Essayons de sauver les meubles et pourquoi pas gagner ce soir. Ne l'oubliez jamais, mes amours. Quand il fait beau, quand il fait chaud, ça vaut Romano. Ouais. Cédric, t'as finalement pas fait grand chose. Non, ça, je n'ai même pas fait rien. R-I-E-N. Ah, si, si, j'ai fait quelque chose. R-I-E-N. Alors. Si, si, la famille. Bon, mon adversaire, comme il l'a dit soir, il n'a strictement rien fait. Il a été mauvais. Et moi, de mon côté, la famille. Je me suis mis à ton niveau, tu vois. Ouais, bah écoute, j'étais un petit peu au-dessus de toi, puisque moi, j'ai fait un petit serrage. Un peu seulement. Vous voyez, donc on peut Julie, gagner, mes amours. Même j'ai serré Julie. Julie, je vais aller lui faire l'amour à elle, à son mari. Pour ça, la famille. Les pauvres. N'hésitez pas à voter Cédric. C'est eux dérissés. On peut le niquer encore ce soir, la famille, en votant Cédric. C'est eux dérissés. C'est le vote à faire ce soir. Bah, sauvons la famille chez qui il doit aller, voter Romano. Quel rapport. Épargnons Julie et son mari d'un truc atroce. Votez Romano. Elle est larguée, là. Atroce. Bon, elle est jouée d'avance. Ça vote déjà. Facile la victoire pour Cédric, nous dit Cédric Lastreet. Merci. Attention, parce que Brian vote pour Romano. Salut à toi, Brian. Lolo, oui, vote pour Romano également. Oh, ah, bah allez, votez Romano, mes amours, ça fait plaisir. On la mérite, cette victoire. Comme dirait Cédric, j'ai été victime d'un sabotage au niveau du casting. T'as été nul, c'est tout. Double serrage pour Cédric, nous dit Lila, je vote pour lui. Double serrage pour le joli Cédric. Merci. Durex, il vote pour toi, je vote pour le pêcheur fou. Message de JL. Même sans serrage, Kevin vote Romano. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Les votes pendant 5 minutes, très vite. Il est quoi, 23h23 pile. Bon, on va aller jusqu'à 23h28. Dépêchez-vous. Oui. Ça vote, on vous donne les résultats. Puis dans un instant, on ira faire un tour à Sao Paulo, au Brésil. Brésil. Oh là. Ah, j'espère que. Ah, jamais fait le Brésil. Ah, j'espère que c'est une femme à bite. Ah, bah, Cédric n'y va jamais parce que si tu vas au Brésil, tu ne reviens pas, toi. Ah, ouais, tu vas être heureux, gros. Ah, bah, connaissant ton addiction aux femmes à bite, tu vas. Rien à voir. Ah, non, mais tu vas être. Tu seras servi là-bas. Comme un ouf. Comme un ouf. Donc, on va retrouver Romain, il va peut-être nous parler de ça, d'ailleurs, les transsexuels du Brésil. On va revenir au road trip également avec Pavel qui va nous parler du Mexique. Salut, Mexico. Salut, Sao Paulo. Salut, le Mexique. Salut, Romain. Salut, Pavel. Salut, c'est cool. Salut. Et on ira faire la team. Vous m'entendez? La team va bien. Et toi, comment ça va? Bah super. Oh quand, mais imagine même pas, je t'écoute depuis les années 2000. Eh ben voilà, un fidèle. C'est qui? C'est le Mexicain ou le Brésilien? C'est le Mexicain, le Brésilien. Au Brésil, hein? Brésil, football. Au Brésil, à Sao Paulo. Bon, tu bouges pas, Romain. On revient avec toi en direct du Brésil. Donc, Pavel, on te retrouve pour parler du Mexique. On parlera également des junkies. Vous aimez les junkies? Vous aimez la drogue? Ah ouais? Ouais, ben tes collègues, Marie. On aura chance. Oh. On a plein d'amis à toi, la Marie, qui arrive. Quoi, là? Vous voulez pas, ben fou? Hein? Et on ira en Jamaïque aussi. Ah ouais, putain, ouais, un voyage international. Un petit tour du monde. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour les meufs là-bas dans tous ces pays. Bon, on va revenir avec vous en direct. Est-ce que vous pourriez vivre sans vous branler? Romano. J'ai amené ma garde-robe là. Marie. Enfin, moi, c'est l'excitation. Cédric. J'organise une dégustation de moules. Samy. Imagine ton cœur, il s'arrête. Fin... Karim. Bonsoir, salam. Guigui. Normal. Et Médéline. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et en direct tous les soirs, vous pouvez nous appeler quand vous voulez si vous avez un truc à nous dire, une question à nous poser, un service à demander. On a parlé road trip, alors on va mettre en contact Baptiste là. Baptiste, c'est ton road trip aux États-Unis. Ouais. Sur la côte, la West Coast. West Coast. Los Angeles, tout le bordel. Ouais, tu vas aller visiter les studios de cinéma, tout ça, toi. Ouais, t'es fan de ciné. Et donc, on va te mettre en contact avec quelqu'un qui a fait les States d'ailleurs. C'est Chance. Ou Chance. Ah, pourquoi tu vas pas à Marseille voir le studio le plus bel de la ville? Ouais, c'est ça, un road trip à Marseille. Voilà le délire. Le studio en carton. Ah, c'est plus près. Ah, je te jure. Ça va reprendre, hein. Va ah bon? C'est la fête de Marseille, attends. Putain, ouais. D'où? Ça reprend, c'est TF1 qui récupère. Ah, TF1 après le premier. Ah bon? Ouais, ça va être des épisodes. Alors bon, par contre, ça va être un peu low cost parce que les épisodes, ils vont durer 15 minutes. Ah ça oui c'est rapide. Effectivement ouais, c'est vrai. A priori a priori quasiment ouais il y a oh, Marseille est sauvé. Ah, ouf, ça repart. Non mais bon c'est bien pour le jeu que t'as fait dessus. Et tu ça vois. A passé sur quelle chaîne tu TF1. Ah ouais. La première chaîne de France. 15 minutes.
Ouais. La première chaîne de France. Ça, c'est la classe. Plus belle la vie. Et toi, est promu en Ligue 1. Ah ouais, c'est ça, en Ligue des Champions. En Ligue 1 sur TF1. C'est aussi bien que la première chaîne d'Europe. Sur France 3. C'est la chaîne d'un. Ouais, si, il me semble, c'est ça. Je crois que c'est la plus grosse chaîne d'Europe. Ouais, c'est TF1. Non, mais bon, vu que les audiences sont quand même. Ouais, mais ils sont. Non, mais bravo. Ouais, ouais. Bon. C'est français, monsieur. C'est français. C'est la fierté nationale. C'est TF1. Sauf côté Arthur. Là, ils sont plus première chaîne d'Europe. Là, ils descendent. Oui, bon, bah, écoute, c'est la Ligue 2. Voilà, c'est. Ça, bah, il faut tout. Hein. Bon, donc Chance ou Chance, comment t'appelles? Bah, je suis un américain, donc on m'appelle Chance. Okay, Chance. Chance. Hey Chance, du 9-1-91. Yeah, donc toi, tu reviens des États-Unis, t'as passé un mois aux States, c'est ça? Ouais, c'est ouais, ça. Tu pas Miami là dernièrement? Je crois que j'ai vu tes stories sur internet. Bah oui, exactement. Il était dans des clubs de striptease, il jetait des billets sur les culs de meufs. C'est vrai? Ouais, j'étais même de l'euro. Ah, j'étais sûr qu'on allait parler voyage et cul en même temps. C'est bien. J'ai demandé si que j'ai des zéros. Alors on ira faire un tour en Jamaïque aussi avec Jordax qui arrive avec nous. On va le retrouver. On aura Pavel. Lui il est au Mexique. Hein. Enfin t'étais au Mexique. T'es c'est où son là pote. Ah t'es un pote qui est au Mexique toi Pavel. C'est ça. Ouais c'est ça. Tu m'entends? Ouais je t'entends. Là t'es dans le 46. Ouais non mais c'est dingue là-bas. Faut être armé. Salut Marie. Dans le 46 faut être armé. Ouais hein 46. Donc, le Lot, vous connaissez le Lot? Ah ouais, je connais, ouais, c'est beau le Lot. Hein. C'est le plus bel endroit du monde. C'est vrai que c'est très très beau. Merci. Pourquoi il y a du vin, de l'alcool là-bas, non? Non, mais c'est. Moi j'avais fait le Lot il y a bien longtemps et j'avais adoré. Mais tu as bien dedans. Mais ouais, je connais tout le Lot entièrement. J'adore la Lot à l'américaine. Ah oui, la Lot. C'est trop bon, c'est trop bon. Non, c'est Andy Fool. T'es con. Mais on aura le reste du classement. Il y a quoi dans le Lot à foutre? Bah, il y a plein de trucs. Il y a Agen, non? C'est pas là-bas? À foutre, il y a quoi? Il y a Figeac, t'as Monsieur Champollion. Mais non, mais Agen, c'est pas dans le Lot, Agen. Les zéro bif. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ça fait plaisir. Bon, on va parler des trucs là-bas, non? Écoute, t'as mon numéro sous le coude, et si tu viens dans la région. Un petit road trip dans le Lot. Non, mais pourquoi pas? Bah, non, mais ouais, moi, c'est. Tu vois des trucs. Et on aura qui d'autre pour le. Il est où notre Brésilien, là? Ah, Romain de Sao Paulo. Sao Paulo. Isso. Salut. Donc Romain, donc Sao Paulo, Brasil. Et c'est quoi, c'est la ville riche du Brésil, Sao Paulo? Ouais, ça, c'est la plus grande ville au niveau économie, ouais. Ouais, c'est ça, il me semblait. Donc c'est dans les terres, hein, c'est pas au bord de la mer, Sao Paulo. C'est une autre la mer. Ouais, c'est pas très loin de la mer. Ouais, c'est pas très loin, ouais. Très bien. Et t'es là-bas depuis combien de temps, toi, Romain? Moi, ça fait un an et demi. Un an et demi au Brésil, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te barrer de France? T'étais où avant en France? Alors en fait, moi j'ai habité dans plusieurs villes de France, au gérer de Nantes, puis après Vendée, Pau, et après dernièrement j'habitais à Montpellier. Et si tu veux, j'avais pas mal voyagé, je voyageais, je revenais en France, je voyageais, enfin des allers-retours. Mmh. Et un voyage qui m'avait vraiment marqué, c'était le Pérou, en Amérique du Sud. Ouais. Et à mon retour en France, là j'ai eu du mal. J'étais un peu tombé en dépression, on parlait tout à l'heure. Ce que je disais, la dépression. La dépression française. Je l'ai vraiment subi, ouais. Non, mais a priori, il y en a beaucoup qui le subissent. Que la France, ça rend dépressif. Non, mais c'est pas la France, mais c'est le fait, en fait, d'avoir changé, d'avoir beaucoup bougé, de te retrouver chez toi sans. Ouais, c'est un peu perdu et t'es pas bien, quoi. C'est ça, en fait, tu te sens vraiment en décalage. Tu te dis, mais même avec mes potes, que je connais depuis vraiment d'enfance. Quand j'ai revoyé après, c'était des discussions différentes, mentalités différentes, et j'avais vraiment du mal. C'est marrant, t'as pris un petit accent du Brésil. Non, voilà, Zéal, je parle mal comme ça, Je me suis également fait mettre une paire de seins. Et couper les couilles. Non, mais tu parles comme quand Cédric, il revient du bois de Boulogne, pareil. J'étais au bois de Boulogne. Mais tu sais, même quand tu pars moins longtemps, moi j'étais parti un mois et demi en Thaïlande, et déjà j'avais halluciné sur le métro quand j'étais revenu en France, sur le métro, parce qu'en fait là-bas, en Thaïlande, à Bangkok. J'attends la découverte. Non, mais moi j'avais halluciné parce que la première fois que je voulais pied à Bangkok, t'as le métro et tous les gens se mettent sur le côté pour laisser sortir les gens, tu vois. Ah non, en France, non. Ah oui, en France, c'est pas comme ça. Gueule chez nous. Ah, mais un truc de ouf, mais déjà j'avais halluciné là-dessus. Et tu. Ah ouais, il y a plein de roses, c'est comme ça. En Angleterre, les gens se mettent sur le côté aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu rentres en France et tu te dis, mais putain, mais. Dans les pays nordiques, je sais plus où c'est, t'as même pas de barrière en fait. Ouais, tourniquet. Ouais, c'est tu.
en fait, les gens, ils payent. Et j'ai vu en Suisse, ils distribuent des journaux payants dans la rue, dans des boîtes. Les gens, ils prennent le journal et ils mettent de l'argent dans la boîte. Ouais. Ah oui. Alors qu'en France, nous, on se servirait, on se barrerait avec la boîte. C'est clair. On prendrait la boîte pour la mettre à la maison. Les journaux. Non, mais déjà, à l'époque où, quand ils donnaient, tu sais, il y avait 20 minutes métro, ouais. Les trucs, t'avais la moitié qui était par terre, les gens bat les couilles. Ils avaient mis des présentoirs, D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était des gens qui les distribuaient, parce que les trucs, ils finissaient comme ça, gratos. Bah, c'est comme les trottinettes qui finissent, par exemple, dans la Seine ou dans le Vieux-Port à Marseille. Ou au Maroc aussi. Au Maroc, ouais, termine au Maroc, ouais. Et bon, qu'est-ce que t'as découvert de sympa donc Je t'ai fait braquer au Brésil Au Brésil, toi, Romain. De sympa, Samy demande si tu t'es fait braquer. Non, mais genre, ça fait peur. Non, alors, pour recadrer le Brésil, c'est vrai que je sais que pour beaucoup, ça paraît un peu dangereux, tout ça. Donc en fait, faut être hyper vigilant, on est d'accord, c'est un pays de mecs latines. Mais d'ailleurs, si je dois choisir, il y a tellement de gens gentils, tellement de gens tellement sympas ici que tu ne trouves pas ailleurs, qu'au final, le côté dangereux, tu l'oublies un peu, quoi. Pas que tu l'oublies, mais. Tu fais gaffe, mais tu passes outre. Tu viens avec, c'est l'ambiance locale. Ouais, tu t'adaptes. Tu fais avec. Bon, tu croises un mec avec un gun, tu lui dis bonjour. Ouais, tout va mal. Bonjour, chez toi, t'es un poil. Voilà. Mais c'est quoi, là-bas? Comment c'est. Tu fais quoi déjà comme métier là-bas? Moi, j'exporte du vin français pour le Brésil. Ok, c'est bien ça. Voilà, donc c'est mais c'est quoi il y a des, j'imagine qu'il y a des quartiers ultra sécures, non? Ah mais il y a des quartiers, tu mets même pas un pied, mais même pas tu passes devant, même pas tu t'arrêtes en voiture. Là, je sais plus si un pote il m'a dit ça, il dit, en fait il y a l'hôtel, la plage et tout. Ouais, ils s'en foutent, c'est dingue de ce que tu racontes. Ah, ouais, Romain. Ah ok, d'accord. Il parle de son pote, je vais aller le faire enculer alors. Ah, déjà? Ah, bah attends un peu quoi. Mais après, tu vois, ça se dépend. Tu vois, Rio et Sao Paulo, c'est complètement différent. Sao Paulo, toutes les favelas, elles sont vraiment à l'extérieur de la ville. Alors qu'à Rio, elles sont vraiment présentes. Donc à Sao Paulo, je vais des fois dans une favelas au nord de Sao Paulo, parce que j'ai un très bon pote qui est de cette favelas, qui te présente, il dit voilà, celui-là. Vous le touchez pas. Et puis les gens, ils vont pas me toucher. C'est rassurant, ça. Lui, au moins, vous le touchez pas, toi. L'autre, par contre. Oh, t'es tranquille. Et quand tu sors avec une meuf, tu stresses aussi un peu. Genre, tu te dis si la famille est au courant. S'ils sont pas trop d'accord. J'étais avec une meuf. La famille était hyper contente qu'elle soit avec un français, qu'un gringo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puisque c'est beaucoup en Amérique du Sud. Après, je connais pas le Mexique, hein. Pavel pourra me dire un peu si c'est comme ça, mais elles sont ultra jalouses. Donc, être en couple ici, c'est ultra galère. Une fois que tu officialises vraiment la relation, t'es mort. C'est niqué. Voilà, donc c'est clair. Il y a donc des casse-couilles dans le monde entier. Oui. Ah, bah oui, la casse-couille homme aussi, tu sais. Ouais. Ah, bah c'est pas le sujet, Marie, là. Mais il y a aussi de la plaque. Et donc fais attention, c'est Baptiste qui nous avait appelé. Ouais, Baptiste. Ouais. Fais attention, Baptiste. Si tu t'en vas, après tu ne reviens pas. Tu fais comme Romain. Fais attention. Il est où, Chance, notre Américain? Bouge pas, reste avec nous, Romain. Chance. Je suis là. Yeah, hey, Chance, man. Donc toi, t'as passé un mois aux États-Unis et t'as halluciné sur les prix là-bas et également sur la drogue aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as vu au niveau de la drogue? Ouais, en fait, moi, j'ai vu grave des junkies qui traînaient dans la rue. Oui. Et le problème, c'est que les junkies, ils gueulent, tu vois. Quand ils parlent, ils parlent pas normalement. C'est comme les Américains, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai même vu un truc qui m'a halluciné, tu vois. J'ai vu une meuf, super bonne, tu vois, elle était super belle. Et tu vois, elle venait vers moi et tu vois, je me suis dit peut-être qu'elle veut me parler. Et je viens, elle vient vers moi et je vois, c'est une junkie. Elle me demande de l'argent pour de la drogue, etc. J'étais grave choqué en fait. Mais dans les endroits qui sont pas craignos ou dans les endroits craignos? Non, c'était pas dans les endroits craignos. C'était à la 34, tu vois. Ouais, donc genre dans les endroits c'est quoi la 34e numéro de la rue, 34e rue, ouais. Mais quand t'es à New York, t'as fait New York, Miami, t'as fait quoi d'autre? Miami et Vegas aussi. Et c'est quoi l'endroit? Alors, les putes, où l'endroit t'as le plus kiffé? Ouais, pour les putes, j'imagine c'est Vegas, non? Ben Vegas, en fait, c'était la fête tous les jours, tu vois. Donc, Cédric qui a passé un mois là-bas. Si, Cédric a passé un mois au pute à Vegas. Non, je suis resté deux semaines. Vegas, t'as plus la weed maintenant, donc. Non, je fais deux semaines entre Vegas et là, en fait, j'avais fait le désert. J'étais avec une meuf à l'époque, on avait fait une semaine à Vegas et une semaine à... Ah, espèce de mytho, t'avais été voir Céline Dion et tout. Mais non, mais tu t'es dit, espèce de mytho, t'étais resté au moins 15 jours là-bas. Tu n'importe quoi. Ou alors tu nous avais menti à l'époque. Non, mais j'ai fait 15 jours entre LA et Gérard Majax, le spectacle. Et Vegas. Non, Céline Dion, c'était complet, ma meuf a voulu le faire en plus. T'avais fait, il y a quoi d'autre? En plus, c'est cher. David Copperfield de ma chérie. Ah, Copperfield, c'est lui, pas Gérard Majax. Donc toi, t'as préféré Las Vegas et qu'est-ce que t'as détesté là-bas? Les putes. En fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, moi, je vois cette tête au moins une fois par an, tu vois. Et je suis allé l'année dernière, vacances dernières,
Et là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que vraiment les prix, ils ont flambé, mais comme jamais. Mais par exemple, c'est ce que disait, ouais, ce que disait. Oui, attends, Marie, laisse le parler, tu n'y arrives plus, toi. Oui. Parle en anglais, Marie. Et ici, qui est les prix? J'essaie de parler en anglais. Qui est les prix? C'est raté. Vas-y. Non, mais déjà en français, on a du mal. Ouais, c'est clair. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc c'est ouais, tu disais c'était cher. Non, mais par exemple, un exemple de un truc qui a augmenté, un prix qui a flambé de ouf. Bah écoute, tu vois, ça fait presque 10 ans que je vais au même restaurant à chaque fois que je vais au steak à New York. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les prix, ils ont pratiquement doublé. Et tu vois, avant, tu vois, pour donner, tu donnes des pourboires, mais tu vois, c'était à ta discrétion. Et t'es obligé d'en donner, mais c'était à ta discrétion. Okay, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ils te le mettent directement dans le prix. Ah, dans l'addition, il y a un pourboire qui est ajouté automatiquement. Ouais. Et ouais, moi, je dirais, ça me casserait les couilles, ça. Et t'as vu des zombies là-bas? Parce qu'on parlait de la drogue, les junkies, tout ça, par la junkie. Dans le métro, les qui demandent les ouais, ouais. Ouais, dans le métro, j'en ai vu aussi le soir quand je rentrais de boîte et tout. Ouais, c'était chaud, quoi. Plus que d'habitude, quoi. Mais ouais, à Vegas, j'avais vu un reportage, ils montraient dans les égouts les là, gens, ouais, les mecs qui vivent dans les tuyaux, dans les tunnels. Ouais. Non, non mais c'était, il y a des immenses tuyaux d'évacuation et les mecs, en fait, il y a une vie souterraine à Vegas avec tous les mecs, bah les drogués, sans-abri, ouais, mais c'est tout. Non, mais c'est glauque possible, hein. C'est les mecs qui s'entretuent entre eux et tout. Au final, on est pas mal en France, tu vois. Il y a Romain qui avait déprimé en rentrant en France. Il est resté à Sao Paulo. Au final, quand on entend tout ça, ouais, c'est clair. On est bien chez nous. Alors c'est attendez, bien. Bougez pas parce qu'on continue notre tour du monde. Tu bouges pas, l'américain Chance. Ok, ouais. Chance. Hold on, comme on dit au téléphone. Et alors en fait, on va où? On va au Mexique. On a fait le Brésil. Ah, Mexico. Mexique. Alors, Mexico. Mexico. Hola. Hombre, que venga. Hola, que tal. Venga. Hola, que tal. C'est un pote qui est allé au Mexique. Il a fait, ouais, des trucs de dingue là-bas, lui. Ouais. Et en fait, bah, je te parle de ça, il y a quand même un petit moment. Vu qu'il bossait sur Londres. Et bon, ça palpait pas mal sur Londres. Et du coup, il s'est barré 3 mois au Mexique. Ouais. Ouais, ça palpait bien. Ouais, bien claquer son oseille comme il fallait. Puis en plus, là-bas, t'es champion du monde. Bah, tu manges de l'iguane pour $1, quoi. L'iguane. Je vais prendre des pâtes perso. Moi aussi. Ouais. Manger des tortillas, moi. Je sais même pas s'il y en a. Des tortillas. C'est bon. Petite parenthèse, la Corona coûte moins cher que l'eau. Allez, c'est parti, direction le Mexique. C'est voilà. Peut-être pour ça qu'il m'a dit best life, quoi. C'est ça. Putain, tu il a fait quoi là-bas? Il a vu des. Par exemple, si on veut chercher, si on est célibataire, qu'on veut faire un petit road trip avec des potos, est-ce que ça marche? Ouais, c'est dinguerie, ouais. Et il m'a dit, ouais, il est parti avec des potes là-bas, c'est grosse dinguerie, mais par contre, c'est super dangereux vu que t'es européen. Ah ouais, c'est un problème. Ah ouais, et en fait, c'est pas un mythe. Ouais, donc, non mais c'est pire que ça, quoi. Ils t'embarquent, quoi. Ils te mettent dans un coffre, t'as rien à reste. Sympa. Ah non, c'est gentil, les taxis là-bas. Tu vois, le road trip, allez, dans un coffre. Voilà. Allez, vas-y, je t'amène. Le taxi, attends, je t'amène. Dans le coffre. Ils ont flippé, parfois. Ils ont rêvé des trucs, ils ont flippé. Non, pas du tout. Mais à partir du moment où le propriétaire, enfin, parce que c'était un ami, connaissait l'endroit, donc ils sont allés chez Stamila sur Mexico, et il a dit bon ben je vais acheter des clopes et tout, et il lui a dit il lui a tendu un Beretta, quoi, tu vois, il a dit qu'est-ce que tu fais avec ça, clopes, hein. Ouais, il a dit non mais tu prends t'armes, et mon ami il est contre la violence, tout ça. Bah, il donc servi, il comprenait pas, fait en fait. Mexique, non, mais il lui a dit non mais tu prends ça, tu seras mieux, quoi. On te parle ou quoi, tu sors, enfin tu montres l'arme, on te laissera tranquille, quoi. Voilà, tout bien. Alors faut acheter une respecter, donc tu te balades avec c'est ça, ouais, c'est un peu ça, c'est quoi. Super, c'est super, ça fait plaisir. Avec une mitraillette, regarde, t'as vu, mais grosse pas mitraillette. Je vais juste acheter des clopes, voilà. Karim, t'es allé au Mexique, toi? Non, je suis pas allé au Mexique. C'est un pote à toi qui est au Mexique? Ouais, c'est un pote à moi, gros. Ah, mais ils avaient failli finir en prison. Ouais, le premier soir où ils sont arrivés, ils ont tabassé un mec. Voilà, ils sont allés sur une semaine de vacances. Ils sont sympas, tes potes. Mais pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi ils sont bourrés avec lui. Voilà. Mais sur une semaine de vacances, ils ont tapé 3 jours là-bas en garde à vue. Eh ben écoute, ça te fait faire des économies d'hôtel, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, quand même temps, bon, tu vas dans un pays, tu te fous sur la gueule. Ouais, oui, t'arrives et tu tabasses un mec en France. En même temps, bon là, je sais pas, en France, ouais, t'arrives à la grande motte. Ah ouais, tu tabasses un mec, bon bah tu vas en prison. Oui, tu restes ici en garde à vue, oui, c'est bon. Un envoi à voyager, si vous voulez faire du trafic de drogue, c'est le routier qui nous dit ça. J'ai regardé une émission sur Singapour hier. Ah, c'était hier soir. Oh putain, ouais, c'est passé dessus. 15 grammes d'héroïne ou 30 grammes de cocaïne ou 500 grammes de cannabis, c'est la peine de mort. Ah ouais. Ah, ils te pendent.
Ils te pendent. Ah ouais, ouais, il y a une pendaison là. Ah, et tu peux, être condamné à prendre des coups de bâton aussi. Moi j'ai fait une escale à Singapour en allant en Thaïlande. Le pays c'est. T'as pas bu. Moi j'ai vu un mec se faire égorger là-bas. Ah bon, je suis en Singapour. Voilà, chauffeur de taxi justement, à mon avis c'est un. Tu as vu ? Bah j'ai pas vu le mec se faire égorger, mais je suis passé à côté du taxi. Je vois un taxi arrêté au milieu de la route et je regarde machinalement. Je marchais, on était avec des potes et il y avait un mec qui avait la tête coupée comme ça en arrière. Ah mais non. Et le bras sur la fenêtre et le sang qui coulait. Ah bah c'est chelou parce que justement là-bas il y a. Ouais, c'est le pays le plus sûr du monde. Ouais, quoi, c'est ultra sécuritaire, ouais, quoi. Bon, après, quand j'ai parlé avec le gars de l'hôtel, quand nous on a vu ça, on était choqués. Le mec il a dit bah en fait, c'est parce que les crimes et les meurtres ils sont pas déclarés publiquement pour pas que justement les stats que ça fasse peur aux gens, tu vois. Putain, mais toi t'as vu des trucs de ouf. Ah ouais, bah, deux, trois fois j'ai vu des morts comme ça. Ah putain, c'est cool. Ah, c'est génial. Sympa, t'es bon, c'est bon, hein. J'ai fait le tour du monde. Et ça, parce qu'en fait, il y a des mecs, genre, t'es un peu des c'est les potes de Karim qui étaient venus gauche. Non, c'est ça, ouais. Après avoir tabassé un mec au Mexique, c'est genre des mecs qui. Après le taxi, il paye pas, ça s'embrouille, machin, et crac, ils mettent un coup de couteau. Crac, il part, en courant. Voilà, comme ça, c'est. Ah non, mais par contre, là-bas, ouais, ils montraient, mais c'est un truc de ouf. Non, mais ils sont ouf là-bas. T'as des caméras, mais genre tous les mètres. Tu jettes une cigarette par terre, t'as un keuf qui arrive tout de suite. Direct, c'est Nick Taras. Ah, c'est un gars, là, ils montraient, là, y a des, là-bas, ils ont des robots. En fait, le robot, il navigue sur le trottoir. Et si c'est lui dit bonjour. Non, si c'est interdit de stationner, le robot, il se met devant ta bagnole. T'as 30 secondes pour partir. T'as un décompte qui s'affiche. Hein, ouais, genre, sinon, il casse la voiture. Non, sinon, il t'envoie une balle. Non, sinon, tu te prends une amende. Une amende de je sais plus combien. Ah, okay, mais c'est, et là-bas, ouais, tu peux être condamné à prendre des coups de bâton. Ouais. Oui, c'est gentil. Ouais, non, ça bloque pas trop. Ouais. Civilisé. Tu sais, t'as des robots. Quand ils veulent surveiller, tu sais, le truc, c'est la science-fiction. T'as le truc qui s'ouvre. Il y a un drone qui se met à voler. C'est le truc qui te parle. C'est non, mais moi je suis tombé à un moment où j'ai halluciné, c'est-à-dire que effectivement bon bah il y a des mecs qui sont condamnés à être pendus et tout ça, et en fait ils font des photos, ils les habillent, tu sais, en civil. Avec des photos, il faut qu'ils tu fais un sourire, etc. Avant d'être pendu. Ouais, avant d'être pendu pour envoyer à la famille, parce que une semaine avant, en fait, ils savent que tu vas être pendu. Ah ouais, c'est ultra rapide en fait. Ça. Ouais, et tu n'as pas le droit de parler à ta famille, et ils envoient des. Ouais, t'es une condamnation. J'ai halluciné quand, d'ailleurs, j'ai zappé. Ça m'a fait du mal. Là-bas, il y a des putes. Oh là. Il y en a. Hein. Si, non, mais ouais. Ah, si, y en a. Ils montraient, c'est des grosses affiches rouges, et donc c'est le quoi des putes. Les putes, toutes les semaines ou tous les 15 jours, elles doivent faire un examen complet, un check-up, pour voir si elles sont pas malades, pour pouvoir se faire baiser. Bon, non, mais ça, tu vois, bon, lui, pourquoi pas, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'il trouve ça bien, lui. Oh là, avec le nombre de saloperies que j'ai chopées, là. J'ai eu des maladies partout, Singapour. On est bien chez nous, quand même. Alors, dernier petit tour dans le monde, là, on file en Jamaïque. Attention, ah bah c'est dangereux pareil. Jamaïque, ouais. Avec Jordax. Donc toi t'es dans le nord, Jordax, t'as 32 ans, ouais. Et t'as fait un road trip. Ça va, Jordax? Oui, Jordax. Ça va, vous m'entendez bien? Nickel. Sur la route, ouais. Jordax. Et toi t'as fait un road trip en Jamaïque, toi? C'est ça. Et c'est alors, ça, en fait. Comment c'était? Bah, écoute, alors c'était le top du top, ah. Le pays le plus beau du monde, oui. J'ai envie de te dire. Mais le pays le plus dangereux au monde aussi. Ah merde. Pire que le Mexique, le Brésil, réuni. Après, j'ai pas été au Mexique et au Brésil, tu vois. J'ai fait la Jamaïque. Mais t'as vécu quoi qui t'a fait flipper là-bas? Ben, c'est simple. Déjà, de l'aéroport à où on allait à l'hôtel, on a failli se faire braquer. Voilà. Donc, bienvenue dans le pays. Ouais, voilà, bienvenue dans le pays, voilà. Déjà, t'arrives et ben, ça commence comme mais ça. Mais t'as été où? T'as été, c'est quoi, Kingston? Kingston, Jamaïque. Alors, moi, j'ai fait Montego Bay, Kingston, Nice Mile. Ok. Et c'est quasiment le tour de l'île, tu vois. Ok. C'est pas très grand, la Jamaïque. Bah, passons là-bas, j'ai envie de te dire, tu peux pas faire tout ce que tu veux non plus, tu vois. Pourquoi tu sors touriste, pas tellement tu sors pas trop de l'hôtel? Bah, en fait, si tu veux, si, tu sors de l'hôtel, mais en fait, si tu veux, mais tu n'y reviens pas parce que tu t'es enlevé. T'es toujours accompagné de garde. Avec un garde. Tu vois, devant, t'as une voiture avec des mecs qui sont armés jusqu'aux dents, derrière, pareil. Tu vois, ils sont à distance. Ouais, mais ça doit te coûter une blinde, non? Elle veut pas avoir une escorte. Non, pas cher sur sexe modèle. Si tu prends un taxi, que le mec, ils arrivent, voilà. C'est un convoi exceptionnel. T'as quatre mais ils sont obligés, Romano. Romano, ils sont obligés. Mais quoi, sinon tu te fais fumer? C'est là-bas, tu te fais fumer pour rien. Oh. Là-bas, t'as pas le droit de prendre n'importe quel taxi. Tu peux pas prendre les bus des locaux. C'est un bordel, tu vois. Mais il y a quoi ça t'a plu, toi? Ah ouais, bah. Non, mais la Jamaïque en elle-même, c'est les Caraïbes. Le
Oui, non, mais d'accord, mais bon, je préfère aller dans les Caraïbes. Ouais, là, je préfère aller dans les Caraïbes où c'est un peu plus sécure, tu vois. Ça fait pas rêver, quoi, ton truc. Moi, je vais là-bas, je reste à l'hôtel, je sors plus. Mais tu risques quoi? Bah, façon, l'hôtel, c'est barricadé pire qu'une prison. Ah, c'est sympa. Chaque hôtel. Des barreaux aux fenêtres et tout, c'est les Caraïbes. Non, mais c'est tout autour de l'hôtel. Tout autour de l'hôtel, t'as tous des grands portails de, allez, 5 mètres de haut, tu vois, pour pas que personne y rentre. Le soir, à partir de 17h30, tu peux plus aller sur la plage parce que t'as les rostos qui arrivent. Tu vois, t'entends les bruits de calache. Non mais les rassas qui. Non mais c'est quoi tout? Un pisse, man! Non mais c'est un bon pied, ton. Tu parles au bout du monde, tu restes dans ta chambre en fait. Non, mais tout ce que tu décris, c'est horrible. T'es dans un hôtel, le truc, c'est un bunker. T'es obligé d'avoir un convoi exceptionnel pour te déplacer. À partir de 17h, bon, tu ne vas plus à la plage parce qu'il y a des mecs qui sont tirés sur la plage. Ne dis pas les rassas, c'est contre la violence, c'est bizarre. À partir de 17h30, il fait noir en Jamaïque. Hein. Et après le soir, tu fais quoi? T'es enfermé dans ton bunker? Ah bah oui. Eh ben, le soir, non. T'es caché après, sous le lit. Le soir, tu peux sortir, aller boire un verre au resto. Oui, tu peux. Bon, par contre, il y a 15 bagnoles pour t'emmener. Ouais. Voilà. Le soir, tu déplaces dans un tank. T'es toujours accompagné, en fait. C'est ça le petit hic quand tu vas dans ces pays-là, tu vois. C'est... Mais tu risques après, quoi, en fait? De mourir. Bah, après, tu risques de te kidnapper. En fait, tu te kidnappes là-bas pour avoir de l'argent. Okay. Bah, tu meurs pas si quelqu'un il paye pas, qui va payer? Bah, donnez pas l'adresse de Romano si vous faites kidnapper. Ouais. Tu vois? Ah non, ouais, vous allez y rester, les gars. Là, vous y restez, ouais. Là, vous allez rester. Vous allez jamais Jamaïque, ouais. Pour un moment. Ah, mais moi, ouais, j'irai jamais, c'est. T'as été samedi, toi? Non, jamais en Jamaïque, mais on m'avait prévenu que c'était effectivement très dangereux. Jamaïque, c'est chaud. Moi, j'aimais bien par rapport à ça, tu vois. Que j'aime bien les pays chauds. Ah, comme j'ai fait. Ouais, donc si t'aimes ça, oui, pourquoi pas. Après, t'es pas obligé d'aller si loin aussi, tu vois. C'est comme en Bulgarie aussi, c'est chaud. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, il y a des trucs d'organiser. Par exemple, toi, ça te paierait d'aller dans un pays en guerre? Bah, bien sûr. Donc toi, t'aimes le risque. Ouais. Non, mais il y a des agences de voyage qui sont utilisées. Par exemple, t'envoyer aller en Afghanistan, en Syrie. Il y a même des compagnies qui t'emmènent en Corée du Nord. Oui. Après, ça. Non, mais c'est leur délire d'aller là-dedans. Oui, mais voilà. Oui, c'est particulier. Mais t'es pas serein, tu vois. Les gens qui craignent et tout. C'est sûr que t'es pas serein, mais bon. Après, là, franchement, les locaux, quand tu les connais, que tu parles un peu avec eux, tu vois, ils sont malheureux là-bas. Ah, mais il y a de la misère, Il y a la misère à mort. Tellement ils ont pas d'argent, c'est une galère. Mais... Et après, c'est un beau pays quand même, tu vois, c'est magnifique, la Jamaïque. Hein. Ah non, mais on n'a pas dit que c'était pas un beau pays, mais c'est vrai que quand il va pour passer des vacances, c'est que. T'es en sécurité. Voilà, t'es fort en sécurité. Je suis allé au Panama avec ma meuf, j'ai pris le taxi, tu vois, tu vas en couple, t'es là un peu lover, machin, tu te balades, et arrivé à un croisement, le mec il dit, ça vous embête pas de vous allonger par terre dans le taxi? Ouais, c'est ça. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me casse ma voiture. Je fais, mais comment ça, on te casse ta voiture? Il dit, ben, on va avoir des touristes dans ma voiture, là, on va croiser un quartier un peu chaud, ils vont venir, ils vont casser les vitres pour vous voler vos affaires. Ah. T'es mec, en fait, il pensait qu'à sa voiture. Et je fais, mais vraiment? Il m'a dit, allez, allonge-toi. Genre, on s'est allongé par terre comme ça entre les sièges. Ah, bah, j'aurais dit, je peux pas. Et le mec, il a commencé à accélérer, il s'arrêtait pas vraiment. Vous pouvez vraiment me donner à l'aéroport, il s'arrêtait même plus au feu. T'as les pédés d'Amérique latine, c'est comme ça. Écoutez, moi, je vais partir en France, je crois. Ouais, c'est pas mal, ouais. Effectivement, oui, la Corée du Nord, c'est pas. C'est pas en guerre. Non, mais c'est pas en guerre, mais c'est quand même un pays très particulier, c'est une dictature, t'as une espèce de taré à la tête du pays. C'est un petit peu compliqué, ouais. Ouais. Oui. Mais il y a des gens, c'est leur délire d'aller dans ce genre de pays, ouais, quoi, en vacances. Waouh. Tiens, j'ai deux collègues qui sont allés en Jamaïque et elles ont kiffé. C'est le message de Lila. Après, bon, si on aime le risque, pourquoi pas? Bah, Marie, t'y as été, toi? Y a pas que ça. Non, j'y suis pas. J'y suis pas été, quelqu'un. J'ai pas dit cette phrase. Je n'y suis pas allé, mais j'ai plein de gens que je connais qui y sont allés et c'est pas exactement ce qu'ils décrivent. Tu dis, on connaît. Non, je sais que c'est le bordel, etc. Mais franchement, enfin, les gens qui m'en ont parlé, en tout cas, ça va. Après, la plupart des gens qui vont en Jamaïque, tu connais des locaux, ouais, c'est dans des resorts, tu sais, avec des plages magnifiques sur les Caraïbes. Voilà, ils sortent pas de l'hôtel, hein. Ça craint absolument pas, tu vois.
C'est parce que. Ah, bah t'es enfermé dans un resort. Comme tu pourrais... ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça sert à rien. Tu pourrais ça être n'importe où. Tu te prends un resort dans, la même chose dans le sud. Dans le sud, voilà, dans le sud de l'Espagne. Ah oui, mais c'est genre les clubs med où tout est fermé. Et tu vois rien du pays. La mer est belle, mais tu sors pas du. Ouais, ouais. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut au final. Voilà, et Farid, il a pété un câble. Il compare la Corée à la France maintenant. Qui serait une dictature. Ça va bien. Ça va bien, Farid. Mais big up à toi quand même. Bon, bah voilà, petit tour du monde. C'est sympa en tout cas. Merci, Jordax, du coup de fil. Et puis, merci de partager ton voyage avec nous. Merci, Pavel. Salut, Pavel. De rien. Et vive, et vive le Mexique. Et on va t'envoyer le t-shirt Skyrock. Merci, Chance, l'américain. Salut, yeah, Chance. Et merci, Roma. Do Brasil, Roma. En direct de São Paulo. Et comme on parlait de road trip et du SA, j'en profite pour faire un petit big up à Rémi Reverchon. Ah oui, notre photo de Bean qu'on avait eu un soir à l'antenne. Ah, on l'a vu au téléphone. Vu et pour ceux qui sont intéressés, il y a je suis plein de choses là-bas. Ah, t'es allé voir les finales NBA? Ouais, j'étais voir la finale NBA, j'ai vu les gars de Bean Sport. Ah bah voilà. Et comme il a sorti carrément un guide de voyage, ça s'appelle le guide USA pour ceux qui sont intéressés. Et donc c'est exactement pour Baptiste, notre auditeur, qui veut faire un road trip, un truc. Et bah donc, ouais, prends le bouquin. Et on prendra des nouvelles de Baptiste. Je l'ai pas lu, mais il est super. Tu l'as lu, Marie? Alors, écoute-moi, mon petit Karim. Je l'ai lu, effectivement. Il y a beaucoup d'images, Marie. Karim. Et je l'ai regardé. J'ai regardé, oui, il est beau. Marie, elle a fait un road trip dans son livre. Exactement. Fait du coloriage. Il y a des images, c'est bon, c'est pas. Ouais, il y a des images, c'est super. Bon, en tout cas, merci, merci à tous. Et salut. Et salut. C'est en poloche parce qu'on a fait un petit tour au Brésil, c'est sympa. Brasil. Profite bien, salut Brasil. Romain. Salut les gars. Salut les gars. Bisous. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock un peu de France à São Paulo. Salut Romain. São Paulo. Il y a les résultats du clash à drague aussi. Ah ben alors c'était bon, c'est vrai. Alors, il y a eu un problème technique, on peut pas, il y a plus de comptage. Non, il y a pas de problème technique. Sinon on les donne demain gros. Reste ouais, non mais là, Corentin les donnera dans la nuit. Les résultats du clash. Même. 3h du mat. Les résultats du clash de ce soir. Romano contre Cédric. Il y a eu un casting lamentable. Alors Cédric ça, j'en veux énormément à Guigui et à Cédric. Ta méthode du 14 juillet, on est le 26 août. Juin. C'est ça. Juin, ouais. Juin. Et Romano, ta méthode. Moi, j'allais à la pêche. J'ai rapêché, je suis revenu bredouille. Les résultats du clash de la drague. Ouh là là là. Gros score ce soir pour le clash pour démarrer cette semaine. Ben oui, pour l'autre con. Est-ce qu'il y a un déglingage un peu? Déglingage total. Ah, vrai. Cédric gagne le clash avec combien? 80% des voix. Jamais gros. Tu mens. Ah non, c'est un 6. Ouais, 60? 60% oh, bah, des voix ce soir. Ah, il t'a déglingué. Ah, c'est pas mal déjà. 60% c'est gros hein. Je crois ben pour Cédric oui, c'est même énorme. Meilleur score de l'année pour Cédric. Ouais, je crois. Merci. Je crois que ça doit être ton record. Merci Difool. Ah putain, merci de ton soutien Difool. Merci la team. Je te donne la fiche. Je vais regarder, je vais l'afficher. Attends, je vais mettre la date dessus comme ça. Ah bah mais là. Je te le tue avec, tiens. Hop là. Et bouffe là après. Oh. T'énerve pas, Romano, t'énerve pas. Bravo, Cédric. Merci. Didier, il a fait du bon travail. Merci la team, merci de votre soutien, ça me fait plaisir. Bravo. Merci la team Romano d'avoir voté pour moi aussi. Alors, je vous aime très toi, très fort. Tarasse. Merci, la victoire est méritée ce soir. 60-40. Putain, il t'a niqué, gros. Oui, bon, ça va. Bon, mercredi, tu te rattrapes. T'as vu Medellin, j'ai gagné. Bah, j'essaye. Non, mais l'autre parle au chien, quoi. Elle adore le clash. Elle est fan, ouais. Elle adore l'émission, elle écoute tous les soirs. Tous les matins, elle écoute le morning. Ah, bah, elle est là. C'est une des plus fidèles auditrices. De Skyrock. Ah bah il est toujours là. Alors, bon, il y a Robin, tiens, on va aller faire un tour à Mantes-la-Jolie dans le 7-8. Robin qui est en direct avec nous, qui a 25 ans. Salut Robin. Ouais, allô. Salut. Ouais Robin. Comment ça va Robin? Ça va et vous? Eh bien écoute, ça va. Salut. Bien aussi. Comment ça va à Mantes-la-Jolie? Bah ça va, aujourd'hui beau temps, toute la semaine beau temps. Oui c'est ça, c'est Mantes. Moi j'aime bien Mantes-la-Jolie. Il y en a plein qui disent que ça craint, tout ça. Moi j'aime bien cette ville, c'est sympa. Non ça va. Par rapport au Mexique et au Brésil du coup. Non c'est tranquille. par rapport à la Jamaïque, mais alors c'est. On s'allonge pas dans les taxis, cool. Tranquille. Bon salut tout Mantes qui nous écoute. Ouais. Et toi tu voulais nous parler d'un truc. Alors ouais, un truc qui. Vous allez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ah. Parce que c'est un truc truc qui fait débat là. Explique-nous. Bah en fait moi je voulais comment je pourrais dire. Essayer de sensibiliser les gens pour les rodéos urbains, parce que moi-même j'en ai fait partie, et j'ai eu des très gros problèmes, que ça soit avec la justice, ma santé, tout ça, ma famille. Ah oui, parce que c'est dangereux en fait, le rodéo urbain, tu prends la voiture et tu fais des courses de voiture. Alors là, tu fais du cheval? Non. C'est ça. Le rodéo, c'est pas ça, dans des. En moto. Tu fais ça en moto. Bon, c'est dangereux aussi. Mais c'est quoi? C'est que vous faites un défi? Motocrotte. Bah non, même pas, c'est non mais tu sais quoi, tu tapes des roues, tu fais ouais voilà, ouais c'est ça, tu zigzags entre les bagnoles, voilà. En gros bon tu te fais peur et tu fais peur aux gens quoi.
Quoi, bah, je parle, tu fais peur aux gens dans l'attitude que t'as avec, oui. Dans ta façon de conduire, quoi. Non, mais après, tu fais ça où? Il y a des gens qui roulent, ouais, j'imagine ça. Bah, en fait, de base, quand j'étais plus jeune, enfin, dans mes, en fait, moi, j'ai commencé la moto, j'avais 14 ans. Ouais. Et, de mes 14 ans, à peu près jusqu'à mes 20 ans, j'en faisais dehors, enfin dans mon quartier, j'en faisais dans ma ville, tout ça. Après, j'ai commencé à avoir des problèmes, mais maintenant, j'en fais un peu plus en terrain. Mais en fait, faut savoir que bah dans ma jeunesse, j'ai eu beaucoup de problèmes, bah, que ce soit avec la justice. On m'a saisi plus de 4 motos. Je me suis fait tamponner plein de fois. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Parce que vous pourriez aller sur des... Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous pourriez aller sur des circuits. Oui, mais ça, c'est pas drôle. Bah, c'est pas drôle, non, mais tu veux risquer la vie des gens. C'est pas... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pas drôle du coup. Non, mais c'est pour l'adrénaline, ouais. Bah, c'est oui, ça. Voilà, c'est ça, c'est l'adrénaline. Enfin, je dis pas, même dans les champs, t'as une sensation, mais quand t'es sur la route, devant les autres usagers. Devant les autres usagers de la route. On a perdu. Allô? Oui, c'est ça. Après, comme tu disais, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu des drames qui sont arrivés à cause de ça, quoi. Non, mais clairement. Oui. Des gamins qui se sont fait renverser, des darons, des mamies. Le problème, c'est que toi, t'as l'impression de maîtriser la moto, sauf que bah tu peux avoir quelqu'un qui traverse, t'as pas fait gaffe, ou un mec qui déboîte en bagnole, et puis voilà, et puis c'est le drame, quoi. Et à 14 ans, t'étais déjà sur un cross? Bah ouais, j'ai commencé sur un Piwi. Mais t'as le droit? Ah bah, ouais. Genre, au début, j'en faisais autour de chez moi, j'en faisais en bas de chez moi. C'était mon père, il m'en avait acheté une. Mais t'es darons, quand ils ont appris que tu faisais ça, ils t'ont... Bah, en fait, au début, j'en faisais en bas de chez moi et tout, donc ça les dérangeait pas. Après, j'ai eu un scooter, ça veut dire... c'était là, j'ai commencé à prendre des volumes et tout. Ah, voilà. Et après, j'ai travaillé en mécanique. Mmh. Et avec mes premiers salaires, bah, j'ai pu monter ma première moto. Et... En fait, tout ce que tu gagnais, tu le mettais là-dedans, toi. C'était vraiment ton kiff. Et il y en a, ils préfèrent claquer dans les vêtements, d'autres... C'est moins dangereux. Oui, c'est ta passion, quoi. Oui, mais c'est moins dangereux. Mais tous tes potes ont la même passion que toi, du coup? Pas tous, la plupart. Là, par exemple, je suis avec un pote à moi qui fait un gros big up, mais aussi les fans de moto. Et j'ai des problèmes aussi. Ouais. Mais toi, tu nous as dit que t'avais des problèmes avec la justice. T'as eu quoi? T'as pris quoi? Bah, déjà, t'as pris 4 motos, quoi. À part, t'as pris 4 motos. Oui, mais bon, ça fait du pognon quand même. C'est bien cher, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'ai fait de la prison. Ah ouais? Ah ouais? Combien de temps? J'ai fait 4 mois à Bois-d'Arcy. Et c'était quoi le truc? C'était rodéo. Pas mise en danger de la vie d'autrui, tout ça. Qui m'ont mis, c'est rodéo sauvage. Ouais. Mise en danger de la personne. Ouais. Et bah, de voilà, toi, putain. Mais ça t'a pas fait réfléchir, ça. Homologué. Ouais, quand t'as fait 4 mois de prison, tu t'es pas dit. Bah, la prochaine fois, les rodéos, on va les faire sur les circuits, c'est plus simple, non? Bah, en fait, c'est là où je me suis rendu compte de mes erreurs, c'est que je me dis, là, c'est la police qui m'a attrapé, mais ils auraient pu m'attraper parce que j'aurais fauché une dame ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis rendu compte de mon erreur. Et du coup, bah, là, maintenant, quand je vois les petits, par exemple, dans mon quartier, qui font de la moto et tout, j'essaie de leur dire de faire attention, d'aller sur des terrains. Après aussi, moi, ce que j'aimerais faire avec ma ville à Mantes-la-Jolie, même dans d'autres villes en France, qui est un peu dur, c'est essayer d'ouvrir des endroits où on pourrait faire de la moto, Ouais, t'as raison. Tu pourrais vivre ta passion et pas mettre en danger les autres. Je sais plus où c'est, j'avais vu ça, une fois, ils montraient ça aux infos, là. Je sais plus, dans une ville, c'est peut-être un village, en province, justement. Bon, il y avait ce problème-là de rodéo. Et, je sais plus, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Ils ferment la route, non? Ouais, ils ferment des routes, en pleine campagne. Et les mecs, ils peuvent venir, ils peuvent faire leur truc. Non, mais ça, c'est pas con. Mais toi, t'as jamais eu un pote qui s'est tué en moto, par exemple, parce que... Non, pote à moi, mais j'ai un ami à moi, il a perdu un de ses cousins à cause de ça. Mmh. Et j'ai un autre pote à moi, il est handicapé à cause de ça. Ouais, donc c'est les 4 mois de prison, les 4 motos enlevées, plus toutes ces histoires qui sont arrivées autour de toi qui t'ont fait réfléchir. Et toi, tu vis toujours chez tes parents? Enfin, je sais pas, ils te... Non, moi j'ai pris mon indépendance entre temps, parce que du coup, la prison, ça a fait qu'avec mes parents, on s'est éloigné, tout ça. Ouais, bah oui, logique. Et vous avertissez pas forcément logique. Ah ouais. Et vous avertissez des liens après, non? Oui, bah là aujourd'hui ça va un peu beaucoup mieux parce que du coup j'ai réussi à remarquer mon erreur. Et, t'as pris un peu de recul. Et t'as une chérie ou pas? Oui. D'accord. Et elle dit quoi de tout ça? Premier enfant. Bah au début. Cette rencontre sur une moto.
Au début, j'ai voulu faire juste ça comme une passion et tout, sauf qu'elle me disait que c'était dangereux. Après, bah, il y a eu la prison, elle a été là pour moi. Et bah, c'est là-bas, en fait, je me suis rendu compte de plein d'erreurs et tout. Je me suis dit à tout moment, si je perds ma vie, elle, comment elle fera, des trucs comme ça et tout. Et bah, c'est pour ça aujourd'hui. Ouais, d'accord. Donc, en fait, ouais, t'as pris conscience et là, maintenant, tu voudrais faire un truc plus sécurisé et genre monter une assoce pour les mecs qui kiffent la moto. Non, mais vas-y, fais-le. Mais bah, ça se fait, hein. Bah, tu sais, c'est pas compliqué à monter une assoce pour ce genre. Pour les jeunes dans tout ce qui est la région Île-de-France ou c'est bien ou tout ça, j'ai créé un Snap où j'ai fait un groupe. Ah bah vas-y, balance. Mon Snap c'est R bataille, bataille comme la bataille. Le R comme la lettre R. Oui, R B A T A I 2 L E 900. R bataille après t'as dit 900. Non, 91. 91, d'accord. Ah 91. Mais tu es dans le 7-8. Ouais, mais parce que en fait, de base, je viens de Lyon, à côté de Lyon, à Saint-Laval. J'ai déménagé dans le 91 à Évry. Et là, je suis arrivé à Mont-la-Jolie. Non, mais c'est bien de faire ça. Air Bataille 91, c'est ton Snap. Donc, si vous êtes des motards et si vous voulez filer un petit coup de main, allez faire un petit tour là-bas. Il y avait le message de. Attendez, il y a plein de messages pour toi. Ah ouais, un message de prévention. C'est le message de Mukintosh. Bonjour, Mukintosh. Ouais. Qui me dit, moi, je suis aide-soignant. On a un patient qui est devenu tétraplégique en se cassant la gueule sur un rodéo sauvage. Ouais. Après, il y a d'autres messages. Il y a des gars qui sont vautrés en rodéo sauvage. Moi, ça m'a calmé direct. J'ai un pote qui a failli mourir. Non, ouais, donc c'était. Non, mais après, c'est même ça, donc, lui. Je vais dire, à Bordeaux, il y a de plus en plus de rodéos sauvages. C'est un Bordelais qui nous envoyait ça. Je sais plus où t'es, mais on te salue. Merci. Bon, ce que je vais dire, c'est un peu dur, mais à un moment donné, le mec qui fait de la merde. À moto et qui se croûte, bon, c'est pas de bol pour lui, mais le pire, c'est quand même la pauvre personne qui est là, qui traverse le gamin, quoi que ce soit, qui a absolument rien demandé, qui se fait tamponner par le mec, qui reste sur le carreau, tu vois. J'ai vu un mec qui s'est fait tamponner, il regardait des mecs qui roulaient. Alors, lui, en fait, il était spectateur, il était avec sa meuf, il regardait des mecs qui roulaient. Ouais, bah, tu vois, il s'est pris une voiture dans la gueule. Ou les gens qui sont là, qui vont pour traverser, le mec, il arrive à toute patate avec sa moto et le mec, il fauche le mec, il le tue, tu vois. Bon, après, ouais. Non, mais en tout cas, c'est bien. Oui, mais après, c'est vrai aussi que les mairies, il faut pas non plus ce qu'il faut partout, tu vois. Je sais pas, il faudrait peut-être le truc de fermer des routes par endroit, c'est peut-être pas mal aussi. Bon. Air Bataille 91, donc ça, c'est ton Snap. Robin. Bah écoute, j'espère que tu vas avoir du monde. J'espère qu'il y a du monde qui nous écoute et qui est. Enfin, des gens qui nous écoutent et qui sont passionnés pour ça. Donc, ouais. Air Bataille 91. Donc, il y en a qui font des rodos sauvages en bas de chez nous, ça nous empêche de dormir. Le vendredi soir, c'est Kaba qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock. Après, ouais, voilà, c'est tout ce qui est la nuit, les trucs comme ça. Moi, quand j'en faisais, c'était plus le dimanche. J'en faisais dans des endroits où il n'y avait pas trop de monde et tout, parce que certes, je prenais des risques, mais je voulais pas. Oui, puis tu vois vite arriver les keufs en général. Hein. Mais pour moi, c'est comme les graffeurs, tu sais, qui prennent des risques. Justement, ils graffent à des endroits où ils n'ont pas le droit. Oui, mais mettent pas les jeux à la vie des gens. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais justement, est-ce que tu penses pas qu'en faisant des rodéos. Oula, rodéos. Autérisé. Ma gueule. Tu vois, par exemple, PJ nous dit que lui, il a vu des mecs, je sais pas, il y avait une histoire, les mecs qui faisaient des rodéos dans les centres commerciaux, tu vois, à un moment donné, là, c'est vraiment, genre, tu fais ça, c'est vraiment mettre la vie des gens en danger. Parce que c'est un influenceur qui faisait en scooter, je crois. Oui, mais c'est un con, tu vois. Voilà, oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, il est peut-être très gentil à côté, mais tu vois, de faire ça, c'est vraiment, tu cherches vraiment à tuer quelqu'un ou avoir des emmerdes. De donc Air Bataille 91, on t'envoie du monde, Robin. Et attention quand tu fais tes rototos. Voilà. J'ai pas réussi. Gros bédo. Quand tu fais un gros bédo. Bon, je te souhaite un beau dodo. Merci Robin, salut le poteau. Arrête de faire des Roméo. Vas-y, Robin. Ouais. Je voulais passer une dédicace à tous les gars de ma ville, à mon gars Yannis Despaunes. Ouais, à ma famille, à ma cousine Tiffaine, à tous les gens de Dreux. On est ensemble et puis voilà. Merci Robin et tu salues le poteau qui est derrière avec toi. Merci, bonne soirée. Et attention, leur bisous. Oui, ah ouais, voilà. Faites gaffe à vous. Salut gaffe Robin. Ciao. Bon, bah, on va y aller, les connards. J'ai mis 9. J'arrive plus à parler avec vous. Demain matin, on est de retour dès 6h pour le morning. 21h minuit, la radio libre. Ne loupez pas le rendez-vous. Et puis, passez une bonne nuit avec Skyrock. Évidemment, le son de Skyrock, c'est Corentin jusqu'à 3h du matin. Et juste après, bah, ce sera Tim jusqu'à 5h. Et à 5h, le Morning Best avec Mehdi. À 6h, on est là. Bonne nuit à tous bonne et à nuit. Toutes et à demain. Ciao. Ciao. Allez, salut.